Bon, alors on va commencer un débat sur Star Wars. Pour résumer rapidement, on a eu une discussion sur le serveur Discord qui est devenue vraiment une grosse discussion, à tel point qu'on s'est dit qu'on allait faire ça en vocal pour mettre les choses au clair, pour exposer chacun leurs arguments. Et donc là, sur l'écran, vous voyez un peu les personnes qui sont avec nous. Après, ça reste un format podcast. Donc, je vais pas tous vous présenter. On va vraiment faire Non, ça comme si, on s'en fout en vrai. les personnes vous voient. C'est pas qu'on s'en fout, mais la plupart, en plus, je pense, vous connaissent s'ils ont suivi les différents débats. Je pense que là, c'est on veut faire le Non, truc moi je vraiment connais pas de personne. manière trop formelle. Moi, je suis juste là, on va dire, pour encadrer le truc. Je vais pas forcément beaucoup intervenir. Franchement, je vais vous laisser continuer votre discussion. Le but, moi, c'est pas que je sois là encadré, Voilà, guider le machin et ça va tout. être la guerre. Franchement, vous faites ce que vous voulez, vous continuez votre discussion sur quoi vous étiez. Moi, limite, j'ai même pas être là, je suis juste là pour guider un peu le truc, pour cadrer, c'est tout. Franchement, reprenez là où vous en étiez, faites comme si vous étiez à l'écrit. On est là pour le vocal, Bah, donc franchement, moi, c'est franchement. très simple. C'est très, très simple. Moi, je veux juste qu'ils me disent en quoi Star Wars 9 est un bon film. Point, c'est tout. Franchement, déjà, Direct, s'ils arrivent, bah, il faut s'ils... y Non, mais aller. franchement, s'ils arrivent à me convaincre que c'est un bon film, mais les gars, Juste les gars, vous avant êtes des que vous on est pas là pour répondiez, te juste avant que vous convaincre. répondiez, Très s'il vous bien, mais plaît. si tu veux, S'il ça vous part plaît, en s'il vous plaît, clash, là, ça y attendez, est. attendez, Attends. attendez. Là, S'il vous c'est bon, plaît, je s'il suis vous en train. plaît, s'il Attends, vous chut. plaît. Bon, Attendez. allez, chut. Ça part déjà en Ce que couille. je veux dire avant qu'on commence, parce que vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est que on essaye de respecter au Oui. maximum le temps de parole de chacun, enfin pas le temps de parole, mais au moins la parole, et que si jamais vous voyez que vous parlez tous en même temps, essayez d'avoir l'intelligence d'arrêter de parler pour laisser parler l'autre. Voilà, c'est au moins ça pour pas que ça devienne n'importe quoi. Bon bah du coup, hein, là vous avez la question, donc vous Bah pouvez y allez-y, hein, répondre. franchement. Convaincez-moi. Bah peut-être d'abord je peux vous dire un petit peu moi ce que je pense de la postlogie en globalité pour que peut-être vous compreniez mieux. Alors attention. Ouais, bah bien sûr, vas-y. C'est qui déjà? Épisode 7, pour moi, c'est le retour de Star Wars après des années. Évidemment, c'est une sorte de copie de l'épisode 4, mais pour moi, c'était un retour réussi dans le sens où ça permettait de faire revivre la mythologie Star Wars de nos jours, de façon un peu plus actuelle. Ouais. Bon, on va pas se mentir. C'était un point de départ assez foireux pour la postlogie, cet épisode 7. Mais avec ce qu'ils en ont fait, ça restait honnête, ça restait un bon divertissement, c'était pas une catastrophe. Voilà, ça ouvrait pas mal de possibilités. Épisode 8, Rian Johnson, qui m'a fort longtemps gêné, entre guillemets, mais que j'ai appris à aimer parce que finalement, il y a des thématiques très intéressantes sur Luke, les Jedi, des réflexions intéressantes, sur Kylo Ren notamment, hein, qui est pour moi un des meilleurs persos de Star Wars. Et puis il y a le 9 qui vient niquer tout ça. Voilà, un Non mais bah claquement. oui. Non, non, mais pour moi, c'est le 9, Non mais je suis d'accord. c'est une Non catastrophe, mais c'est une déception sur tous les tu points. C'est du as fait le droit de le rétro-pédalage. dire. C'est même Mais pas laissez Kai un bon parler. film. C'est un film de 6 heures compacté en 2 heures, rempli de MacGuffin. Enfin, c'est vraiment le niveau zéro du cinéma, quoi. On fait revenir le grand méchant de nulle part. Ça n'a jamais été teasé. On va me sortir la musique de Snoke machin. C'est pas recevable comme argument. Bon, voilà, épisode 9, j'en Bon, retire ok. clairement rien de bon. En plus, à la fin, ils font les mêmes erreurs que dans épisode 6. Non. Bon. Si. Là, juste, Non, mais ça va pas voilà, commencer c'est là. ça. Justement, c'est là que vous avez pas compris en fait. Surtout sur Et je t'en prie, dis-moi pourquoi nous Ouais, n'avons pas compris. Parce que allez-y. globalement, Moi, j'ai rien à dire dites-nous. que là. Attendez, Je te simplement, lance. je finis Alors. juste. Moi, je suis très curieux de voir en quoi vous allez nous faire comprendre qu'on n'a pas compris Star Wars, alors comme si c'était un film de Scorsese ou de Palma. Non, mais c'est Les gars, justement c'est charmant, là. oh C'est ça qui est putain, dur, on c'est que vous passait n'avez bonne pas compris soirée. un film qui est ultra simple à comprendre. Hein? Y a plus De quoi? personne, là. Bon, oh, j'ai J'ai rien rien entendu. entendu. On continue. Bon, Non, mais c'est voilà, pas grave. du coup, c'est à vous de m'envoyer la balle, m'expliquer. Après, on pourra aller sur des points plus en profondeur, sur des points précis du scénario, des personnages, du rythme, etc. Mais voilà, dites-moi en quoi défendez votre bout de pain, en quoi j'ai pas compris Star Wars 9. Allez-y. Alors, déjà, je vais commencer. Selon moi, le 7 est un très mauvais démarrage. On est Enfin, d'accord. catastrophique, mais c'est pas un bon Star Suis pas Wars. d'accord. Et c'est littéralement, on retrouve littéralement la même trame narratique
que le 4. Il y a des facilités. On retrouve l'étoile de la mort qui sert à rien. Il y a un combat avec Poe qui est complètement éclipsé, alors que dans le 4, c'était le centre Tout à de fait. l'action. Là, c'est juste un détail derrière en fond. Il y a le combat avec Rey qui se bat contre Kylo, Kylo qui se téléporte, qui arrive et tout ça, et la Terre qui se sépare. Voilà, super. Si vous voulez, on entrera dans les détails par rapport à l'épisode 7. Quant au 8, tout ce qu'avait amorcé le 7 qui allait être du réchauffé complet et pas terrible, le 8 est parti dans une direction totalement différente qui est beaucoup plus intéressante, qui apportait des nouvelles choses. Au début, je suis d'accord, je trouvais le 8 pas très bon, mais après réflexion, j'ai trouvé qu'il était très bien. Et après, je suis allé voir le 9. Le 9, j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé que la fin, c'était la même que le 6. J'ai trouvé que c'était Tout à fait le truc d'accord. avec style Avenger, dit je suis tous les Jedi, j'ai trouvé ça con. J'ai vraiment détesté le film à sa sortie. Et après, je l'ai revu. Et j'y ai découvert des nouvelles choses et de nouveaux messages, et j'ai trouvé ça plus intelligent. Et en fait, je trouve même que le 9 apporte de nouvelles choses, je vais y venir, apporte de nouvelles choses à la saga, de nouveaux messages qui n'ont pas été mis dans les autres films. Et il y a aussi des sujets qui sont actuels, qui ont été mis plus en avant, dont on ne parle pas dans le 7 et le 8, évidemment. Donc, j'imagine que je vais commencer. Par exemple, je vais commencer par un truc. Si je vous dis. Je suis sûr que pour vous, Rey Skywalker, c'est quelque chose de complètement débile à la C'est une fin. catastrophe. C'est juste une Ben, catastrophe. voilà, tout Pour à toi, fait. c'est une catastrophe. Ah, Ouais, je crois que je vais super. rien Attends, dire. je peux t'expliquer pourquoi je trouve que c'est une catastrophe. Oula, attention. Non, non, non. Non, mais est-ce que je peux? Oui, vas-y, vas-y. Ok. Pour moi, ça aurait été tellement plus puissant qu'elle garde le nom Palpatine. Ça aurait fait tellement plus Jedi de montrer qu'en fait, rien n'est irréversible. Tu peux garder le nom Palpatine, lui redorer le blason, qu'elle accepte qui elle est, enfin. Et qu'elle ne se cache plus, elle sait qui elle est, où elle va, ça aurait été mais tellement plus puissant, ça aurait été plus Jedi, ça aurait été plus Star Wars, ça aurait été plus tout. Alors, Là, c'est ce que j'ai pensé. non seulement, ça sort de nulle part, mais en plus Oui, de c'est ça, ça. en termes purement de cinéma, de mise en scène, mais c'est apporté, mais c'est le niveau zéro de la réalisation. Il y a une meuf, elle se balade, on ne sait pas ce qu'elle fout là, elle demande qui elle est, elle demande son nom de famille, genre qui demande le nom de famille des gens dans la vraie vie, enfin bref. Ça, à la limite, c'est un détail, c'est la mise en Droit. scène, mais juste pour dire que jusqu'au bout, le truc a été mal fait, quoi. On sent qu'ils ont vraiment acheté ça à la fin en mode bon, allez-y, Rey Skywalker, Puis voilà. surtout, pourquoi est-ce Je qu'elle creuse. s'appellerait Skywalker? Parce que, je veux dire, Leia l'a peut-être un petit peu entraînée, mais ça restait quand même. Une Bon, ça Skywalker. Je restait. vais vous expliquer, je vais vous Ça expliquer. reste Désolé de vous le dire, c'est ça... la fille Oui, de non, Dark d'accord. Vador. Non, mais Voilà, ça d'accord, s'appelle d'accord. peut-être En fait, ça aurait été mieux que Organa, Rey elle était soit certes, de mais rien du tout. Rey avait Ça aurait appris été les mieux. fondamentaux des Jedi bien avant. Et Luke, bon, il lui a donné trois leçons. Alors, il l'a peut-être fait évoluer, mais rien de Luke, elle quoi. lui Est-ce a qu'ils donné aient un rap? des visions de la vie, des thématiques Des de la visions de vie, la vie. de la force, de l'écoute de Certes, la force. sauf que Luke, enfin, y a quand même pas de quoi prendre le nom de famille de Luke, le considérer comme un père adoptif, à la limite Han Si, Solo, mais à justement, tout le monde. c'est C'est la la famille, morale, en c'est. fait, je vais vous expliquer, c'est la morale, en fait, de la trilogie, de la postologie. C'est qu'en fait, Rey, je vous explique, hein, Rey, S'il te plaît. par le prénom, le nom de famille de Palpatine. En fait, j'étais d'accord avec vous au début, mais en fait, je parle comme Qu'était la merde. si elle, Bois un elle verre d'eau. prend le, ouais, c'est ça. Si elle prend le nom de Palpatine, elle transmet son héritage, et donc si elle porte le nom de Palpatine, elle le rend immortel symboliquement, son nom de famille. Alors, Ensuite, si elle choisit, je suis ah, pas. je suis pas Oula, d'accord, attends, attends, attends. excusez-moi. Laissez-le Attendez, parler, laissez. attendez, laissez-le Je parler. laisse, Si les gars, je laisse. elle choisit le nom de Skywalker, c'est qu'elle choisit les valeurs que portent Luke et Leia, qui sont les gens qui l'ont aidé, qui lui ont transmis les vraies valeurs des Jedi, de l'amour et tout ce que vous voulez, que ne porte pas Mais Palpatine. attends qu'ils finissent. Ne coupez pas là. Palpatine, Palpatine dans cet univers, c'est l'équivalent d'Hitler. Alors, ok, si elle porte Palpatine, elle porte ses couilles qu'elle n'a pas et tout ça, voilà, mais elle rend par le nom de Palpatine, elle le fait gagner quelque part. En fait, elle choisit sa vie. En prenant le nom de Palpatine, elle choisit de Skywalker, je veux dire, elle choisit Lapsus. l'héritage, ce qu'elle veut transmettre, la philosophie. Elle choisit qui elle veut être.
Mais c'est bien plus fort de garder le nom Palpatine, qui est effectivement l'équivalent d'un Hitler dans Star Wars, et de montrer, de Non, faire parce que éclipser cette image de continuez. Palpatine. Laisse-moi finir. De montrer Non, que parce que. une autre image de Palpatine à la galaxie entière, jusqu'à en faire éclipser la première image. C'est beaucoup plus Mais non. puissant, parce que le nom Palpatine, il ne Mais sera jamais qu'est-ce que éclipsé tu dans la veux qu'elle galaxie. fasse, Rey? Alain La Soral galaxie est sort de ce sauvée. corps. Il La galaxie est y a... sauvée jusqu'à quand? Y Parce a que. plus de La ville, c'est République. pareil. Ah oui, bah, alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce Tiens, que tu qu'est-ce qu'il y veux a à la qu'elle fin du fasse, Rey? 6? Qu'est-ce qu'il y a à la fin, qu'est-ce qu'il y a à la fin du 9? Qu'est-ce qu'ils mettent en place? On n'en a aucune idée. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils font une république? Est-ce que. La fin du 6 non Est-ce plus, qu'elle hein. transmet son Et héritage? qu'est-ce qui Ah, se passe à la fin du 6? Oh, mais. la bonne question. Oula, Non, mais doucement! attention, Attention, j'ai pas dit que c'était bien dans le 6 non plus, hein. Ok? oh, Bon. pardon, pardon. Ouais, non, mais qu'on soit d'accord. On n'a aucune idée de où ça va, qu'est-ce qu'ils font derrière, est-ce qu'ils vont recommettre les mêmes erreurs, c'est-à-dire faire une république, recréer un ordre Jedi, ce qui mènera Mais non, la inévitablement à la morale. chute un jour ou l'autre. On n'en sait rien, ça manque de contexte, La cette morale postologie manque de contexte. la morale de la postologie, c'est l'héritage. Donc évidemment qu'ils vont pas refaire les mêmes choses. Mais ils vont Rey, faire quoi si alors? On n'en a aucune idée. Mais on s'en fiche Mais puisque t'as dis-moi, le on propos du s'en fout! film. Bah non, on s'en fiche pas, On non. s'en fout! On s'en fout l'héritage Comme le de la 6. galaxie On Star s'en fout Wars. pas du 6. Qu'est-ce qui se passe après le 6? Le 6 est mauvais dans ce cas. Mais C'est j'ai pas pas dit. logique ce que vous dites. Bah, le Bah 6 est. si. Bah, pourquoi ce serait pas Vous logique? faites un reproche qui peut Oh s'appliquer au 6. putain! Tout à fait, Oui, bien vu, absolument. Sherlock. Et alors, le Bon, 6, il a plein de défauts donc jusqu'à pourquoi le ce. 6? Donc le 6 est mauvais alors. Mais le 6 Mais est il pas a mauvais! pas dit ça. Eh, Star Wars 9 est pas mauvais juste pour ça, hein, je te rassure. Non, d'accord, mais Non, on est non, d'accord mais. que ça veut rien dire ça. C'est pas Sauf logique. que Star Wars Je 6 viens de n'était le pas dire, fait c'est dans pas. la même. C'est Pardon, presque est-ce que je. paradoxatif. Ce que je peux dire, c'est que le 6 n'a pas été fait dans. Enfin, alors, si, techniquement, ça a été fait dans le même but que Star Wars 9, c'est-à-dire de conclure la saga. Sauf que le 6, bien qu'à l'époque, il y avait quand même un succès, etc. Pardon, excuse-moi. Ça pouvait quand même être raconté finalement comme un conte. Et le fait qu'il n'y ait pas de contexte, alors certes, on pourrait dire que c'est un défaut, et c'est vrai qu'avoir plus de contexte aurait été franchement, franchement bienvenu. Star Après, Wars bon, 7. voilà, ils en ont fait, voilà, Star Wars 7. Après, tout dépend comment tu l'expliques aussi. Ouais, après, tu peux l'expliquer comme tu Non, mais veux, les gars, certes. dans le 6, c'est maladroit aussi, mais c'est pas du tout un argument en faveur de l'épisode 9, les gars. C'est pourri, c'est tout. Dans l'épisode 9, ça manque cruellement de contexte, comme toute cette post-logie d'ailleurs. L'épisode 7, c'est une catastrophe à ce niveau-là. Il aurait pas dû commencer à ce moment-là. Et ça, Tout à encore une fait. fois, Il aurait dû commencer. c'est la preuve de Disney qui est en roue libre, qui a rien prévu sur ses trois films, et qui laisse ses réalisateurs essayer de chapeauter un truc qui sort de l'ordinaire sur chacun des films, c'est tout. C'est tout. Mais tu peux tu peux comprendre ce qui va se passer. Tu Ce qui peux s'est passé, comprendre. c'est que. Alors le cinéma, c'est le monstre. Laisse-moi Hein. finir. Laisse-moi finir de parler. Il le montre. En fait, L'imagination, vous il savez ce que c'est ou pas? Est-ce que y vous avez de a un l'imagination? soulèvement entier de la galaxie contre Je crois que je vais me l'Empire. casser Et en tu crois vrai. qu'après ils vont rien faire? Tu crois qu'après ils vont rien faire? Oh, bon, on va retourner à nos occupations, on va laisser tout ça comme ça en plan. Non, il y a un soulèvement. Tout le monde s'implique dans le conflit. Alors que dans le 6, ce qui passe, qu'est-ce Ça qui vous se dit, on passe va dans le sur une 6? autre, un autre Il y a serveur? juste la rébellion qui se bat contre l'Empire. Là, c'est pas la rébellion qui se bat, c'est toute sa galaxie. C'est pas le même propos, c'est un soulèvement. Qu'est-ce qui empêche par La la rébellion, suite? un soulèvement. Enfin, Qu'est-ce qui oui. empêche par la suite le mal de revenir? On n'a rien, on n'a rien, on n'a rien, les Mais le gars. mal reviendra quoi Il qu'il se arrive, d'une soulève. manière ou d'une autre. Et de toute manière, une guerre à l'échelle du monde, c'est aussi pertinent que ça. Qu'est-ce que c'est une guerre à l'échelle du monde? Évidemment qu'il y aura toujours des guerres. C'est quoi ce. C'est complètement con. Tu crois qu'ils vont Mais non, mettre mais. fin à la guerre, c'est ça? Non, mais ce que je te dis là, moi, c'est tout à fait autre chose. C'est qu'on n'a pas de contexte sur la situation politique de l'univers Star Wars à la fin. Au début, on dit que c'est une république, ensuite un empire, ensuite, bah, on Mais sait pas, en évidemment, fait. parce qu'il n'y a plus de Imaginez, les conflit, il n'y a plus gars! de république. Imaginez! Non, mais c'est Oh, les trop gars, facile s'il de vous dire plaît! imaginer. À ce moment-là, on tourne un écran noir, on dit imagine! Mais, Non, mais on peut les pas gars, dire ça. à la fin, Mais à la cinéma, fin du c'est toujours 4, à la, basé au sur début, l'imagination. non, De quoi au l'épisode épisode 4? 4, au début du 4, il n'y a plus de république. L'Empire est vaincu à la fin par la rébellion. Au Oui, bien début vu, du oui. 7, la République se fait détruire. Il n'y a plus de République. Le Premier Ordre est en train d'envahir la galaxie, ce n'est pas le cas dans la trilogie originale. L'Empire est déjà établi depuis des années. Ouais. Et Ce n'est là, pas un le problème. Premier Ordre se fait détruire par un soulèvement galactique. Tout le monde détruit le Premier Ordre et le Dernier Ordre. C'est voilà, c'est D'accord. tout. Et après, c'est quoi du coup? C'est l'anarchie, on n'a pas de gouvernement. Youhou, tout le monde est copain. Yes. Si, C'est parce énorme que ça. Mais non, mais les gars, imaginez, ils vont faire des trucs, y a qu'à imaginer. Bah oui, bah d'accord, bah Mais si si vous t'as pas consommez des d'imagination films en comme même temps, ça, ne les regarde pas gars, Star Wars. si vous Mais on consommez s'en des films comme fout. ça On sert à je juste à suis rien. désolé, mais on s'en fout. Ah non. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de la partie république et tout ça? C'est pas les propos du film.
Mais bien sûr que si, je te rappelle qu'il y a une trilogie entière qui est consacrée à la situation politique de la galaxie. Star Wars, c'est ça, Oui, c'est... parce que le propos de la prélogie, c'est de montrer comment une république a basculé dans un empire. C'est pas le sujet des autres trilogies, tout simplement, c'est tout. Excuse-moi, Chou, quand on parle de Star Wars, il y a donc Star, donc étoile, donc ça c'est très bien, et on a guerre. Alors certes, on a une guerre, sauf que penser que la guerre c'est que des batailles, c'est complètement illusoire. Il y a un contexte politique qui est inévitable dans Star Wars. On l'avait peut-être un peu moins dans la trilogie originale, mais on avait tout pour comprendre, à part, c'est vrai, à la fin du 6, on ne savait pas ce qu'il faisait. Bon, c'était peut-être un petit peu moins important. Enfin, moi, ça m'a pas dérangé. Après, je peux entendre le fait qu'on dise que dans le 6, c'était pareil. Du coup, oui, c'est vrai, c'est un défaut du 6. Mais ça excuse pas le 9 de rien mettre. Et non, je suis désolé, on peut pas s'en foutre. Surtout qu'on n'a Alors, aucune le... idée de ce que Rey va faire de son savoir. Est-ce qu'elle va le transmettre? Est-ce qu'elle enterre le sabre laser? Est-ce qu'elle va le garder pour elle? Qu'est-ce qui quid des Jedi, de leur philosophie? On n'en sait rien. On n'en sait rien, les gars. C'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe, il suffit de comprendre. Il Enfin, suffit sauf que, d'imaginer. Oui, c'est plus évidemment, imaginer que comprendre. l'imagination. Non, le Oh, mais Star sinon, Wars, je ferme les yeux le et je propre peux de plus Star rien. Wars, deux secondes. Arrêtez La de couper les gens, trilogie ça originale, devient le vraiment propre de chiant. Star Arrêtez. Wars. Star Wars, ce n'est pas un film de science-fiction, c'est un film de space opéra. Donc, ça raconte le mythe du héros. C'est le monomythe. C'est l'histoire Non mais tu vas d'un pas apprendre ce que personnage c'est, qui s'est Mathieu, je sais accompli. ce que c'est déjà. Attends, laisse-moi terminer. Donc, Non mais tu ça, vas pas c'est le t'énerver. propos de la trilogie originale. La prélogie, c'est une tragédie antique sur fond politique, parce que George Lucas voulait parler de politique, sauf que la politique dans la prélogie est bancale, désolé, voilà. Donc, ce n'est pas le propos de la prélogie, c'est de parler de la politique. Le propos des deux autres trilogies, ce n'est pas la politique. On s'en fiche Au nom de vraiment de la quoi? politique. Vraiment, au nom de quoi tu me sors ça? Pour moi, dans un univers comme Star Wars, le contexte politique est hautement important. Mais c'est dingue de dire le contraire, je trouve La ça dingue. seule phrase Donc politique pour toi, dans la tu trilogie voudrais originale, que à c'est la... dans l'épisode 4. Et la seule truc qu'on apprend dans l'épisode 4, c'est quoi? C'est le Sénat n'existe plus. Et c'est Bah oui. tout ce qu'on a. Mais Et oui. l'Empire est là. Voilà, Pourquoi? c'est Parce que tout ce c'est qu'on les a. premiers. L'Empire est là, le Sénat, il n'est plus là. Ok, très bien, on a un Empire, il n'y a plus de Sénat. L'épisode 7, c'est quoi? C'est, voilà, il y a une République, il y a un Premier Ordre qui est là, on ne sait pas ce qu'il fait là, certes. Il pète la République n'existe plus, il n'y a plus de flotte de la République, il reste plus que la résistance qui était subventionnée par la République, Et la c'est République, pardon. pourri. Et on le sait. C'est un contexte politique qu'on a déjà connu sur Terre, mais bon, faut quand même Sur Terre. reconnaître que... Alors, Oui, vous voulez est-ce que que tu le as connu dernier, la que crise de l'épisode Cuba? 9... Se termine Non, avec pas, la je comprends guerre, rien. hop, c'est fini, ils battent les méchants au milieu du film. Toute l'autre partie, c'est une reconstruction politique dans la galaxie. Super intéressant. Ouais, c'est vachement intéressant. On va avoir des Oui. débats, on va avoir des plans sur des gens qui parlent et on se fait chier. Moi, Voilà, c'est tout. c'est là où... Très simplement, je comprends pas comment vous pouvez vous satisfaire d'une fin qui donne aucun contexte sur la place de l'univers. Pourquoi est-ce qu'on s'est battu toutes ces années? On n'en sait rien. Si ce n'est faire vaguement revivre une vague d'espoir, le soulèvement de la galaxie, d'accord, la galaxie se soulève, mais pourquoi au final? On ne sait pas ce qui compte faire de ce Justement, pouvoir nouvellement retrouvé. Je suis navré, mais ça ne va pas. la postologie, c'est la première trilogie où on voit clairement le peuple de Star Wars, qu'on ne voit pas dans la prélogie, qui parle de politique, qu'on ne voit pas dans la trilogie originale. Donc, je ne sais pas de quoi vous vous plaignez, en fait, là. Le peuple de Star Wars. Alors, qu'est-ce que tu entends par là? Tu parles des trois clampins qui se ramènent avec Poe. C'est ça Trois la campagnes, ouais. politique de... Le Mais est-ce que contexte tu as vu avec, par l'épisode 9, exemple, s'il te les plaît? enfants, le Oh non, mais casino, là. tout ce qui se passe en dehors de l'aspect héroïque des batailles et tout ça. Non, mais là, on touche le fond, là. D'accord, et donc du coup, c'est pas du coup hautement incohérent d'avoir le peuple, machin, et au final, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont à la fin. Leur avenir, on sait pas trop par qui ils seront dirigés, ni comment, mais Mais qu'est-ce ils que. sont contents, ils ont battu les méchants. Eh ben oui, voilà. Bah Qu'est-ce que tu super. veux qu'on dise Alors de les plus? gars, Donc pour toi, si vous avez attends, je suis aucune autre désolé, mais ambition. Star Wars, ce n'est pas, c'est pas centré sur la politique, Star Wars. Si, C'est mais un je dis pas mythe. que ça Non, c'est l'est, la prélogie. sans l'être. Mais non, Je mais dis on pas va que pas ça faire un l'est. film politique avec Star Wars. Mais oh là là. Tout de suite, tu me parles d'un film politique. Moi, je te demande juste un minimum de Mais c'est. contexte. Il y a quand même un ravin entre ce que tu me dis et ce que je veux. Mais C'est le contexte, incroyable. il est facile à comprendre, c'est pas compliqué. Alors Alors, attendez, je vais vous justement, c'est faire la simple. postologie en entière, voire carrément après la postologie, parce que c'est assez simple à Non, moi, comprendre. franchement, on Donc en a rien avant à la. battre. Attends, Nous, ce attends, qui nous attends. reste après le 9. Écoute, Juste, arrête rien de à nous battre dire. de la Arrête, du contexte. arrête. Arrête de nous couper, ça devient vraiment chiant. On sait que t'es énervé, t'es comme nous, t'es un peu énervé, ok. Stop, stop, Très stop, bien. stop, stop, Il stop. faut Non, se c'est quoi? calmer. Au bout d'un moment, Stop. il faut se calmer. Et Les arrêter de gens, prendre les gens pour con. les gens.
tout doux, on baisse un peu le ton, on repart normalement. Si on coupe, c'est pas grave, on repart tranquille. Allez, s'il vous plaît. Bon, oui, j'en ai tout. Oui, dans le contexte politique de la postologie, c'est assez simple. Dans l'épisode 7, on apprend, voilà, il y a une république qui s'est formée entre le 6 et le 7. On ne sait pas exactement si elle est corrompue, tout ça. Bon, ok, bon, oui, il y a une république secret pour avoir des preuves pour savoir si le premier ordre est une menace. Malheureusement, on apprend trop tard que c'est une menace et du coup, ils se font péter la république avec Starkiller. On détruit Starkiller, mais le premier ordre commence à envahir la galaxie. Point, ça c'est la fin de l'épisode 7. Début d'épisode 8, le premier ordre continue à s'étaler, mais la résistance essaie quand même de pouvoir les arrêter. Sauf que à ce moment-là, il n'y a plus de politique, puisqu'il n'y a plus qu'un seul dirigeant, il s'appelle Snoke. À ce moment-là, il n'y a plus qu'un seul dirigeant, donc c'est lui qui ne doit pas se faire passer le contexte politique. Sauf qu'il n'y a plus de république, donc il n'y a pas de politique, et c'est normal qu'il n'y en ait pas. Tout ce qu'on sait, c'est voilà, la résistance qui est là, ils combattent le premier ordre, ils sont laminés, et à la fin du 8, il reste 4-5 technos qui sont dans le faucon et qui vont devoir reformer une république. Et Leia nous dit, tout ce qu'il nous faut est dans le faucon. Bref, début de l'épisode 9, le premier ordre a envahi la galaxie. Et Kylo entend un message de... Enfin, les gens entendent une menace de mort, de chaos, de Palpatine. Et décide, du coup, Kylo et cherche le pouvoir. Du coup, il va se demander comment je vais faire pour le retrouver. Et du coup, il le retrouve, machin. Dernier ordre, machin. Arrête de me couper, s'il te plaît. À la fin de l'épisode 9, voilà, Palpatine est mort. Le soulèvement populaire de la galaxie qui en a eu marre de toutes ces guerres, de tous ces conflits entre Sith et Jedi qui veulent contrôler la galaxie. Et bien, à la fin, les gens sont en plein cul. Et la morale de la fin, c'est quoi? C'est on va faire laisser la morale de Luke et de Leia perdurer. Et le truc, c'est que la morale de Luke et Leia, c'est quoi? C'est une république. Et donc, une république, qu'est-ce qu'ils vont faire après l'épisode 9? Ça va être une république. Et après, est-ce que tu as fini? Non, je sais pas. J'aimerais pas te couper. Est-ce que tu as fini? Pardon, vas-y, continue. Les pots, tout ça, ils vont construire une république sur les bases de Leia, parce qu'elle a fait des erreurs qu'il n'aurait pas dû faire, comme découvrir que Leia était la fille de Vador, etc. Tout ce qu'on sait dans les romans. Bon, ça, c'est juste dans les romans. Mais on sait tous que la République dans l'épisode 7 a été un peu, si elle se pétait et si personne n'a arrêté, c'est qu'il y avait forcément un problème, c'est que la République n'était peut-être pas appréciée, faut le dire. S'il y a personne qui vient à la fin du 8 pour combattre le premier ordre, c'est qu'il y a forcément une raison. La raison, c'est que les gens ont peur. Les gens ont peur de refaire encore les mêmes conneries. Et du coup, ils osent pas. Et du coup, à la fin de l'épisode 9, on se retrouve avec la résistance qui a gagné avec toute la galaxie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se souder ensemble, construire une république stable et pas une république qui va partir en couille. Après, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer que les Usagers vont arriver dans le canon. Ça, on sait pas. Ouais. On peut imaginer qu'il y ait, une autre force, les Mandaloriens qui arrivent à se reformer, à redevenir grands, qui vont vouloir se venger de la République. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais on peut imaginer des choses, et c'est ça qui est intéressant avec Star Wars, c'est qu'on peut avoir de l'imagination. Et ça, je trouve que dans une saga qui a 40 ans, avoir de l'imagination, je trouve que c'est quand même une bonne chose, qu'à la place qu'on nous dise, voilà, il va se passer ça, 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 et vous n'avez pas d'imagination, imaginez pas, voilà, vous savez, il va se passer ça, voilà, terminez-vous avec ce que vous avez. Voilà, ça c'est bien. C'est comme le retour de l'Empereur, je suis désolé, mais moi je l'ai trouvé super. Parce qu'il y a un message, je vais pas expliquer tout parce que ça, je pense qu'Achou l'expliquera mieux que moi. Palpatine qui revient dans le 9, c'est ultra logique avec ce qui se passe dans toute dans la prélogie. Le gars t'explique qu'il a un enseignement de Palpatine de Sith, comment il s'appelle, Plagueis, qui dit voilà. Attends, parce que je parle d'autre chose là. Est-ce que je peux revenir déjà sur ce dont tu parlais avant? Oui, non, j'aimerais bien aussi après. Non, parce que tu parles pas de la même chose en fait. Parce que c'est un contexte politique avec Palpatine. Ouais, mais attends, t'as déjà pas mal parlé. Est-ce qu'on peut au moins entendre les autres, s'il te plaît? Moi, rebondir. Ouais, parce que ce que tu disais sur la fin du 9, c'est très joli, l'imagination, tout ça. Mais l'imagination ne doit pas être là pour combler les plot holes. Or, ce que tu dis, c'est franchement, c'est très sympa. Hein. Sauf qu'il n'y a aucune clé qui donne à penser cela concrètement dans les films. Et il y a un point que tu n'abordes pas du tout dans la conclusion de l'épisode 9, c'est quid de l'utilisation de la force après cela. Est-ce qu'ils vont continuer la justement, j'allais y venir. Bah, vas-y, parle-en alors.
J'aimerais quand même revenir un peu sur le contexte politique sur les autres films, parce que justement, alors tu disais que c'était la première fois donc que la population soulevait. Alors peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas autant de moyens, etc. Mais la rébellion, c'était aussi pour représenter voilà les gens qui soulèvent et qui ont le courage donc de se soulever. Après c'est quand même assez drôle que donc dans la post-logie on dise que les gens se soulèvent, enfin on imagine que le premier ordre devait être tyrannique. On imagine que la République devait pas être dingue, dingue, dingue. Le problème, c'est que oui, voilà, on nous dit que l'on imagine, sauf que c'est pareil, on nous montre rien, on ne sait pas de quoi les gens souffrent. C'est exactement le même reproche qu'on peut faire à l'épisode 1, parce qu'on nous dit Ça, on les gens sait, sur on Naboo sait. souffrent. On Oui, sait, on on sait, sait, on on le a fait. sait. Ça, Attends, c'est très Ashou, drôle attends deux aussi. secondes. Attends, Ashou, attends deux secondes. On sait exactement de quoi souffrent les gens. Déjà, je suis désolé, dans l'épisode 8 et dans l'épisode 9, on sait exactement de quoi souffrent les gens. Je t'en prie. Dans l'épisode 8, on apprend quoi? Qu'il y a l'esclavage, qu'il y a des, comment dire, bah, l'esclavage de base avec les enfants, la maltraitance des animaux, plein de choses. Et dans l'épisode 9, on a quand même une scène de rafle d'enfants qui viennent rafler les enfants dans les villes. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est pas si grave, hein, on s'en fout. Bah, se faire prendre Non, son je vais enfant pas dire ça. par l'empire nazi qui vient enlever tes enfants pour les corrompre et les faire devenir des soldats programmés pour tuer, perdre ton enfant, désolé, mais c'est quand même une chose grave. Et je pense que c'est une des choses aussi qui a fait que les gens se sont soulevés contre le premier ordre. Juste, pardon. J'aimerais juste revenir sur ce que tu as dit. Pour le casino, etc., on peut pas dire que les gens se soulèvent pour ça parce que c'est à cause du premier ordre, dans la mesure où le premier ordre vient juste de se faire péter une base. Donc, je suis désolé, ils n'ont pas été spécialement. Enfin, ils n'ont pas eu le temps de prendre une galette, de prendre la planète ou de les assaillir à je ne sais pas quoi. Surtout qu'on voit aussi que la République s'arme là-dedans. Donc, on peut pas expliquer le retour dans l'épisode 9 avec ça. Après, oui, alors la scène que tu décris, c'est vrai. Après, est-ce que. Alors, bon, ça peut laisser à penser quelque chose. Je te l'accorde, il y a peut-être une piste là. Après, c'est pareil. Développer un peu plus, ça pourrait être pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas du tout la première fois qu'on le voit. Ne serait-ce que les Ewoks, pareil, on voyait que l'Empire occupait la planète, etc. Je veux dire, c'est pas Oui, mais nouveau. ils tuent C'est pas même les Ewoks. Ils même ne le tuent fait pas que les les Ewoks. Ewoks, Ils ça leur tue. défendent Moi, je suis une désolé. esclavage. Bah, l'Empire aussi, oui, il y a un Ewok qui est mort. Et puis même quand voilà, ils occupaient la planète, etc. On savait déjà bien avant que des peuples se soulevaient, etc. En plus, il y avait un rapport avec Oui, mais la c'était guerre jamais du montré. Vietnam. Oui, Non, mais c'était bah jamais si, réellement abordé. c'était montré, tu peux pas Ah dire ça. non, non, On voyait c'était bien pas montré dans l'Empire, on l'épisode voyait 4, ça. bien Si, l'Empire, c'était pas on voyait montré. bien Non, l'Empire. Attends, mais non, on il peut y pas a. non plus. On voyait bien l'Empire qui occupait la planète, et puis même on voyait même bien l'Empire qui avait détruit Alderaan, qui était une planète complètement pacifique. Tu me diras le Premier Ordre aussi, mais le Premier Ordre le font pour tuer une République. On sait même pas s'ils ont raison ou pas, parce qu'on sait même pas si la République fait bien ou pas. Donc, enfin, c'est un peu compliqué de se mettre là-dedans. Et Mais puis oui, voilà, ça, on surtout le s'en problème. fiche. Ah non, on s'en fiche pas, non. Je suis Ça, navré, c'est on un peut pas fait de la s'en ficher. République, c'est C'est le un bien. soulèvement par la Ça me semble force. Tu vois logique que que la politique, tu crois que je veux dire, la République va être pire que le Premier Ordre. Le Premier mais Ordre qui arrive et qui prend tout de force. je te signale quand même que par exemple Ça y a n'a, plein de on s'en dictateurs qui ont fiche été pour le élus à coup. cause de démocratie. Et non, on ne s'en fiche pas. On peut pas dire qu'on s'en fiche parce que c'est la suite directe de l'épisode 6. Ça serait justement bien de savoir ce que nos héros ont réussi à accomplir. Et peut-être que le Premier Ordre pourrait être là à cause d'une erreur qu'ont fait par exemple les héros avant. Et là, par exemple, ça pourrait être intéressant. On pourrait dire oui, mais après les héros, ils ont pas bien géré la suite. Du coup, il y a quelque Oui, mais chose qui émane de justement, ça. C'est. Oui, pardon, j'ai pas entendu ce que tu as c'est dit. expliqué à travers le film, à travers toutes les discussions des personnages. On Il y comprend a qu'il y a un quasiment fascisme. aucune Non. discussion avec les personnages et il y a Alors, jamais on évoque que c'est la développé République est avec le fasciste. personnage. Dans Du coup, l'épisode 8, encore une fois c'est dans développé l'épisode avec 8, le c'est encore personnage une fois même dans de l'épisode 8. Kylo Ren. La République, je suis désolé, on s'en fiche. Ah non, enfin bon, peut-être que toi tu t'en fiches, mais je veux dire, quand c'est quand même une suite directe à C'est pas le l'épisode. propos de Star Wars. Mais C'est pas. c'est pas le problème que ce soit le propos ou non, faut pas non plus parler ça. Je veux dire, certes la République, ce n'est peut-être que le contexte, mais le contexte sert aussi et forcément le propos et sert à raconter des histoires. Sans ça, on ne sait pas dans quoi se passent les histoires, c'est quand même un problème. Même si c'est pas le propos, même si ça l'est moins que dans la prélogie, ça me paraît être important de savoir pourquoi les gens se battent, dans quel environnement, dans quel milieu, et ça aide aussi pour les motivations. Mais oui, la République, c'est juste ce pourquoi en fait ils se battent. C'est juste ce pourquoi. La Donc si on sait République, pas ça, par c'est donc définition, enfin. la République, c'est un C'est le bien. symbole dans Star Wars. La République, c'est même pas un symbole. C'est juste la République égale le bien. Ça semble logique. Une République égale le bien. Tu vois bien que le Premier Ordre, Ça montre que c'est bien des nazis, les quoi. peuples sont.
Les peuples, c'est une galaxie, c'est à l'échelle d'une galaxie, il y a une république, tout se passe pas forcément bien parce que la république, par exemple, sous la prélogie ou la trilogie, il laissait passer des choses horribles et moralement, ils n'étaient pas justes avec l'armée des clones et tout ça. Mais dans les films, c'est montré comme quelque chose de positif qui bascule dans le fascisme. Et faut pas être teubé pour comprendre que la république, dans la postologie, elle était rétablie grâce à l'épisode 6 et qu'elle a été détruite par la montée au fascisme avec le Premier Ordre. Mais Voilà, bien c'est tout. sûr. Voilà. Contrôlé par Palpatine, qui Alors, était là depuis la qu'est-ce qu'on a trilogie. besoin de savoir de plus de ça? Mais c'est incroyablement pauvre. Et ça ne change rien au fait qu'on ne sait rien de la fin de l'épisode 9 à ce sujet-là. C'est tout. Ouais, tu me parles de l'épisode 7, tout ça, Alors mais j'en ai voilà, rien à foutre. Moi, je te parle de l'épisode on 9. sait rien Mais si, on sait rien de est-ce que l'épisode l'épisode 6 7 alors. et 8 ont besoin, le 9 a besoin de l'épisode 7 et 8 pour être La compris? C'est prélogie, comme la vous les prélogie. contredit. L'épisode La 3 a prélogie, c'est. besoin du 1 et du 2 pour être compris. C'est comme l'épisode 4. Si t'as pas vu l'épisode 4, comment tu comprends le 5 et le 6? Alors, je comprends vraiment pas ton exemple, mais Mon de toute exemple, c'est façon. que, Bah, imaginons, évidemment, dans dans l'épisode l'épisode 3, 3, tu tu commences commences directement directement avec avec Palpatine Palpatine en la tant trilogie que chancelier. originale. Bon, j'ai rien compris. Si tu commences dans l'épisode 3 directement, là, tu es en train de me dire, on s'en fout de l'épisode 7 et 8 pour le 9. Bah, Je suis non, pas non, mais d'accord. là, tu changes complètement l'axe Non, du débat, en fait, non, du non. T'as sujet. dit, je répète ce que tu as dit exactement. Tu as dit, je m'en fous de l'épisode 7 et 8. Moi, je te demande le Non, il s'en fout contexte pour du le 9. débat. Non, Il je s'en m'en fout fous pour le du débat. contexte politique de l'épisode 7 et 8. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contexte politique de l'épisode 9 qui n'est pas expliqué clairement, qui n'est pas établi. D'ailleurs, sur la force, tu ne t'es pas prononcé, tu devais te prononcer. Oui, parce J'attends que ta bah, on m'a version. coupé. Bah oui, parce que la force Vas-y, dans l'épisode 8, ordonne. c'est quoi? La définition de la force, c'est quoi ce que Luke apprend à Rey? Voilà. Qu'est-ce que Luke apprend à Rey? C'est la force, c'est l'obscurité et la lumière. Il n'y a pas de. C'est pas parce que la lumière va disparaître que l'obscurité va disparaître aussi. C'est les Jedi, même si les Jedi disparaissent, comment dire, le côté obscur existera encore. Et si les Sith disparaissent, il y aura encore la lumière. Mais il faut qu'il y ait un équilibre entre deux. S'il y a trop de lumière, c'est pas bon. Et s'il y a trop d'obscurité, c'est pas bon non plus. C'est ce qui est montré dans l'épisode 3 d'ailleurs, quand les Jedi meurent et tout. Certes, bah, c'est triste, voilà, les Jedi meurent, mais voilà, on s'en fout parce que c'est bien, parce que ça rétablit l'équilibre. Mais dans l'épisode 9, qu'est-ce que fait Rey? Elle a un sabre de couleur or qui signifie, c'est pas la même que les gardes des temples Jedi, parce que je vois beaucoup de ça, mais en fait, non, c'est pas du tout la même couleur. Rey, elle a appris quoi? Elle a appris qu'il faut les deux côtés de la force pour qu'il y ait un équilibre. Ce que Anakin et tout le tralala dans la prélogie n'avaient pas compris. Ils étaient complètement aveuglés par comment dire, leur bien, le bien, machin. Là, Rey, elle a appris qu'il faut les deux côtés de la force s'il veut être en balance. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, Rey? Soit elle va pas créer d'ordre Jedi et elle va rester en tant que gardien de la force, en gros, qui n'est ni Jedi ni Sith, qui est plus qu'elle, qui représente l'équilibre dans la force, soit elle va créer un ordre Jedi ou peut-être un ordre Skywalker, je ne sais pas le nom, mais elle va créer un ordre Jedi qui aura comme dire, j'ai oublié le mot, Comme c'est pas but, grave, apprentissage, un comme peu Jedi-gré, apprentissage quoi. Oui. dans l'équilibre et Le pas en côté seulement le côté obscur et lumineux, la soit force. le côté Et le obscur. côté lumineux. Alors, bah, là, ce que vous dites, je trouve ça super symboliquement, ça marche, c'est cohérent avec la post-logie, je trouve ça super cool. Comme la lumière. Seulement, il faudrait que le film en parle de ça, en fait. Parce que là, c'est super les suppositions que vous faites, mais ça sort de nulle part, en fait. Ça Ils sort, sont alors oui, je juste suis non, d'accord, pas du du sabre tout, ça jaune. sert à Ça rien. sort du sabre jaune. Le sabre jaune, Non, on mais non, représente pas les rien. propos. C'est les propos. C'est littéralement sur ça que tourne l'épisode 8, en fait. Donc, D'accord, ouais. tout ça Mais est l'épisode 8 amené a tout par ce qui raconté. a été raconté en amont, Écoute, en c'est très fait. beau, mais je suis Voilà. navré, mais à la fin de l'épisode 9, il n'y a rien qui dit que Rey. Y a rien qui dit. On ne sait pas si Rey va rétablir ou non l'ordre Jedi, et rien que ça pose problème. Est-ce que si elle le rétablit, elle donne une chance à plus tard que ça rebascule, que ça retourne mal, hein, comme ça a pu se passer avec Alors, moi, Anakin ou je Ben? pense que Qu'est-ce qu'elle va faire? symboliquement, Tu vois, c'est. moi, je pense que symboliquement, c'est expliqué par le fait qu'elle enterre les sabres Jedi, ce qui signifie que c'est une époque révolue et que donc on tourne une page. Voilà, c'est juste qu'on laisse le passé derrière et on ne reproduit plus les mêmes erreurs. Mais ça, Voilà, c'est c'est valide, donc c'est c'est juste que aussi le c'est. propos de l'épisode 8. Mais oui, mais c'est montré Mais à c'est l'époque. pauvre. Non, c'est C'est extrêmement pauvre pauvre, ce que vous me mais. faites là, les gars. Vraiment, c'est ça que je Non! reproche. Je suis d'accord avec vous dans le fond, mais dans la forme, c'est une catastrophe comment c'est fait dans le film. On ne peut pas simplement se contenter de Rey qui fout dans le sable de sabre laser, un sabre laser jaune qui représente les deux pendant de Bah, la force, logiquement, ce qu'on et comprend, se c'est qu'elle va sur satisfaire. Tatooine. Logiquement, tu te rends compte? On aurait Attends dû deux dire minutes, logiquement. laisse-moi finir.
Laisse-moi finir. Elle vient sur Tatooine pour s'isoler. Donc elle part en ermite. Donc a priori, elle ne devrait pas reconstruire d'ordre Jedi sur Tatooine, hein, surtout dans une maison abandonnée. Attends, quoi? Voilà. Logiquement, a priori, peut-être, on suppose, c'est pas une fin de Mais saga, je suis désolé. c'est ça le truc, c'est l'imagination, ce que C'est ne pas fait pas Marvel. l'imagination, c'est. Non, mais Les gars, tu c'est as pas une des imagination, c'est une infos, tu as conclusion. des Je finis par les. développements. C'est une Il conclusion, faut le le film. comprendre par tout ce que raconte le film, les trois films avant. Non, mais T'as pas l'excuse. à savoir. Enfin, je crois que. Je crois, excuse-moi, Achou, qu'on ne se comprend pas sur la chose. Je suis complètement d'accord avec toi, les fins que tu évoques sont, selon moi, logiques. Et je suis d'accord que mettre des questions en fin de saga, ça peut être intéressant, mais peut-être pas sur le questionnement qu'on a eu tout au début. Par exemple, on pourrait dire, est-ce que. Je sais pas, on pourrait poser des questions sur plein de choses. Est-ce que finalement, la force, ça aide vraiment la galaxie? Je sais pas, voilà, je suis pas le scénariste de La l'épisode. force gouverne la galaxie, surtout. La force gouverne la galaxie, voilà, est-ce que c'est grave, est-ce qu'il faudrait bannir la force? Bref, je Ben pense qu'il y a plein de questions qu'on pourrait. Non mais je pense qu'il y a plein de tu questions ne qu'on peux pas la pourrait. bannir. Non mais je sais pas, je te dis, je suis pas scénariste, je m'en fiche, enfin je m'en fiche pas, mais tu as compris de toute manière ce que je voulais dire. Je veux dire juste que la question que le 8 aborde très bien, le 9 doit la conclure et doit en parler, et doit pas juste conclure ça par Rey qui a un sabre laser jaune. En plus, ça ne veut rien dire, peut-être que dans Legends ça voulait dire quelque chose, et encore, je suis pas sûr, c'est même pas Une la même légende, couleur. c'est différent du canon. Moi, je sais Oui, absolument. la véritable ce Voilà, que ça parce veut qu'il me dire, semble en c'est. plus que pour The Old Republic, c'était juste une couleur de sabre pour une classe qu'on pouvait changer après, donc, Oui, mais enfin, c'est The Old ça veut Republic pas. qui n'est plus canon. Donc, Voilà, en fait, en tout ce plus, qui est The Old légende, il faut le Republic. bannir. Tout ce qui Voilà, est légende, exactement. il faut le bannir Donc, c'est du pour ça que canon. le sabre laser jaune, pour moi, c'est juste, ah bah, elle a pimpé son sabre laser, mais écoute, vas-y, pourquoi, dis-moi. Et non. C'est ça, le Bah, film parce est. que dans les temps, on le dit, c'est tout. Enfin, c'est Le juste qu'il film est faut extrêmement pauvre. analyser. Il faut analyser toute la trilogie. Si tu analyses que le 9, forcément, tu vas être perdu. Mais si tu analyses tout Non ce que mais. Leia et Luke a appris à Rey, tu comprends. Surtout que Rey a lu des livres Jedi, donc elle a peut-être dû lire aussi les guerres de Sith Jedi qui se foutaient sur la gueule. Peut-être aussi qu'elle a lu que les Jedi ont créé les Sith ou que les Sith ont créé les Jedi. On ne sait pas tout ça. Ça, on s'en fiche. Parce que c'est des livres Jedi qui, pour moi, restent quand même un peu comme Yoda, vous savez. Yoda, on n'aime pas savoir son passé parce que pour nous, c'est quelque chose de mythique, de mystique, tu trouvais. Pour moi, les livres, c'est pareil. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans ces livres. Ça se trouve, il y a beaucoup de notes. D'ailleurs, on sait qu'il y a des notes de Luke qui ont été rajoutées, qui est sorti en livre il n'y a pas longtemps. Bon, ça, on s'en fiche, j'ai rien entendu. Mais voilà, Luke a écrit des choses. Tous les Jedi ont écrit des choses dedans, des savoirs Jedi. Et tu te dis, Rey, elle a dû forcément avoir quand même des rites de ça, des choses qu'elle a dû apprendre grâce à ses livres, plus les Skywalker, donc Luke, Rey, et même Ben Solo, voilà, un peu Ben Solo aussi. Et aussi, bon, Anakin, il a fait une petite apparition, mais même Anakin compte aussi, je pense, un peu pour elle, puisque je pense que Luke, en fantôme, pas Luke, mais Leia a dû parler de ce qu'avait fait son père en tant que Jedi. Bon, je pense qu'elle connaît Vador quand même, elle n'est pas très très conne. Donc, voilà, je pense que Rey, elle a fait exactement ce que Luke n'avait pas voulu faire à la fin de l'épisode 6, parce qu'il a été corrompu par Yoda et Obi-Wan qui. Glorifier les Jedi, faut que tu fasses pareil que nous. C'est là que ça différencie la fin du 6 et du 9, c'est que Rey, elle, va faire ce que Luke lui a appris, parce que Luke a appris des choses entre l'épisode 6 et 7, qui l'a conduit d'ailleurs à s'exiler. Parce que pour lui, la force, il a perdu foi en la force, parce qu'il s'est dit, mais attends, mais tout ce qu'on a fait, j'ai refait exactement les mêmes erreurs que mon maître. Et j'ai recréé le nouveau Dark Vador qui va foutre le bordel dans la galaxie. Et Rey n'a pas, je pense, n'a pas envie de revoir ça. Donc je pense que Madame ne va pas refaire de Death of the Jedi parce que sinon, cette trilogie n'aurait servi à rien. Ben, Mais voilà, le... on est je suis. complètement d'accord. En fait, Vas-y. on est complètement d'accord dans le fond. C'est juste que je pense que c'est important de séparer la symbolique du message et l'objet filmique. C'est-à-dire que dans le film, c'est bâclé, c'est présenté de façon bâclée. On a trois plans là-dessus à la fin, lors de la scène finale. C'est pas assez approfondi. On n'est même pas sûr de ce qu'on dit. On est dans la supposition. Ah Alors que ça non, aurait non, fait non, je une suis super sûr de fin, ce qu'il dit. Mais non, t'es pas sûr. Tu mets Si, des bien sûr, paquets, des le fait logiquement que. des. Non, Non, t'es je pas sais un sûr. truc. Je suis T'es sûr sûr au que fond, Rey t'es a sûr pour fait. toi, mais. Je sais que Rey, elle a eu Écoute. des infos, elle a eu des l'entraînement de Luke et Leia. Je sais qu'elle a appris des choses grâce aux livres parce qu'elle les a lues. Parce qu'on le voit dans l'épisode 9 qu'elle a les livres, qu'elle les a lues, qu'elle a même trouvé le Wayfinder de Kylo, enfin de Palpatine. Le monde entre les mondes, on le voit dans le film, on voit la page du monde entre les mondes. Donc on sait qu'elle a connaissance du monde entre les mondes. On peut même imaginer encore un truc encore pire. C'est encore mieux, je ne sais pas ce Imaginez, que ouais. vous voyez.
Imagination, imaginons que Rey, dans le futur, veuille aller chercher Kylo dans les mondes entre les mondes. Peut-être qu'il est là-bas, on ne sait pas qui où il est. Là. Écoutez, et je ne veux pas dire quelque chose, mais dans Duel of Fate, il voulait remettre Mortis quand même. Donc, à bout d'un moment, mettre Ah, Mortis, mais il y a c'est. des trucs très pourris aussi dans Duel of Fate, hein, Voilà, rassure-toi. mais voilà, donc on peut imaginer que si c'est Dave Filoni qui récupère le bousin, qui veut faire un jour un épisode 10, 11, 12 pour peut-être réparer les erreurs de la postologie ou apporter plus de clairvoyance à ce récit, peut-être qu'on aura le monde entre les mondes. Moi, je suis pas vraiment pour avoir le monde entre les mondes dans la saga Star Wars parce que je trouve que c'est quand même une facilité scénaristique de ouf. Tu peux ramener n'importe qui dans les mondes, tu peux carrément aller dans le passé, dans le futur, tout ce que tu veux. Mais partant de là, on peut se dire aussi que Rey va peut-être partir dans le monde entre les mondes, chercher Kylo Ren pour justement elle qui représente la lumière dans l'académie et que Kylo représente le côté obscur. Qu'il a enfoui en lui, mais qui garde quand même en lui, parce que même à la fin de l'épisode 9, certes, Kylo est revenu du côté lumineux, mais il est quand même assez vénère. Il a quand même encore une part de, je pense, une part d'ombre encore en lui, qui n'est pas encore totalement effacée, et je pense qu'il a retenu des choses de son apprentissage. Et on peut supposer que Kylo va en fantôme apprendre des choses à Rey, peut-être même Anakin, peut-être Luke, Leia, Windu, Yoda. Et tous ces maîtres Jedi-là ont vécu des choses, et je pense qu'eux aussi ont dû comprendre quelque chose aussi. C'est. La postologie, c'est l'héritage de Skywalker, et ça, c'était aussi c'est un peu ça. La trilogie, c'était quoi? C'était comment tout ça est arrivé? La trilogie originale, c'est voilà ce qui est arrivé, et maintenant, l'épisode de la postologie, c'est qu'est-ce qui va arriver après, et l'héritage de cette famille mythique. Mais Et l'héritage, c'est Rey qui vient de Palpatine, l'héritage, qui ils en est parlent une à travers méchante. les films, en fait. Donc, c'est ce dont parlent le 7, le 8 et le 9. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de plus développer que ça, selon moi. La fin est racontée à travers tout ce qui a été préparé avant. Donc, ce n'est pas vraiment nécessaire. Après, moi, j'aimerais dire quelque chose aussi. C'est peut-être que pour vous, avoir du contexte, c'est très important, mais pour moi et Achou, le contexte, on préfère l'imaginer parce qu'on préfère imaginer des choses, parce qu'on a une imagination débordante. Et on préfère imaginer des choses plutôt qu'on nous dise, voilà, il s'est passé ça. Parce que moi, je vous le dis clairement, si dans l'épisode 9, à la fin, on m'aurait dit, elle va construire un Académie Jedi, elle va construire, Poe et tout ça, ils vont construire une République. Moi, ça m'aurait vraiment fait chier parce que je me serais dit, mais qu'est-ce qu'il y a, ça raconte après? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je veux dire, moi, j'aurais été tellement déçu de savoir que tout ça. Déjà, je vais vous le dire, à la fin de l'épisode 9, quand moi, je suis sorti de la salle de cinéma, j'étais à moitié déçu. J'étais un peu déçu dans certaines choses. Bon, après, je l'ai vu 9 fois au cinéma, donc forcément, mon avis a beaucoup Neuf fois, changé. t'as vu ce film? Oui, et Oh l'épisode putain, 8, je mon l'ai Dieu. vu 10 fois, je crois, D'accord. l'épisode 8 au cinéma. D'accord. Oui, qu'on a de l'argent, ça Non, permet mais de faire ça. juste pour dire, bon, tu t'es quand même pas mal éloigné du débat de base, là, hein, avec tes suppositions sur la suite du neuf, qui sont franchement intéressantes, elles sont pertinentes. Maintenant, encore une fois, on tourne en rond. Le 9 ne laisse rien supposer de tout cela, de tout ce que tu me dis sur Kylo Ren, le monde entre les mondes, machin. Maintenant, voilà, vous l'avez dit vous-même, vous, le manque de contexte, ça ne vous dérange pas, bien à vous. Mais je pense que pour un film, c'est quand même hautement important. Maintenant, si vous consommez un film plus comme vous lisez ou je sais pas, bon, bah ok, c'est votre choix, c'est votre choix. Pourquoi pas? Mais C'est pas qu'on consomme comme un livre, parce qu'un livre, voilà, on fait part d'imagination, c'est Harry Potter, c'est pour ça que les films Harry Potter sont moins bien que les livres, parce que bah, d'accord. t'as pas d'imagination. Voilà, on dit ça. C'est pour ça que même moi, quand je lis des comics Star Wars, ça me gêne, parce que par exemple, là, le truc sur Kylo Ren qui va sortir, je l'ai lu, j'ai trouvé ça affreux, parce que tout ce qui est raconté dedans, c'est n'importe quoi. Les cheveux, bon, je vais peut-être pas spoiler, parce que peut-être qu'ici, il y en a pas qui, bon, y en a certains qui n'ont pas lu. Moi, je m'attendais énormément de ce comic parce que je connaissais la quadrilogie Dark Vador que le gars avait fait. Et j'ai été déçu parce que tout ce qui est raconté dans ce truc, le contexte, les personnages, Snoke qui est là, on ne sait pas pourquoi, Kylo qui ne détruit pas le temple, hein, c'est pas lui, c'est Palpatine avec des éclairs, super. Les Jedi qui sont partis et que Kylo, c'est pas devenu les Jedi en fait, c'était une autre patrie. D'ailleurs, c'est sûrement lui le maître le fameux apprenti de Snoke. Mais tout ça m'a déçu. Et moi, si on m'aurait fait ça avec l'épisode 9, mais j'aurais été mais déçu encore plus. J'aurais vraiment gueulé sur le film. Imaginez, on vous dit exactement ce qui va se passer après. Ça n'a aucun Mais intérêt. non, On va te non. dire, voilà, il va se passer On ça, te demande ça, pas ce qui ça, se passe ça. après, on te demande ce qui se passe Bah maintenant. si. Bah, ce qui se passe maintenant, c'est assez clair. Ah non. Ah non, justement, L'épisode c'est pas 7, clair. l'épisode 7, c'est le début d'une guerre.
L'épisode 9, c'est la fin de la guerre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de Mais sauf savoir. que une guerre ne se termine pas avec les batailles. À la limite, t'assistes à l'armistice. D'ailleurs, c'est complètement con, c'est-à-dire qu'ils détruisent un vaisseau et tous les vaisseaux, comme ça, tof, d'un coup, ils tombent. Ouais, Alors, d'ailleurs, c'est très il faux à l'image, mais c'est n'y complètement a con. plus de république. Il n'y a plus de système politique. Avec en quoi ils font l'armistice? Bah, Explique-moi. ils font une Il n'y a pas armistice d'armistice. Il parce n'y a que. pas d'armistice. Parce que à la fin Y a du pas 9, on d'armistice, voit d'accord, tous mais. les vaisseaux du premier ordre se faire péter un à un. D'ailleurs, je reviens sur un truc que tu as dit, je crois que tu n'as pas juste compris le film, parce que les vaisseaux ne se détruisent pas uniquement parce qu'il y a le gros vaisseau qui a, enfin, le vaisseau du premier ordre qui a explosé. Ils se détruisent parce qu'on le voit dans l'épisode 9, les vaisseaux se détruisent hyper facilement parce qu'ils n'ont pas de bouclier, parce qu'ils sont dans une atmosphère. Et du coup, ils tirent sur les canons qui, quand même, qui font une réaction en chaîne. C'est comme l'étoile de la mort ou comme tout ce que vous voulez dans Star Wars. Ça crée une réaction en chaîne qui détruit les vaisseaux. Et c'est simple, ils ont. Pourquoi sur Jakku alors le vaisseau il retombe, le destroyer? Et parce que lui, il a été détruit, parce qu'il n'a pas été détruit, parce que c'est pas un vaisseau du premier ordre. C'est un vaisseau du premier ordre, c'est pas un vaisseau du dernier ordre, c'est un vaisseau du premier ordre. On le voit, c'est pas du tout la même chose. C'est Et justement, pourquoi d'ailleurs, il là. tombe? Parce qu'il tombe, mais parce qu'il était dans Non l'atmosphère, ou mais ça peut-être on qu'il était s'en fout dans en vrai. l'espace. Moi ce que On je s'en trouve juste fout. maladroit pour le truc des vaisseaux là, c'est que vraiment on a un plan, il y en a vraiment des milliers, puis le plan d'après ils sont tous explosés par les résistants machin. C'est Non, vraiment fort mais grave. montage est Il catastrophique. Le montage est y a catastrophique. limite pas de Hippo. bataille en fait. Mais si, Hippo et Non, il tout n'y a pas de s'arrête. bataille. T'as vu le nombre de mecs qui arrivent à la fin du 9? Le nombre de vaisseaux qui arrivent. Il Les reste vaisseaux du tellement de dernier sang ordre, que ok, j'ai ils sont l'impression que c'est super. un niveau Non, dur, mais. mais. Non, Pour moi, c'est bâclé, on voit pas la bataille. On voit trois pélos mais parce que le qui se plus font détruire, ok. important à la fin du 9, c'est pas la bataille qui se passe dans l'espace, c'est ce qui se passe avec Palpatine et Kylo et Rey. Enfin, surtout Rey et Palpatine. Donc le plus C'est important à la ça. fin du 9, c'est pas le soulèvement de la galaxie entière. D'accord. Non, c'est important, Mais mais le c'est soulèvement, on pas le le propos voit, du film. c'est au moins tout aussi important. Donc Si, ça si, justifie pas le fait que ce il y a soit le discours bâclé de de A à convoi, Z, qu'il y ait trois on plans voit que les pour Star Destroyers finir se faire avec la buter. flotte Non, le copain, le copain. du dernier ordre. Enfin, non, Mais je suis désolé. En trois plans, la bataille, elle est bâclée. Elle est hyper importante, cette bataille. Elle est hyper symbolique. mais En non, plus, mais ils se t'as ce font plan détruire à hyper l'intérieur. stylé. Laisse-moi détruire, j'ai pas eu le temps de finir ce que je voulais dire. T'as ce plan super stylé où t'as tout le monde de la galaxie qui vient avec la musique et tout, ça rend super bien. Ensuite, on a quoi? On revient dessus 3-4 fois peut-être avec 3-4 plans. Et après, c'est fini, plus rien. Ils explosent en hors champ, voilà. Et on passe à Palpatine et compagnie qui font leur truc là. Non, D'ailleurs, je la mort de blague, mais Palpatine, c'est enfin, une on les voit catastrophe. se faire détruire. Mais Non, non, oui. non, non. Alors ça, la mort de Palpatine, c'est ultra On logique en avec les reparlera propos de après. On la en Palpatine. reparlera après. Oui, je voulais d'abord On terminer peut en sur parler la maintenant. flotte. Je voulais en terminer sur la Ouais. flotte parce que Ashu, c'est lui qui chargera de Palpatine. Moi, bon, je pense que j'ai assez parlé. À la fin de la postologie, on voit des vaisseaux de la République arriver. Et voilà ce qui se passe. Ils défoncent des vaisseaux se font détruire. Et surtout, on a oublié quelque chose, c'est qu'au début, avant de partir à la bataille, Poe a fait un discours quand même sur si on montre aux gens qu'on est courageux, tout ça, je suis sûr qu'ils vont venir, des trucs comme ça. Et Poe perd espoir à un moment parce qu'il dit mais personne ne va venir, tout le monde a peur. Non, au final, tout le monde vient parce que les gens ont peur de la tyrannie, de ce qui va revenir, et ce qu'ils ont peur de revenir à l'Empire. On sait que l'Empire a été dégueulasse, mais par exemple, on ne sait pas exactement ce qu'a fait l'Empire, on sait juste que bah, il était un régime totalitaire, mais on ne sait pas exactement ce qu'il faisait. Alors que dernier ordre, on sait ce qu'ils vont faire, on sait exactement ce qu'ils vont faire. Ils vont voler des enfants, ils vont faire des razzias dans les villages, dans les villes, même sur Coruscant, on ne sait pas. Ça se trouve, ils vont faire pire sur Coruscant, on ne sait pas. D'ailleurs, Coruscant, est-ce que c'est encore la capitale? Non, parce que c'est pas la planète qui se fait défoncer dans les chasse. Donc, Coruscant, c'est devenu une planète banale. Banale, plutôt, pas une banane, oui, bien sûr. On sait ce qu'ils vont faire. Ils vont faire des enfants, ils vont sûrement tuer les gens qui vont pas être d'accord avec eux. Ils vont, bah, en gros, ils vont faire le nazisme, quoi. Mais C'est attends, simple, mais. c'est. Donc c'est Bah, c'est pour ça que fini, les gens se fini. soulèvent. C'est pour Non, ça que les mais. gens se Ok. soulèvent. Et là, t'as fini? Non, pas fini, parce qu'il y a encore un autre truc, mais j'ai pas encore fini. Attends, Ouais, j'ai mais fait beaucoup de choses. faut. Si tu peux enchaîner plus vite, ça coûte. Mais personnellement, moi j'ai tout mon temps, donc je peux expliquer encore en long et en large pourquoi j'ai le Ouais, mais Massaber. je crois qu'il n'y a pas Après, beaucoup faire une de vidéo temps. entière On sur va une partir sur discussion le sujet qui qu'on t'intéresse. donne aussi notre avis, mais. Non, Un débat, c'est montrer les arguments d'un Non, mais ce autre que. pour que les autres Oui, mais comprennent. attendez, D'abord, Roger, tu tu devais me connaissais les dire gens en avant long et en moi. large. Ce serait. Enfin, c'est bien, enfin, vous parlez, mais après, ouais, c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir un temps de parole plutôt régulier, je veux dire, plutôt que de tout étaler sur la table. Oui, peut-être essayer un peu de segmenter, là, tu vois, par exemple, à tout, t'as pas mal parlé, peut-être laisser les autres répondre, et puis, comme tu dis, t'as tout ton temps, donc on pourra enchaîner sur la suite Oui. sans aucun Non problème, et mais. laisser les personnes. Là, tu vois, on a abordé un sujet, c'est bien de pouvoir rebondir sur le sujet en cours et pas tout déballer d'un coup, tu vois. Bah, c'est C'est pour ça que je parlais de Palpatine, c'est juste pour juste pour préparer pouvoir avec segmenter. Palpatine pour partir après dessus. Ok, Non, mais là, on moi va en fait, segmenter. ma question, c'était pas.
Parce que en fait, là, tu m'as dit en quoi, pourquoi les gens soulevaient tout ça. Bah oui, d'accord, mais ça, j'ai bien compris, merci. C'était pas ça ma question. Moi, ce que je reproche au film, c'est que la bataille était bâclée, on la voyait genre 2 secondes. Toi, tu me sors que des choses qui n'ont rien à voir. Moi, je Bah, parle alors, juste du du coup, film. si tu veux que je te réponde là-dessus, il n'y a pas de souci. Bah, réponds-moi là-dessus, alors. Est-ce que pour toi, le plus important, c'est de montrer la bataille spatiale, enfin spatiale dans l'atmosphère, ou est-ce que c'est montrer justement Rey et Palpatine, qui sont quand même le gentil et le méchant principal, donc les deux méchants, les deux personnages principaux de la trilogie. Est-ce que c'est plus intéressant pour toi de voir une bataille que tu as déjà vue et revue dans Star Wars? Alors déjà pas du tout parce que là il y a quand même un conflit d'une ampleur inédite d'une et de deux c'est tout aussi Pardon? important. Tu remarqueras que dans l'épisode 6 on voit au moins autant la bataille spatiale que Luke et Vador. Pas spécialement, hein. Non On si s'en fout un sou de la bataille du 6. si Hein. si 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 Non, la bataille du on la voit 6, autant. on voit surtout Endor et C'est exactement Luke. Et la pareil. bataille de Et la bataille l'espace, spatiale? c'était exactement pareil. La bataille spatiale, Non on non voit juste non. deux vaisseaux qui sont pétés la Pas gueule du et tout. après on Star voit Wars étoiler la 8, mort sphérique. bah, Star c'est Wars 8, évidemment la j'adore, on foi. voit aussi Ah oui, énormément alors les bateaux du 6. on voit tous les Star Destroyers autour d'Étoile de la Mort se faire détruire dans le 6, c'est ça? On les voit un à un se C'est faire pas ce que je dis. détruire par tous les C'est que la vaisseaux. bataille a autrement plus d'importance dans le récit. Là, dans l'épisode 9, Mais bien sûr que on si vient elle a dessus autant 3-4 d'importance, fois, on voit tous mais les bien Star sûr que Destroyers se faire détruire. Il y a non. En chant. toute la population qui arrive. Mais si, on les En voit se faire détruire. chant, mais non, Hors champ, il y en vraiment. a. Si, on en voit deux, trois qui sont exposés. Et à la fin, ils sont tous détruits parce que bah, ils ont après Palpatine ne pouvait plus envoyer ses éclairs, donc forcément les Star Destroyers étaient complètement perdus parce qu'ils ont perdu leur vaisseau principal. C'est ceux qui les commandaient avec l'antenne. Oui, le vaisseau Qui... mère est mort. On le voit C'est se le faire vaisseau mère qui détruire. contrôlait les vaisseaux. Après, les vaisseaux ne se sont pas détruits tout seuls. Et après, il a fallu que les résistants, enfin les résistants, soulèvement du peuple, tout ça, détruisent les vaisseaux un par un avec les canons. Puisque après que le vaisseau mère et surtout que leur amiral premier, général allégeant, est mort, qu'est-ce qui restait? Il restait que des mecs qui étaient incompétents parce que c'était des mecs qui étaient formés par les adeptes Sith qui ne connaissaient rien d'un stratégie militaire, qui ont fait juste des vaisseaux pour Palpatine et qui après avec leurs enfants ont créé une armée. Donc ils sont complètement incompétents. Comment voulez-vous qu'ils réagissent, les mecs? Ils ont regardé la tête de la fille, la générale Mais qui c'est même détruit. pas la question ce que tu me racontes là, ça a rien à voir avec ce que je Si, dis, mais c'est. tu m'as demandé, est-ce qu'on voyait les vaisseaux se faire détruire? Je t'ai répondu que oui, déjà on en voit deux se faire Mais non, détruire. et c'est factuel, on voit pas. Les vaisseaux sont détruits en hors champ, je suis désolé, la flotte, on voit Mais 3, 4, 5 est-ce que, vaisseaux. alors j'ai une question à te poser. Est-ce que dans l'épisode 6, tu vois tous les vaisseaux se faire détruire? T'en vois Mais un c'est et pas le la vaisseau question. mère. Mais c'est Oui, c'est pour ça pas que la je dis ça. question. On voit pas les Star Destroyers se faire détruire dans l'épisode 6. Même Écoute, sans ça prend ça, encore ça a quand 4 même beaucoup épisodes. plus de temps à l'image. Dans l'épisode 6, ils détruisent l'étoile de la mort. Il y a une scène entière où ils détruisent l'étoile de la mort. D'accord? L'étoile de la mort, c'est un peu le big boss. C'est le big boss de toute la flotte et tout ça. Donc là, on se dit, waouh, ils ont gagné. Dans l'épisode 9, qu'est-ce qui est le big boss? Qu'est-ce qui est l'équivalent de C'est l'étoile la de la flotte mort? tout entière. C'est pas le vaisseau mère, C'est là, tu veux dire? le Pas du tout. gros Star Destroyer du chef de la flotte. Mais non, c'est Le la gros flotte Star Destroyer entière du le chef de la danger. flotte Mais se fait non! C'est pour ça détruire. que Non, ça parce que. marche pas, le fait qu'on ne voit pas C'est. se faire détruire. Non, parce que la flotte entière est dirigée par l'antenne et le gros Star Destroyer. Le gros Star Destroyer se fait détruire. L'antenne aussi. Tout est perdu pour les méchants. Voilà, Enfin, c'est aussi simple que ça. excuse-moi, le problème c'est que on est dans un film qui s'adresse au grand public. Alors peut-être que toi tu as regardé des livres sur des encyclopédies sur le film ou pas. Je n'en sais rien, là je suis pas. D'accord, alors peut-être pas, mais toi peut-être que tu as revu le film et que du coup t'as compris ça. Mais par exemple, ne serait-ce qu'en termes de réalisation, une base spatiale géante qui explose, ça évoque quand même beaucoup plus, et puis on a quand même beaucoup plus la bataille spatiale dans le 6 que dans le 9, alors que dans le 9 elle est quand même d'une ampleur inédite et qu'il y a moyen de faire des choses magnifiques, alors que bon, moi personnellement je trouve la bataille moche, tout comme celle Mais du oui. 7. J'ai ne sait pas faire de bataille dans l'espace, je vois pas le C'est une Star enfin, Trek, je comprends enfin, j'ai pas. envie de dire, c'est Ouais, alors bon goût. peut-être dans Star Trek, On alors les peut-être voit dans se Star faire Trek, détruire, on mais voit attends, les non, mais Star c'est pas la question. Laisse-le finir. Oui, bah, laisse-moi finir du coup, parce Ah oui, que c'est vrai. Pardon, je coupe contrairement à vous. Allez-y. non, mais Ah non, bref, mais par contre, sur ce coup-là, il a raison. Ça n'arrêtait pas de couper aussi, et à chaque fois, on reprend aussi. stop, Non, pas mais d'attaque je suis basse, d'accord. stop, 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 on n'attaque pas de basse, on reprend le débat, calme, tranquille, vas-y, kill. Euh, oui, Vas-y. du coup, alors évidemment, alors peut-être que ce que tu dis c'est vrai sur l'antenne, mais je veux dire, c'est pas évoquant visuellement. Visuellement, quand l'antenne est détruite, je pense pas, ah, tous les vaisseaux vont. Ça serait bien de trouver une méthode, ou ne serait-ce que faire un gros plan où tu vois tous On les vaisseaux voit qui explosent, ou un même énorme énorme. attends, Mais laisse-le, Achou, laisse-le, il avait pas laissez fini. parler. Voilà, ne serait-ce que. Alors, parce que là, tu dis que c'est comme ça, mais ils auraient quand même pu goupiller la bataille autrement pour que ce soit plus évoquant en termes de réalisation, etc. En somme, faire quelque chose qui ait plus de gueule, c'était quand même complètement possible. Et là, faut quand même admettre que
La bataille est montée d'une manière un peu catastrophique, je trouve. Il y a ces blindés de cuts, surtout c'est très sombre, c'est pas ultra lisible. C'est bon, après la scène avec Palpatine, je crois qu'on y viendra juste après, mais la bataille n'est clairement pas digne d'une bataille de Star Wars. Et selon moi, la bataille de la fin du 6 est meilleure que celle du 9, alors que bon sang, ils avaient plus de moyens. Simplement. Et Ok, ça, c'est alors complètement ça, subjectif, c'est surtout. le truc. Oui, déjà, c'est Pas du tout. subjectif. Oui, non, mais Le clairement. fait que, oh, il y a plein d'explosions et tout ça, il y a plein de cuts. Oui, c'est normal, c'est une bataille, il y a plein de cuts, c'est comme ça. On arrive sur les plans, on voit, on comprend l'action, on comprend, oh là là, eux, ils meurent, ah, eux, ils sont explosés. Voilà, il y a un énorme Star Destroyer qui s'écroule, le Star Destroyer mère qui s'écroule sur le sol. Ensuite, à la fin de la bataille, on voit tous les Star Destroyers se faire exploser, qui tombent au sol, il y a des gros plans avec de la fumée, voilà. On ne peut pas faire plus clair. Voilà. Surtout qu'en plus, on voit des plans Oui, d'ordinateur où tu là vous vois. critiquez, là vous êtes juste en train de critiquer. Ah, j'aime pas, c'est pas extraordinaire, ça n'a pas de panache, ça n'a pas de gueule. Alors, Voilà, ça c'est c'est votre pas du tout avis. ça qu'on Voilà. dit. Mais enfin, évidemment, Si. enfin, toi aussi, Ah, tu défends ton avis, tu ne défends pas une vérité générale. non. Mais vous non plus. non, mais Mais attends, non, si, mais si, attends, attends, personne. juste, moi c'est complètement ce que je défends pour le coup, hein. Symboliquement, tout ce que vous m'avez dit sur oui, la galaxie se soulève, qui va les rejoindre pour détruire les Star Destroyers, ça, machin. Mais ouais, c'est trop cool. Mais le film le montre pas, ça, c'est pas rendu de façon grandiloquente. La mise en scène est pas intéressante, c'est pas pertinent, c'est jamais grandiose. Le film se chie sur sa mise en scène, sur son. C'est un film, c'est un blockbuster, c'est Star Wars, c'est censé en mettre plein la vue, et c'est raté, ça n'est ni épique, ni engageant, ni émotionnel, ni quoi que ce Mais ça, soit. c'est selon C'est toi, raté. c'est ton avis. Non, il n'y a aucune C'est ton intention de mise avis. en scène intéressante dans la bataille. Elle est bâclée pour moi. Et c'était que pour moi, franchement. La bataille, elle dure 10 minutes, la bataille spatiale. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ce dont je me plains depuis le début. C'est que c'est trop court, c'est pas assez engageant. C'est censé être le conflit ultime. C'est censé être le conflit ultime. Et bah, au final, c'est bâclé en deux temps, trois mouvements. Voilà, moi, c'est simplement ce que je reproche. Ouais, symboliquement, ça marche et tout. Mais ouais, mais le problème, c'est que j'ai l'impression que vous dissociez pas l'objet filmique de la symbolique, en fait. C'est-à-dire que tu peux être Mais symboliquement justement, là. être très fort, machin, ouais, mais dans la forme, ça marche pas, ça rend pas bien, c'est tout. Bah, moi, je suis pas d'accord. Je trouve que ça rend très bien. Il y a Non, mais voilà, Palpatine, il y a le c'est passage où il envoie subjectif, les après. éclairs sur tous les vaisseaux. Voilà, moi, je trouve que c'est un moment du film où tu es scotché, tu as un gros boom qui arrive. Tu vois toute la bataille avec tous les éclairs qui arrivent sur tous les vaisseaux. Ensuite, enfin, je sais pas que... C'est grandiose, je vois pas en quoi. C'est comme dire, ah, le moment où le vaisseau se fait couper en deux dans le 8, ça, on s'en fiche. Non mais les gars, oui, c'est purement subjectif ça. Moi, sur le message et tout, je suis d'accord, ça fonctionne et tout. C'est juste qu'encore une fois, vous défendez le fait qu'on voit les vaisseaux se faire détruire, tout ça, par la résistance, machin. Je suis désolé, mais on voit 5-6 vaisseaux se faire détruire et c'est tout. Moi, Alors, c'est ça que je reproche depuis le début, en fait. j'ai une question. Est-ce que tu as revu combien de fois tu as vu l'épisode 9? Enfin, et combien de fois tu l'as vu? J'ai vu deux fois, j'ai pas payé ma place 9 fois, hein. Je te D'accord. rassure. Est-ce que tu te rappelles de tout? Mais vraiment de tout, 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 tout. Parce que nous, on l'a vu. Moi, je l'ai vu 9 fois. J'arrête pas de le regarder parce que depuis qu'il est sorti, j'ai vu tout, donc Alors, je forcément. me rappelle que Donc la j'ai bataille tous les finale est détails. bâclée, oui. Oui, ça, je me Ok. rappelle. Alors, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, à un moment, est-ce que tu vois le général qui est quand même le plus grand général de l'armée du dernier ordre après Palpatine se faire exploser dans son vaisseau parce qu'il sait qu'il a perdu? Tu vois un peu les vaisseaux un peu se disperser, tu vois que c'est la panique dans le dernier ordre. Tu vois qu'ils sont pas bien, tu vois qu'ils peuvent pas partir, qu'ils sont piégés ici, et le pot le dit, il dit, ils sont faits comme des rats, on les a piégés, maintenant il reste plus qu'à les détruire. Voilà, il dit ça, il dit juste, ils sont paumés, ils doivent rester ici, ils peuvent pas partir. Parce qu'ils peuvent pas partir à cause de la fumée qu'il y a, enfin l'espèce de nuage rouge qui est autour d'Exegol, ils ne peuvent pas partir à cause de ça, parce qu'ils ont besoin de cette antenne que le vaisseau possédait pour partir. Et D'accord, même ça, ça je veux je dire, la comprends. manière dont ils arrivent à ça, même ça, je veux dire, c'est bâclé. Mais C'est oui, c'est pauvre, ouais, c'est ça c'est extrêmement ce que pauvre. tu Si penses, pour toi Star mais tu Wars, penses enfin, si Star après. Wars comme ça te suffit, bah ok, vas-y, mais moi je trouve ça incroyablement Mais à la fin de décevant, ils l'épisode auraient fait 6, un il se coche. passe quoi? Parce que imaginons, là, on enlève le 7-8-9, on enlève complètement les 7-8-9, ils n'existent pas. La fin du 6, c'est quoi? C'est il y a une base qui envoie un bouclier sur l'étoile de la mort qu'on doit détruire pour détruire l'étoile de la mort. Entre-temps, Palpatine a mis en place un plan qui vise à faire un piège qui va les pousser à aller dans les Star Destroyers. Les Star Destroyers, tu ne sais pas ce qu'ils deviennent, parce que, ok, il y a le gros Star Destroyer de Dark Vador qui se fait exploser avec. C'est tout ce que vous voulez. Ok, très bien. Il se fait exploser. Mais est-ce que tu vois un seul vaisseau de l'Empire se faire détruire?
Non, tu sais pas où ils vont. Après, tu sais pas s'ils sont partis, est-ce qu'ils sont restés autour de l'Endor et qu'ils ont fait la bataille. Tu ne sais pas. Donc, Non, mais t'es quand déjà, à même. partir de postulat-là, tu sais pas si le premier, l'Empire peut revenir, tu ne sais pas où ils sont, tu sais pas ce qu'ils font. Et bon, je pense que vous avez tous fait Battlefront 2 ici, vous savez ce qui se passe. Mais ça, on s'en fout, parce que c'est après l'épisode 6. J'adore l'opération sombre, au passage. Mais voilà, le point principal, c'est quand même détruire le plus gros danger qui représente l'étoile de la mort. Et qu'est-ce qui représente le plus gros danger dans l'épisode 9? C'est pas les Star Destroyers qui sont tous là en forme, en formés, tous là, alors qu'ils peuvent absolument rien faire, ils peuvent C'est pas pas tous les partir. Star C'est Destroyers pas qui les ont la menaces. puissance de l'étoile noire, non, non? Non, 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 les Non, mais Star Destroyers, justement, c'est bloqué. Ça, ils le ils n'ont plus disent. la puissance. Ils n'ont plus la puissance pour pouvoir tirer avec leur canon parce que l'antenne a été détruite. Je crois que vous avez mal écouté le film. Dans le film, on explique qu'il y a une antenne qui permet au vaisseau de partir dans l'espace grâce à cette antenne. Cette antenne-là, elle est désactivée et est mise sur le destroyer de Price, qui est le suprême, entre guillemets, le suprême vaisseau du premier ordre qui remplace les suprématies. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La peau, il dit, si on détruit cette antenne-là, ils seront piégés sur l'Exegol, ils ne pourront plus partir, et surtout, à quoi sert leur gros canon s'ils sont piégés sur une planète? Ils servent à rien. Ils peuvent pas détruire l'Exegol alors qu'ils vont tous crever. Ça sert à rien. Donc déjà, tu oublies le fait que les canons sont là. Ils servent à rien. Ils sont juste là pour dire, il faut viser dessus parce que ça va créer une réaction en chaîne parce que ces canons-là possèdent une énergie tellement puissante qu'ils vont détruire la planète. Donc tu te dis, si tu détruis ces canons-là, ça va créer une réaction en chaîne qui va détruire tous les vaisseaux. C'est ce qui se passe à la fin du film. Et surtout, Poe, comme je l'ai encore expliqué, ils sont bloqués. Donc ils ne peuvent rien faire. Ils sont paniqués. La seule chose qu'ils peuvent faire, la seule chose, c'est partir dans l'espace. Mais une fois dans l'espace, ils vont être bloqués par le nuage rouge. Le nuage, on ne sait pas de quoi est composé ce nuage. Il faut avoir un Wayfinder pour passer à travers ce que Rey envoie à Poe pour qu'il puisse passer. Le Wayfinder, c'est qui là? C'est le vaisseau amiral. Donc ils sont piégés, ils ne peuvent rien faire. Donc même si ils essayent de partir, ils ne partiront pas. Donc quoi qu'il arrive, ils vont perdre et c'est la fin. Voilà, la bataille, on sait très bien comment ça va se dérouler. Le plus important, à la fin du 9, ce n'est pas les vaisseaux qui sont détruits, parce qu'on sait très bien qu'ils vont perdre. C'est Palpatine. Est-ce que Non, mais Palpatine va réussir à se c'est montrer? pas Je crois qu'il va réussir à forcément, se c'est pas forcément montrer. ça. Attends, Je crois avant qu'on ce que s'est tu pas dis. compris. Je Je crois propose de qu'on. changer. Moi, tout ce que je dis sur cette bataille, c'est qu'elle est bâclée, on la voit très peu, il n'y a pas d'impact, c'est pas Oui, engageant oui. émotionnellement, c'est tout, c'est raté Voilà. pour moi. Voilà, Mais simplement. moi, Après, la personnellement, quand stratégie, j'ai elle est bien vu. rodée, mais après, voilà. Oui, Alors, vas-y. c'est sûr que celle du 7, c'est beaucoup mieux. Ah non, celle du 7 est horrible aussi. J'ai pas dit que. Ah non, mais Attention, ça. alors là, on est à un autre niveau. Je suis désolé, mais ça n'a rien à voir. Hein. Pour moi, les deux sont L'épisode nazes, mais 9, enfin, c'est pas grave, non, mais dans passons. l'épisode Ouais, je 9, préfère largement me regarder on le est au film, milieu de la désolé. bataille. On est dans le milieu. Il y a le passage avec sur le Star Destroyer, avec Finn et tout ça. Ils sont au milieu de la bataille. Et Ils après, sont on sur suit avec des en même temps poneys. Poe. Poe, qui est dans un X-Wing, au milieu de la bataille. Voilà, c'est tout. D'accord, mais Pour vous, franchement, c'est je m'en fous bâclé. Pour des nous, non. comparaisons avec l'épisode 7. Franchement, Mais donc je vous propose de non, on repasser sur parle le pas 9. des. Voilà. Non, mais on s'en fiche. Vous vous dites c'est bâclé. Non, c'est pas bâclé. On voit Mais bien tout ce sûr qu'on que a si, besoin c'est de voir. bâclé. Pour Si, moi, c'est c'est même juste. pas Non, 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 débattable. non. Là, Donc, t'es en train de dire une affirmation qui est fausse. Tu ne peux pas dire pour quelqu'un. Et Imaginons. pourquoi tu C'est peux dire que c'est subjectif. faux? Comment tu Si, c'est l'affirmes que c'est su. faux? Je dis pas que c'est faux. Je dis que c'est subjectif. La bataille qu'on a Oui, vue, mais moi, tout est quand j'ai vu la subjectif. fin. Mais les Quand gars. j'ai vu la fin d'épisode 9, moi j'ai kiffé, j'ai pris mon pied, Mais voilà, ouais! point terminé, fin. Mais c'est Et cool! vous, vous n'avez pas aimé? Ok, très bien, vous n'avez pas Mais aimé, c'est très bien. c'est Voilà, ce que c'est je dis depuis le début! subjectif, on débat juste. Moi, je vous donne ma vision, vous avez donné votre vision, terminé. Voilà, C'est juste on ce que je débat dis plus. depuis le début, c'est juste que moi je comprends pas comment tu peux trouver une Mais quelconque engagement émotionnel. je vous ai expliqué tout ça, je vous ai expliqué pourquoi j'ai été mis dans cette bataille, j'ai trouvé cette bataille incroyable. Personnellement, je la préfère Incroyable largement surtout. à celle de l'épisode 3, à celle de Rogue One, ou même à celle de l'épisode 6. Cette D'accord. bataille-là, vraiment, voilà, cette bataille-là, pour moi, elle est meilleure que celle de Rogue One et celle de l'épisode 3, je suis Oh, désolé de vous le dire. mais Celle faites. du 3, il n'y a aucun engagement. Voilà. Tu fais Bref, bien on s'en bat les honnête. couilles. Mais non, mais non, non, mais déjà, arrête de parler comme ça va vite m'énerver. De me rabaisser M'énerve comme ça toutes les deux trop. secondes, ça va vite Les m'énerver. gars, les gars, les gars, les gars. Les gars, je pense que, en fait, sur ce sujet, on Non, mais peut. à ce Non, compte-là, stop, non, je vais revenir aussi. je suis en train de parler. Je pense que sur ce sujet, on peut arrêter. Chacun a dit son avis. Effectivement, c'est subjectif. Moi, en écoutant, tout ce que j'écoute, c'est que, eh ben, tu as des personnes qui trouvent que cette bataille est émotionnellement très puissante et leur a satisfait. Et pour les autres, cette bataille aurait mérité un peu plus d'images à l'écran et de fight. C'est tout. Voilà. Et ben, ça vous sert à quoi de forcément vouloir avoir raison ou imposer? C'est tout. Vous avez dit Non. votre avis. Non, mais stop, stop. Vous avez dit Non, mais je vais votre juste aller avis. dire quelque Mais chose. oui, ben, Juste, attends, désolé, je après. coupe, vous le dites parce que j'en ai marre en fait. Après.
Vous avez chacun dit votre avis et tout. Moi, je trouve ça très sain. Il n'y a pas de problème. Chacun. Moi, franchement, vous savez quoi? Je vous ai écouté. Eh ben, je suis d'accord avec autant l'un et l'autre. Ben, je trouve que vous avez chacun des très bons arguments. Et je veux dire, il y a aucun argument qui doit passer au-dessus de l'autre. Il n'y a personne qui doit avoir raison au-dessus de l'autre. Et c'est très bien. Moi, je pense qu'on peut enchaîner sur un autre sujet très sainement. Vas-y, Atou, qu'est-ce que tu voulais me dire? Non, je voulais dire qu'il faut arrêter aussi de rabaisser, parce que de okay, je dis plus tard, je suis désolé d'avoir fait cette bataille, et quand j'entends quelqu'un qui dit... Oui, eh ben, c'est pas grave, on revient pas dessus, on revient pas dessus. Non, mais c'est juste pour dire que non, mais je sais, un débat, oui, c'est fait pour être respectueux. Effectivement, j'ai compris, eh ben, chacun prendra la responsabilité, pour la suite du débat, d'être respectueux. Voilà, on enchaîne sur un autre sujet. Bah moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est leur point de vue sur le retour de Palpatine. Simplement, enfin, ce qu'ils en pensent et pourquoi ils trouvent ça bien. Ok, alors moi je vais te dire quelque chose. Juste, voilà, c'est depuis que je parle, donc j'ai un peu mal à la gorge. Est-ce que tu veux ouais, parler à ma place? Je te laisse parler parce que depuis que je parle et j'aimerais bien entendre ton point de vue quand même. Après, tu même disais si peut-être que Hachou pouvait parler, non? Tu sais, tu disais que pour Hachou, Palpatine, Hachou c'était aussi peut-être peut parler, Hachou. oui. Non, parce que tu disais que C'est pour comme vous voulez. Palpatine. Ah, tu voulais que moi je parle? Tu voulais que moi je parle? C'est soit c'est Hachou, soit c'est. Je sais pas si c'est Amo ou Kay qui veut parler. Non, mais moi je peux en parler, je peux dire pourquoi j'aime pas ça. Oui, bah vas-y. Bah, déjà, ça sort. Enfin, concrètement, ça sort de nulle part. Et pour mieux faire passer la pilule, ils ont jugé bon de nous teaser ça dans les trailers et dans le texte déroulant pour qu'on ne soit pas étonné. Hein, en fait, non, c'est ça. Ils ont teasé ça pendant les bandes annonces, et etc. pour pas qu'on soit étonné devant le bandeau déroulant qui commence par le retour de Palpatine. Alors bon. D'accord, donc rien ne le laissait supposer dans les films précédents, mais... Alors, soit. Non, mais d'accord, on verra. Bon, j'ai hâte d'entendre tes... Vas-y, on tes continue. Arguments. Au final, on n'a pas de... on n'a pas réellement de réponse, d'éléments qui nous permettent de savoir pourquoi il est de retour, enfin, surtout comment il est de retour, si ce n'est un mec, dans le fond, qui dit que c'est la technologie de clonage Sith, dont apparemment tout le monde est au courant, mais bon, les gens s'en inquiétaient pas tant que ça. Au final, il revient pour clôturer les trois trilogies Luke Skywalker. Était-ce bien nécessaire d'endiguer la fin de Star Wars 6 pour cela, de casser l'acte de Vador? J'en suis pas sûr. Moi, maintenant, quand je vais revoir l'épisode 6, je vais juste me dire que le vieux, bah, en fait, il a survécu. Après, il va recréer un ordre, machin. Je trouve que ça impacte grandement la fin du 6, qui était magnifique. Pareil, du coup, ça tue un peu tout ce qui est prophétie de l'élu. Anakin, l'élu, bon, bah, au final, il a rétabli pas grand-chose, hein, on peut le dire. Pour moi, ça aurait fonctionné si le fantôme d'Anakin avait eu un rôle à jouer, en fait, dans l'annihilation de l'anéantissement, ouais, de la menace Palpatine, mais ça n'est même pas le cas. Donc si. Pour moi, parce qu'il dit Rey, lève-toi, c'est ça. Bon, bah, il dit quand même, il intervient quand même pour aider Rey à la fin, même si il fait rien, enfin il n'est pas là en fantôme, il est quand même là en train d'encourager Rey à faire ce qu'il a déjà fait une fois. Il est quand même là avec tous les Jedi, mais Anakin est là. Donc, quoi qu'il arrive, il a joué son importance. Ouais, il est là comme des autres clampins. C'est ça, il est là au même titre qu'Obi-Wan, que Adigalia, que des gens Osef, qui ne sont pas du tout. Expliquez-moi qui a participé réellement au basque. Que Palpatine a. C'est complètement paumé. Expliquez-moi qui a permis à Luke et à Vador de vaincre Palpatine dans l'épisode 6. C'est quand même grâce à Yoda et Obi-Wan qui ont entraîné Luke. Qui ont su garder. Parce que, imaginons, Luke n'aurait pas existé, Leia n'aurait pas existé, qu'est-ce qui serait passé? Vador, il aurait probablement un jour tué l'empereur, parce que c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est ce qu'il veut faire aussi, il aurait forcément un jour créé. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, Anakin n'a jamais agi seul, c'est jamais lui qui a pris toutes les décisions seul. Il a toujours eu, par exemple, l'aide de Luke. Si Luke n'avait pas été là pendant l'épisode 6, Anakin n'aurait absolument rien fait. Non, mais avec Desi, on met pareil en bouteille, hein. Le truc, c'est juste que factuellement, Vador ne serait jamais revenu du côté lumineux si Luke n'avait pas été là. Et si Obi-Wan n'avait pas été là, Luke ne serait pas là. Donc... D'accord, mais tu vas quand même pas me démentir que c'est Anakin slash Dark Vador, le vecteur de la chute de Palpatine, c'est lui qui directement fait l'action. En effet, c'est grâce à lui qui le pousse, mais ça reste quand même lui qui va pousser, qui va basculer, qui va foutre le vieux dans lui, quoi. Ça reste lui qui rétablit l'équilibre. Oui, normalement. Mais l'équilibre, il n'y a pas. Dans la fin du 6, il n'y a pas d'équilibre.
L'équilibre, ça marche comme ça. Il faut qu'il y ait autant de forces lumineuses que de forces obscures. Ah Excuse-moi, mais non. à la fin du 6, Si, il si, si, reste si. quoi? Qu'est-ce qui reste à la fin du 6? Il reste Luke, probablement Ahsoka, parce que bon, alors ça, c'est dans l'univers étendu. Mais même si on Ouais, prend c'est que vrai. le film, si on prend que le film, il reste Luke qui est tout seul. Et on sait très bien qu'il va reformer un Jedi. Pourquoi? Parce que Yoda, il dit, transmets ce que tu as appris. Ce que Luke et Léa ne font pas arrêt. Déjà, c'est quand même quelque chose. Le côté obscur est perdu, est perçu comme une perturbation, hein, de la force Ça, dans c'est... Non, l'univers non, 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 des non. Jedi. Ça, c'est les Jedi qui pensent ça. C'est les Jedi qui pensent ça. Les Jedi, ils pensent quoi? Ils pensent que le côté lumineux, c'est bien, le côté obscur, c'est pas bien. C'est très manichéen, ça, Et de c'est ce que penser ça. pensait Lucas, c'est Lucas qui l'a insufflé dans la saga, et Mais s'il ça... insuffle du côté gentil, c'est qu'il y avait quand même une raison. C'est Oui, le message de mais... base. Oui, mais... On va pas me faire dire le contraire. La balance fonctionne comment? La balance... Vous prenez une balance, et si vous mettez Non 50 mais. grammes de côté lumineux et vous mettez 20 grammes Non de mais. côté obscur, qu'est-ce qui va se passer? Non, 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 mais visualise comme ça. Non, C'est comme mais je suis ça. d'accord, mais ça, c'est des Et... règles que la postlogie a rajoutées à la mythologie Star Wars. Des Oui, règles qui, dans mais les six premiers. évidemment. Et Dans là, la vous reprochez postlogie à la apporte de postlogie d'avoir nouvelles rajouté les choses. choses. Bah, des choses qui ne s'accordent pas bien avec la mythologie Star Wars. Oui, Mais complètement, je si, reproche, c'est je dis bien que c'est sûr que complètement si, où que ça incohérent. s'accorde, c'est totalement dans la logique, c'est le taoïsme, c'est yin, yang, l'un ne va exister sans l'autre. La force, il y a le côté obscur, il y a le côté lumineux. Si ça bascule trop d'un côté, il y a un déséquilibre. La prophétie, c'est rétablir l'équilibre dans la force. Luke, il bascule du côté lumineux, c'est un Jedi, donc équilibre, il n'y a pas. Il n'y a Enfin, plus même de, c'est il n'y même a pas plus de côté ça, c'est pas vraiment obscur ça. à la fin du 6. Donc, il y a pas d'équilibre. L'équilibre n'est pas restauré à la fin du 6. Il est à moitié restauré, on va dire, mais il n'est pas encore totalement, parce qu'on sait, on sait pas quand Palpatine est vraiment revenu, on ne sait pas quand Snoke a été créé, et Kylo, on sait juste que c'est 10 ans avant le 7. Mais dans tous les cas, les Jedi, ils se sont fourvoyés, et ça c'est montré dans l'épisode 4, dans 1, 2, 3. Les Jedi, comme Yoda le dit, mal interprété, la prophétie aurait pu être. Effectivement, on peut croire que soit elle a été mal pensée, soit elle a été vraiment écrite à la lettre de ce qui a été pensé. Déjà, on ne sait pas d'où sort cette prophétie, hein, parce que le contexte, c'est bien de reprocher à la postologie d'avoir un contexte. Cette prophétie, vous savez d'où elle sort? Est-ce que vous savez d'où sort cette putain de prophétie? Bah, c'est pas dit dans les films, donc forcément non. Voilà, donc tu ne sais pas d'où ça vient. Donc pourquoi? Voilà. Donc déjà, on va partir là-dessus. Et Anakin, est-ce que c'est vraiment l'élu? Est-ce que c'est vraiment lui l'élu? Est-ce que c'est pas les Jedi qui ont inventé cette histoire? Ou est-ce que c'est vraiment une prophétie qui a existé? On ne sait pas ce que c'est cette prophétie. Donc on peut pas dire Luke ou... Ça se trouve, c'était Luke aussi l'élu, on ne sait pas. On sait pas. Beaucoup de monde pense que c'est Luke l'élu, parce que c'est vrai qu'il pourrait faire partie, il pourrait être l'élu. Parce que il a quand C'est même... même pas le sujet de la trilogie originale à la base, hein, mais... En plus, oui. C'est quand même tuer le père. À la base, Luke devait tuer le Dark Vador. Bon, ça, c'est autre chose. Hein. C'est Lucas qui a fait son petit manigancement pour effacer l'épisode 5. Ça, tout le monde le sait. Mais bref, vous savez, on ne sait pas d'où sort cette prophétie. Tout ce qu'on sait, c'est que peut-être qu'elle a été mal foutue. On sait pas de qui la vient. Will Smith se méfie de cette prophétie parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a que Obi-Wan qui y croit dur comme fer à cette prophétie, alors que, bon, bah, grâce à The Clone Wars, on sait que c'est un peu du bullshit. Mais des trucs comme ça. Alors, là, vous me reprochez quand même à la postulie d'avoir un manque de contexte, mais on ne sait même pas Oui. si Anakin est vraiment l'élu, on ne sait même pas si la prophétie existe vraiment. C'est quand même grave. On ne sait pas, le mec, Ah, si on ne d'où le sait pas, c'est sort. parce que... Vas-y. Désolé, On sait même pas. j'ai Excuse-moi. bugué, j'ai pas entendu du coup. Maintenant, tout le monde. Il y a aussi le comic là, qui est sorti sur quoi, comme quoi Palpatine serait peut-être effectivement le père de Anakin. Ça C'est pas du serait tout ça que ça pour dit. moi. Ça dit que Palpatine a manipulé Anakin depuis l'enfance. Ça, c'est pour moi, ça c'est en fait dès l'épisode 1, le mec il est là. Oui, je vais surveiller tous tes gestes. Bah, ok. Mais après, on voit aussi Obi-Wan qui est là aussi en train de dire je suis ton père parce que c'est comment dire, c'est philosophique. Il a beaucoup participé à la naissance d'Anakin, tout ce que vous voulez. Mais ça, c'était une idée de Lucas à la base que Palpatine ait créé Anakin. Ça, c'est à cause du perturbement de la force que Snoke, comment dire, Plagueis et Palpatine ont fait. Bon, ça, c'est un fait. Mais bon. Est-ce que je peux juste te couper? Parce qu'en fait, j'ai buggé, en fait, j'ai pas entendu ce que vous disiez sur la postlogie, en fait, Ah. qui rajoute des règles à la mythologie Star Wars, qui du coup Oui, rend un alors on peu disait les autres qu'on. films un peu caducs. Non, ils ne sont pas du tout caducs. C'est que Bah pour moi, si, la. mais Les ouais. Jedi dans la prélogie, si tu veux, ils ont une vision biaisée de la Force, puisque ça fait des années, des années, des années qu'ils sont là, ça fait presque 1000 ans qu'ils sont tout seuls à la tête de la Force. Eux, ils ont une Ouais. vision, la Force, c'est les Jedi, point barre. La Force, c'est le côté lumineux, point barre. Et les Jedi, pour eux, forcément pour eux, c'est le côté obscur déstabilise la Force, alors que pas du tout. Le côté obscur fait partie de la Force.
Ce que dit Luke dans l'épisode 8, c'est totalement vrai. Il dit, la force sans les Jedi ne s'éteindra pas. Le côté obscur ne s'éteindra Oui. pas sans les Sith. Alors j'entends, mais Et ça, c'est ce sont des vrai. règles qu'ont rajoutées la post-logie. En fait, à la base, vraiment, le côté lumineux, c'est vraiment le bien. Le côté obscur, c'est vraiment le mal. C'est une perturbation. Donc, Oui, tu vois, d'accord. je suis pas sûr que l'un soit Oui, autant nécessaire que mais l'autre dans c'était la force. déjà. C'est quelque chose que la post-logie a rajouté. Non, parce que depuis l'épisode Non. 4, on sait que la force, le côté obscur et le côté lumineux, c'est le yin et le yang. On sait que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Ah bon. Bah oui. Non, c'est ce que Et... c'est suggéré sur Dagobah avec Yoda, c'est que la force est partout et il y a le côté obscur en chacun de nous. Ça, vous êtes d'accord? Il y a le côté obscur en chacun de nous. Donc le côté Oui, obscur il y a est une une part partie sombre, ouais. naturelle de l'univers. Il y a une part sombre, il va dans la grotte, il y a l'expérience. Donc le côté obscur est forcément présent. Ça fait forcément partie du tout. On ne peut pas le nier. C'est comme ça que Luke, justement, à la fin du 6, se rend compte qu'il est emporté par le côté obscur lorsqu'il s'apprête à tuer Vador. Donc le côté obscur est là, indépendamment du côté lumineux, c'est un tout. Voilà, c'est déjà établi sur la Je trilogie. peux me permettre C'est de dire juste. un peu ma vision de la chose, parce que je pense que c'est surtout lié à la vision qu'on a de la manière dont on a interprété Star Wars 5. Alors, si je puis me permettre, selon moi, Yoda, ce qu'il dit à Luke dans l'épisode 5, c'est que oui, forcément, on a tous une part de haine en nous, on a tous des sentiments, je dirais, qui sont presque instinctifs, on a tous des choses, mais qui nous rongent. Et les Jedi, ils essayaient, pardon, absolument de détruire ça dans la prélogie. Et justement, ce que fait Luke, c'est que il fait corps avec. On voit même dans le combat à la fin du 6, il cède à la colère, mais on voit qu'il la contrôle, et c'est en contrôlant sa colère qu'il arrive, et sans la refouler, hein, qu'il arrive à rétablir l'équilibre non pas en tuant son père, mais en le sauvant. Et donc c'est ce que dit aussi Rose. Et au final, ce que dit le 8, c'est exactement la même chose que dit le 6. C'est juste qu'on a peut-être, selon moi, un peu mal interprété ce qu'a dit Yoda dans Star Wars 5. Luke dit pas Arrête, laisse-toi emporter par le côté obscur. Luke dit Arrête, laisse le côté obscur venir en toi, mais contrôle-le. Parce que c'est normal, c'est humain de l'avoir, mais c'est quelque chose qu'on avait di direct, enfin déjà dans Star Wars 6, parce que Luke l'avait ça. Oui, mais Luke, après ce Apparemment. qu'il a fait, je suis d'accord, c'est vrai, mais Luke, ce qu'il a fait après, c'est qu'il a continué la philosophie Jedi qui représente le bien. Donc lui, il est devenu quelqu'un d'un Jedi équilibré, voilà, ce qui n'a pas empêché de commettre des erreurs. Quant au sujet du combat à la fin de l'épisode 6, je suis d'accord, il fait acte de résilience, mais c'est un acte religieux, donc un acte en tant que Jedi. Il jette son sabre. Mais par là, il condamne son père, Dark Vador, parce qu'il est obligé d'agir. C'est un peu en acte un peu christique, qui fait rien, son fils meurt. Donc, il tue l'empereur. Ce que fait Rey dans l'épisode 9, c'est différent. C'est que Palpatine est son père, mais il est foncièrement son grand-père, Son mais grand-père. c'est le mal Enfin, ouais. absolu. Et ce qu'elle fait, c'est comme Luke, elle ne répond pas à son jeu, c'est-à-dire le jeu tué. Si elle le tue, elle devient ce qu'il est. Donc elle ne le tue pas, elle se défend, et c'est par la défense que lui se tue avec sa propre attaque. Oui, donc finalement, on nous raconte la même chose qu'on nous... Enfin, la même Non, chose. pas du tout. Sans... Non, non, Pas non, du c'est pas tout, la même sinon. chose. Non, parce que Dark Vador tue Palpatine. Rey ne tue pas Palpatine. C'est Palpatine qui se tue. Tuer, c'est un grand Oui, mot. alors oui, Pardon, alors à pardon. ce moment-là, Dark Vador ne le tue pas et le jette dans Non, le vide. Palpatine est bel et bien mort dans le Palpatine, il se 6. fait exploser. Oui. Oui, alors on est d'accord, mais Dark Vador le jette dans le vide et puis Palpatine se tue en tombant. Tu vois, si on va dans ça, Non, Dark parce que c'est. Non, Palpatine. parce que Non, 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 Palpatine mais il si. prend sa propre C'est. attaque. Là, c'est Dark Vador qui le jette volontairement dans le vide. Donc c'est lui qui le tue. C'est C'est tout. Il n'y a volontaire. pas de débat. La Rey, elle se défend juste de Palpatine. Vador, lui, il le balance dans le vide, mais il veut tuer Dark Vador, enfin il veut tuer Palpatine. À mon avis, Rey ne voulait pas faire du bien à Palpatine, même loin de là. Hein. Oui, non mais est-ce que Rey a tranché Palpatine en deux ou l'a balancé dans le vide? C'est lui-même qui s'est désintégré tout seul. Elle a fait juste Elle n'a renvoyer, elle a pas juste renvoyé. répondu au jeu de Palpatine. Alors que, Et par exemple, quand Kylo menace c'est Rey, ses propres dans. armes qui l'ont tué. Ça s'est retourné contre lui. D'accord, mais
Oui, non, en soi, je remets pas forcément ça en cause, mais du coup, je me pose quand même la question de l'intérêt, moi, de ramener Elle rentre, Palpatine. non. Elle rentre dans le jeu de Kylo Ren qui conduit aux éclairs de Palpatine, certes, même si Dooku pouvait le faire aussi. Bon, ça, c'est un gros débat, encore une fois, la trilogie. Mais elle rentre dans le jeu de Kylo Ren. Ensuite, elle perd complètement ses moyens devant Kylo sur les pages de la Toilette de la Mort, ce qui conduit à son exil, enfin, exil très très rapide, sur Acto où Luke lui répète, mais c'est normal d'avoir peur, c'est normal de combattre la peur, c'est le destin d'un Jedi. Tu n'as pas à t'en faire. Et c'est tout le développement de Rey, justement. C'est qu'elle, pour elle, elle est rentrée dans le jeu de Kylo Ren, qui, bah lui, bien sûr, est revenu du côté lumineux à cause de sa renaissance grâce à Rey qui lui insuffle la vie. Bon, Ouais. c'est une très beau moyen. Mais en gros, elle rentre dans le jeu et grâce au moment où Luke lui dit il faut que tu apprennes à contrôler ta peur, machin. Et à ce moment-là, quand elle va voir Palpatine, elle n'a pas peur de Palpatine. Elle s'en fout de lui. Elle ne lui répond Ce qu'a pas. fait Luc dans le 6, ce qu'a fait Luc dans le Non, 6. parce que Luc Luc a mais si, perdu ses écoute, moyens. écoute, écoute, Luc écoute, a écoute, perdu ses écoute, moyens dans du écoute-moi, cœur. face à Palpatine, face à Palpatine, pas du tout. Luc, face à Palpatine, il a jeté son sabre et c'est même Palpatine après Non, qui c'est pas le ça qui s'est passé tue. Ah bah directement. si. Non, Non, non. bah, Attends, je vais il est t'expliquer arrivé dans la exactement ce qui salle s'est avec passé. Dark Vador. Et Palpatine a réussi à le faire entrer dans son jeu. Il lui a fait monter en lui la haine et la colère. Il est entré dans le jeu de Palpatine. Il s'est battu contre Dark Vador. Il a commencé à s'énerver contre Dark Vador. Il a basculé du côté obscur. Il lui a Il l'a coupé la arrêté. main. Et en lui coupant la main, il s'est rendu compte qu'il reproduisait exactement le même schéma que son père et qu'il était rentré dans le jeu de Palpatine. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un acte de résilience, mais se fait électrocuter par Palpatine. Oui, mais du coup, c'est enfin, je Pas suis ça. d'accord, dans les faits, il y a deux, trois choses qui changent, mais globalement, c'est la même chose qu'a fait. Luke finalement ne rentre pas dans le jeu de Palpatine en faisant acte de résilience. C'est Finalement, exactement ce que fait Rey. Oui, non, mais c'est exactement ce que fait Rey. Rey ne Oui, rentre à mais par aucun cet acte. moment. Cet acte, il condamne son père, en fait. Rey, elle renvoie Rey condamne l'arme Ben de. Solo. De quoi? Oh, Rey condamne. Non. Enfin, à la Non, base, bah Rey non, se parce qu'à ce condamne moment-là, elle-même parce qu'elle meurt. Kylo Ren, on pense qu'il est mort. Elle pense qu'il est Oui, mort, elle d'ailleurs, meurt dans le vide. faudra aussi qu'on m'explique comment est-ce qu'il a fait pour remonter, mais enfin, c'est autre chose. La force, hein, tu sais. Bah, Non, ça, alors faudra ça, je vais expliquer t'expliquer à très Dark Maul, rapidement. Je vais hein. Non, mais ça, je vais t'expliquer très rapidement. C'est dans un comics, certes, c'est dans un comics, mais en vrai, c'est ultra logique. C'est dans un comics que Snoke montre la peur à Kylo et lui dit de maîtriser ses émotions. Et en fait, en gros, Snoke, il met dans le vide, il met Kylo Ren en lévitation. Et à un moment, je ne sais plus ce qu'il se raconte. Et à un moment, Snoke, il dit peut-être que j'ai pas pris le bon apprenti. Et il le lâche dans une espèce de fosse avec plein de pics. Et Kylo, lui, arrive, grâce au côté obscur, à tout ce qu'il a en lui, à rester lévité au-dessus des pics. Et ça, c'est pas du déjà vu dans Star Wars. Hein, enfin, justement, c'est du déjà vu dans Star Wars. On a vu plein de fois dans les comics. Ouais. Les Jedi peuvent utiliser la force pour voler. Ils peuvent faire voler d'autres personnes grâce à la force. Alors, faire voler D'ailleurs, eux-mêmes. Rey vole au début, hein, du. Oui, enfin, elle est Oui, vite, aussi. oui. Oui, elle est Si, vite. Donc, oui, Kylo a pu l'éviter. Donc, ça, à partir du moment où Kylo a pu l'éviter, après, il remonte, parce qu'il a plus de force en lui, il remonte grâce à ça. Il a utilisé les dernières énergies pour remonter et après donner sa vie à Kylo. Donc, c'est pas du Mais tout pareil que. Non. du coup, pourquoi est-ce qu'on fait revenir Ouais, Palpatine c'est ça en en... fait. C'est quoi la valeur ajoutée en fait? Pour avoir, grosso modo, hein, les mêmes fins avec les mêmes exactions, quoi. C'est pas les mêmes fins, comme je vais t'expliquer. Elle choisit. Franchement, tout ce que vous avez. Enfin, c'est des détails, c'est des détails. Star Wars, ça se joue sur des détails. N'importe quelle saga se joue sur des détails. Oui, mais Surtout dans les Star grandes Wars, lignes, c'est après tout, était exactement des la même gros chose que détails. Star Wars 6. C'est Dans les grandes la lignes, même c'est ça. trame. C'est Dans pas les grandes du lignes, je suis tout. d'accord, c'est ça le problème. C'est très similaire. Mais après, ça apporte de nouvelles choses, des nouveaux messages. Donc oui, je suis d'accord, c'est similaire, c'est vrai. Alors, la C'est d'ailleurs pour ça similarité, que Rey ça apporte déteste. des nouveaux messages, je te suis pas bien. Bah oui, parce que C'est Rey similaire, choisit mais sa c'est vie. pas Et exactement pareil. elle renvoie la propre attaque à Palpatine, c'est ce qui le tue. Elle choisit sa vie, elle choisit qui elle veut être. Et elle choisit le message qu'elle veut transmettre. Luke, il Mais va être ouais. un Skywalker. Mais le problème, c'est pas la façon dont meurt Palpatine, c'est vraiment son retour. Pourquoi il revient? Était bien nécessaire de faire ça? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose de plus intéressant à faire? Bah ça, on est C'est juste d'accord, ça. oui. Ça, Ouais, on est donc ça, d'accord c'est. là-dessus. Oui, Ça, évidemment, ils alors, auraient pu faire autre ça. chose et tout ça. Après, est-ce que ça sort nulle part? Je suis pas tout à fait d'accord, Ah mais bon? c'est vrai En quoi ça que sort pas de nulle part?
Ça Bah, m'intéresse alors beaucoup. d'abord, bah, vas-y, si tu veux expliquer. Si tu veux Bon, sur la c'est musique, des je parle détails, pendant encore une 32 fois, secondes, c'est mais. des détails. Il y a la musique de Palpatine, ok, très bien. Il y a la Voilà. musique de Palpatine. Ça, après, bon, c'est un gars, c'est un fan qui a découvert ça récemment, que la musique de Ouais, j'ai Kylo vu. Ren avait une similarité avec la musique de Palpatine pour montrer que peut-être qu'ils sont liés à lui d'une certaine façon. Après, je ne sais pas si J.J. Abrams avait prévu de faire revenir Palpatine dans ses têtes qu'il a, lui, il avait imaginé à la fin, peut-être dans le 8 ou dans le 9, faire revenir Palpatine, ça, on ne sait pas. Mais on avait déjà quelques infos avec les débris d'Étoiles de la Mort qui étaient déjà présents dans l'épisode 7 à la base, qui devaient être là. Bon, ils ne sont pas là, bon, tant pis. Mais bon, ça, on s'en fout la rigueur. Mais qu'est-ce que Kylo, enfin, qu'est-ce que Palpatine dit à Anakin? Je peux, en gros, il dit mon maître, parce que c'est clairement son maître, c'est dit, hein, c'est le regard vicieux qu'il a quand il dit Plagueis a perdu sa vie, qu'il a pas réussi à survivre parce qu'il a été tué par son apprenti. C'est Excusez-moi, pas mais vu le clairement dit. regard, c'est pas clairement dit, mais par le regard de Pour moi, Palpatine, c'est son les maître aussi. Hein. expressions, Oui. pour les expressions, c'est ça, Si. c'est en plus, c'est Ouais. confirmé. Dans l'épisode 3, il y a une urne, c'est pas dit dans l'épisode 3, mais dans une urne, c'est dans le guide visuel, je crois que c'est dit. Dans une des urnes de l'épisode 3, dans la salle du trône de Palpatine, il y a les cendres de Plagueis. Et dans le Non, dernier mais oui. roman, Je dans suis les d'accord, derniers c'est très Soldiers logique. de. Après, bon, bref, c'est Voilà. pas le débat. Last Donc, Duel of ça, il n'y a Fate. pas de. Je vois des gens, déjà les gens dire oui, mais on ne sait pas. Si, on sait. Et oui, c'est pour ça que Duel of Fate, j'avais beaucoup de mal, parce que justement, bah, Plagueis n'était pas de Palpatine. Et moi, quand j'ai appris ça, j'ai fait quoi? Pardon. Franchement, s'il y a que ça, c'est pas grave. Enfin, bref. Non, 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 Duel of Fate, je pense pas qu'on va parler ce soir. Je pense qu'il pourrait faire carrément une Non, heure mais de. je crois Donc, que non, il y a d'autres choses à dire, oui. là, encore une fois, Oui. moi, le retour de Palpatine, ça me dérange parce que bah, pour moi, ça n'a pas été teasé dans les précédents volets. Et pour Oui. cause, bah, les résistants eux-mêmes ne savaient pas qu'il allait revenir. Donc, ça en dit quand même long. Mais en fait, Justement, pourquoi c'est il pour ça qu'ils revient? sont surpris. Pourquoi il revient? C'est juste, c'est simplement parce que Ryan a refilé la patate chaude à JJ, il savait pas trop comment finir Non, son c'est pas du histoire. tout ça qui s'est passé. Ah bon, alors qu'est-ce qui s'est Bah. passé? Pour moi, la patate chaude, tout ça, là, c'est des grosses conneries. Hein. Je suis désolé, mais J.J. Abrams, c'est Rian Johnson, je suis désolé, c'est des gens bien, ils vont pas se foutre sur Non, la mais gueule pour Star c'est pas Wars, ça la quoi. question. C'est pas ça la question. J.J. Abrams, C'est. il a pris le projet en main qui était complètement casse-gueule parce que les fans détestaient l'épisode 8. Ça, on est tous d'accord pour dire que les gens ont mal pris ce film, alors que pourtant ce film Oui. est l'un des meilleurs de la saga. Logiquement, il est meilleur que la trilogie entière. C'est un autre Voilà. débat. C'est un autre débat, certes, mais pour moi, c'est le meilleur Oui, que pour la toi, trilogie, en oui. tout cas. Et les fans ont mal pris ce film. Au début, j'en ai fait partie très, très rapidement. Hein. Ça a été très rapide. Mais. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Alors, Kathleen Kennedy, c'est une. Bon, je vais pas parvenir, parce que moi, j'aime pas sa femme non plus. Je pense que personne ne l'aime ici. En effet. Moi, Au moins un point, on sera Kathleen, d'accord. je pense que Kathleen Kennedy a eu peur de la réaction des fans. Imaginons, on aurait fait Duel of Fate. Les fans qui auraient appris que Palpatine, que Plagueis n'était pas le père de. Enfin, il n'était pas le maître de Palpatine. Imaginez déjà, déjà ça aurait été un truc, mais ultra casse-gueule. Bon, les gens auraient été contents, il y a Mortis, tout ça. Ok, mais. Faire revenir Palpatine, c'est quand même le truc le plus simple à faire. Tu fais revenir Palpatine, les gens sont contents, sauf que bah, vous, et du coup. Il y a Bah, beaucoup de personnes, parce que j'ai connu beaucoup de personnes. Mais ou sinon tu moi, es Skylo. personnellement, à la fin du 8, Ouais, c'est ça. moi, Kylo Ren, pour moi, il n'avait jamais eu les épaules pour devenir le grand méchant de la Oh, saga. bah pas du C'est un tout. mec, quand même, qui, depuis l'épisode 7, a toujours eu besoin de quelqu'un au-dessus de lui. Moi, pour moi, le meurtre de Snoke, oui, c'est une façon de montrer que la Bah règle des oui, deux est encore ça en a perpétuée, franchi. machin. Mais. Est-ce que vous imaginez vraiment Kylo Ren à la tête du Premier Ordre? Est-ce que vous En fait, imaginez faut. vraiment le gars avec comment dire, les réactions colériques qu'il a? C'est Mais impossible justement, que ce bien mec. sûr que oui. Dans le 8, justement, il devient pleinement lui-même à son Oui, plein je suis potentiel. d'accord. Et c'est superbe, c'était superbement amené. Moi, j'attendais que de voir un Kylo Ren à sa toute puissance, Moi aussi, vraiment j'aurais ronger beaucoup tous aimé les ça. Kylo Ren Et on calmé, l'a ou pas eu. même peut-être un Kylo Ren calmé dans l'épisode 9 qui se passerait 1 ou 2 ans après, serait complètement plausible et serait très 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 intéressant. Tu vois, et à Mais mon du avis, coup. c'était pas du tout dans les plans de faire revenir Ben à la fin. Parce que Bah. t'as même Luke qui dit à Leia à la fin de l'épisode 8 que il vient pas pour sauver son âme, quoi, c'est fini. Et même Leia est d'accord avec ça. Pour moi, c'est vraiment pas ce que lui Bah, veut Ryan maintenant aussi. Johnson a fait ça pour être sûr que. Enfin, pour être sûr. Après, là, c'est une supposition, mais quand Ryan Johnson il a fait ça, pour moi, je me dis, ah, super, ils ont compris, ils vont pas nous refaire, ils vont pas nous resservir Exactement. la même sauce dans le neuf. Et qu'est-ce qui se passe dans le neuf? On nous resserre la même sauce. Alors là, moi, je me dis, mais Alors, pardon? qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans le 8, il y a quand même Luke qui vient dire à Kylo devant lui, je vais hanter tes souvenirs comme ton père. Et dans l'épisode 9, on Y a sait rien. pertinemment que Kylo, dans l'épisode 8,
Dans l'épisode 8, quand même, il hésite à tuer sa mère parce que je pense qu'il a compris que le marteau de son père n'a servi absolument à rien à part créer encore plus de déchirement à l'intérieur de lui. Bon, après, on sait, grâce au comics, que monsieur est un peu mieux avec sa mère qu'avec son père. Mais à la fin, dans le 9, moi, j'ai trouvé la scène avec Han Solo hyper touchante. Non, enfin, Kylo qui se rend compte de ses erreurs, qui monte, qui voit son père devant lui, non, bon, c'est mais ses d'une souvenirs, manière, certes. c'est Est-ce que... logique. Pendant tout le 8, on nous montre qu'il y a une connexion entre Rey et Kylo. Ça n'allait pas D'accord. aboutir à Monsieur, je vais devenir tout méchant et je vais rester comme ça jusqu'à la fin. Mais est-ce C'est pas que logique. il n'aurait pas pu se repentir une fois que Rey l'aurait tué, parce que dans Mais un c'est ce qu'elle fait. grand En fait, écart c'est ce de... qui se passe. C'est Oui, c'est ce exactement ce qui qui se se passe. passe. Oui, je suis Elle le d'accord, c'est ce qui tue se et elle se passe. repentit. Et c'est intéressant, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'elle le tue, mais elle le réanime. Donc, elle le tue moyen, quoi. Enfin, je veux dire, Mais c'est parce que con de, justement, d'enlever de la dramaturgie de Jedi la ne peut pas scène. tellement se repentir, en fait. Il peut pas tellement se repentir s'il meurt. Bah, bien sûr que C'est si. la philosophie Jedi, Ah c'est quand même non, une parce que. philosophie. Les Jedi ne doivent pas tuer. Dans l'épisode 3, Dooku, enfin, Anakin dit que c'est contraire aux Jedi de tuer, sauf si t'as Non, mais vraiment pas le ça, je choix. suis Or là, elle d'accord. avait le choix. D'ailleurs, c'est complètement illogique avec le personnage de Rey. Elle va pas tuer Kylo et se casser en mode Ah ben en fait, t'as du bon en toi, mais je vais te laisser crever comme une merde. Bah, Puis c'est-à-dire voilà, bye que bye. éventuellement elle aurait pu ne pas savoir réanimer les gens par la force, enfin, c'est complètement possible puisque dans les épisodes d'avant on ne le donne pas, même dans Star Wars 1 qui sont quand même des Jedi hautement entraînés, ils ne le font pas. Oui, mais Donc justement, oui, il faut c'est ce savoir qu'on un truc, c'est montre. que C'est dans dans les l'épisode livres, il n'y a 4. pas tout le savoir, justement. Il découvre de nouvelles choses. C'est apporté par la postologie, apporte de nouveaux pouvoirs de la force que la prélogie avait limité. Oui, Juste pour oui. revenir sur Ben, parce qu'on parlait de Ben en fait, son revirement. Moi, j'ai pas tout dit à ce propos. Pour vous, dans le 8, vu qu'il y a une connexion, machin, il y a encore le revirement de Ben qui est dans le 9. Moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire que on a une connexion entre Rey et Ben, en effet, qui s'approche, machin, qui ensemble, enfin, ensemble, oui, sortent de la salle du trône de Snoke. Donc il y a un début d'alliance, sauf que tout de suite après, Kylo, il va se prendre un énorme vent pareil. Ensuite, il arrive plus énervé que jamais face à Luke, plus rongé que jamais, et à la toute fin, lorsqu'il a une connexion avec Rey, elle lui claque complètement la porte au nez. Oui, Pour mais moi, évidemment, c'est devenu ce un. qu'elle fait aussi depuis le 9, hein. Excusez-moi, mais dans le 9 aussi, elle le claque plusieurs fois la porte. Non, mais juste pour dire, pour moi, la direction du 8 est très claire. Kylo, on a sa transition de personnage encore hésitant, qui bascule entre la lumière, l'obscurité, le bon, le moins bon. Voilà. Et à la fin, il n'y a plus de débat, quoi. À la fin, c'est Oui, totalement sachant qu'en plus, Mais au début du 9, c'est le un moment où il tue méchant. Snoke, Enfin, etc. le film est construit comme ça, en tout cas. Donc, je comprends pas Dans comment on peut avoir une autre le 9, lecture, en c'est fait. Suprême Leader, il a tout le premier ordre, c'est le Oui. grand méchant, c'est devenu Mais le le nouveau problème, c'est Vador. qu'il est Voilà. relégué. Non, c'est pas le nouveau Vador, justement. C'est C'est le nouveau devenu un peu Palpatine. le nouveau Palpatine. C'est comme si Vador avait tué Palpatine. Oui, Finalement, il va plus voilà, loin c'est ça. que Palpatine. Et ça, c'est ultra intéressant. Mais justement, il est allé Eh bien plus loin. Tu oui. te dis, ah bah, tu vas avoir du nouveau. Mais. Et tac, on te refout Palpatine parce que oh, on va quand même pas faire trop du nouveau Oui, parce mais que les fans, ils vont peut-être il est gueuler. pas. Bah non, je suis désolé. Il est en opposition à Palpatine. Il n'est pas du tout sous ses ordres et tout ça dans le 9. Il est indépendant. Non, mais du coup, ça ne fait pas Il de a lui son propre. le grand méchant, en fait. C'est Bah ça que oui. je reproche au film, c'est qu'il aurait dû tenir le Surtout. film à ses épaules. Il n'y avait pas besoin de ramener Palpatine. Il y avait déjà un super méchant, Parce que un des plus intéressants de la saga. Il Kylo n'avait Ren, pas. Tout à fait. il est pas montré comme le grand méchant, justement. Ah, Pendant justement, tout il le le. devenait dans le 8. Et c'était ça qui était top avec la construction du personnage. C'est ça qui était très intéressant. Et malheureusement, le 9, bah, il rétropédale un peu. Il y a aussi la symbolique du Mais casque ça a où il y a un déjà été rétropédalage raconté total. avec Anakin. Ah non. Anakin, il a toujours été sous les ordres de Palpatine, alors que justement, Kylo Ren, Mais dans le là, 9, il il n'est faisait les pas sous étapes les de ordres de lui. Palpatine. Non, mais Kylo Ren c'est n'est pas le pas sous problème, les ordres c'est de pas le problème. Il Palpatine. est peut-être pas sous ses ordres, mais il reste quand même. Alors peut-être qu'il est pas soumis, mais il est relégué au second plan. Bah, oui. Non, il n'est pas relégué au second plan. Il En joue tant que son grand rôle dans méchant, en tant que grand l'histoire. méchant, je veux dire, il n'est C'est pas pas la le centre. menace. Le 9, on Ce voit n'est pas la plus menace. Kylo Ren que Palpatine. Bah Déjà, oui. Palpatine, on le voit 5 minutes à peine. Kylo Ren est là pendant tout le film, presque. Bah oui, Bon, mais sauf c'est entre le comme dans la passage. VO, tu vois plus Vador que D'ailleurs, Palpatine. c'est quand Oui, même mais la assez menace, marrant. C'est quand même Kylo Ren assez va marrant être quand qu'ils même la remettent son. menace. Kylo Ren Menace de va quoi? tuer Rey. Kylo Ren va Il la tuer tue pas. Rey, qui est sauvé par sa mère, qui, je rappelle, a hésité à la tuer dans l'épisode 8. Donc on sait, grâce au 8, qu'ils ont un affect particulier. Il Et voulait pas parce que tuer Rey, Leia hein. n'a jamais essayé. À aucun moment dans la saga, on dit que Leia a essayé de le ramener. On sait que Han Solo a essayé, il s'est fait tuer. Luke a essayé, il avait perdu foi en lui, donc il s'est exilé. Voilà, il y a trois personnes qui voulaient le ramener. C'était ces trois personnages-là et sa mère. Enfin, ces deux personnages-là et sa mère. Sa mère qui n'a jamais essayé.
Et là, au bout de sa vie, et c'est là qu'on voit que c'est super bien géré, Leia est en train de mourir, elle est mourante. Kylo le sait, et c'est à ce moment-là où il perd complètement l'usage de son corps, parce qu'il laisse tomber son sabre laser par terre, il se laisse faire tuer par Rey. Et au moment où il commence à se dire, putain, j'ai fait une connerie, parce qu'il tombe à terre, il est transpercé, il vit de son temps, il est en train de crever. Et à ce moment-là, il repense à ce qu'il a, je pense que c'est à quoi il repense. Il repense à ce qu'il a fait. Est-ce que c'était vraiment utile ce qu'il a fait? Est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire? Rey qui le soigne, c'est aussi peut-être que Rey aussi se rend compte que Kylo Ren est en train peut-être de redevenir gentil. C'est pour ça qu'elle lui dit aussi, je voulais prendre ta main, la main de Ben. Et à aucun moment Rey était dans le neuf, excusez-moi, avant qu'il redevienne Ben Solo. À aucun moment Rey est en mode, je vais te ramener. À aucun moment. Au moment sur Passana où Kylo récupère le collier, Rey a fait quoi? Elle lui claque à la porte. Quand Kylo il dit, tu vas me rejoindre, tu ne vas pas basculer du côté obscur. Rey, elle lui dit, on verra. C'est-à-dire, on verra dans le sens, tu verras que non. Après, plus tard, quand Kylo lui tend la main sur le vaisseau, le résurgent, je crois, que Rey refuse encore une fois. Donc, à aucun moment, elle comptait ramener Ben. Elle savait très bien qu'il était encore mauvais. Non Sauf au mais moment où et même il la tue, juste au moment où Rey la transperce, elle se rend compte que bah, c'est pas. Peut-être qu'il peut revenir du côté obscur, elle lui laisse une dernière chance. Et c'est pour ça qu'elle part, elle le laisse ici tout je seul. veux dire Oui, non mais ce débat-là, il était déjà clos avec le 8, quoi. C'est-à-dire que même à la fin, Mais prends non! la fin du 8. Non mais attends, écoute, prends la fin du 8. Kylo Ren Je dit suis d'accord, il est méchant. Ok, allez-y, très bien. tuez-les tous. Il dit tuez-les tous. Oui, Donc il aurait, si ça très avait bien. été au bout, ça aurait buté Leia, ça aurait buté Rey, il n'en aurait eu rien à battre. Et Est-ce du que... coup, là, on revient sur la même question qu'on avait réglée dans le film d'avant, et en plus, on fait C'est revenir ça. quelqu'un de derrière les fagots, alors qu'on avait une histoire intéressante jamais vue qui pouvait être ultra intéressante si elle était bien développée. Après, est-ce qu'elle aurait été bien développée dans Mais Duel of Fates ou pas, c'est un autre bah, débat, mais je veux dire, ça aurait pu être ultra bien développé, et on nous resserre du réchauffé qui joue même avec les anciens films de la saga en les rendant pas complètement Mais ils caduques. sont pas inutiles. Ils sont Le pas truc. inutiles. Il y a quand même eu une Non mais, paix entre le 6 et le qu'est-ce qui se 7. passe? Oui, d'accord, il y a une Qu'est-ce paix, qui se passe? certes, mais Le je veux dire, sacrifice de faire revenir Vador n'a pas servi à rien. Le à rien, sacrifice de non, mais Vador. ça tue quand même la symbolique, c'est-à-dire que, Oh, oui, la ok, dramaturgie quand Palpatine même. meurt, oui, voilà, la Il est dramaturgie, mort. Il il est meurt, mais pas mort trop. total. Il meurt, Non, mais il est mort. Il oh. est mort. Oui, il Il meurt, est mais il mort, mort. revient. Il revient. Il D'accord, est mort. il Comment? meurt, mais. Ah oui, Palpatine d'accord, bah dit c'est en super lien ça. avec les Je pouvoirs suis du côté mort. obscur, lien avec la prélogie, tout ça, tout ça. De toute Ça manière, clôt le la saga? scénario, c'est Kylo Ren grand méchant. Il se serait passé quoi? Un combat Rey-Kylo, c'est ce qui arrive dans le film. Conclusion, il finit par perdre, il se fait tuer, c'est ce qui arrive dans le film. Il revient du bon côté, c'est ce qui arrive dans le film. Ah non, Il aurait pu moi mourir, je il n'aurais meurt jamais dans le fait revenir du bon film. côté. Il Ouais. serait Ou alors à revenu. la limite quand il agonisait, Ça, mais. c'était la pire idée. Pour moi, le 8 était très Mais il clair là-dessus. Je agonisait quand il est sais que vous revenu. n'êtes Hein. pas d'accord, mais le 8 est très clair là-dessus. Oui, Même son et Ryan comportement, Johnson le même. voulait comme ça, Mais c'est oui, évident. c'est clairement l'intention de Rian Johnson. Même Leia Oui, s'en mais rend Ryan compte. Johnson, Ryan Johnson, il a C'est. quand même dit sur son tweet, il a dit un tweet, j'ai apprécié ce film, ça m'a En même temps, replongé en il attend une enfance. trilogie. Il attend une trilogie après. Il va pas C'est dire le film sûr, était à chier. certes, peut-être, mais il pouvait aussi rien dire. Il pouvait aussi rien Ouais, il dire et pouvait laisser très le bien film se passer dire. comme. Et il faut arrêter de Oui, mais on croire lui que est posé 25 les milliards de questions. réalisateurs il faut arrêter de Mark croire Hamill, que les il a réalisateurs ont dit ce tout qu'il mou. pensait, voilà. Oui, Oui, mais Mark exactement, et Hamill, il il a était pas aimé. essentiel au projet, il attendait pas après une dernière trilogie, alors que Rian Johnson, il l'attendait après qu'on lui redonne une Mais trilogie, même, etc. Ryan Non, mais Johnson, moi il je a pense. d'autres projets que Star Wars. Non, mais. C'est Star Wars, pour lui, c'était Et puis, un même bon film. s'il a aimé, même Ryan, s'il a aimé, il c'est fait tant d'autres mieux films pour lui. s'il veut. Oui, non, Non, mais mais d'accord, mais c'est quand même pas globalement, pareil faut que arrêter Star qu'il y Wars. ait d'animosité entre Ryan et JJ, faut arrêter avec Je ça. pense Mais pas, non. non. Le Mais seul on problème, dit. c'est que Disney n'a pas planifié la chose et que Mais Ryan, on vu qu'il s'en a fait une fout! histoire qui lui Ah, mais tenait, non, on s'en fout pas. on s'en fout Mais pas du si, tout on parce s'en que ça fout. Il y fonctionne a pas. plein de sagas qui n'ont pas de plan global et ça Oui, le n'empêche pas problème, d'être c'est de que bonnes là, du coup, sagas. les films se contredisent entre eux. Mais ils Mais se ils se contredisent contredisent absolument pas! pas. Alors ça reste À totalement tout, dans la logique du film. juste un truc à dire, à tout, t'es pas obligé d'être effaré à chaque fois, tu sais, tu peux défendre ton avis, calme, hein, calme, doucement, Je doucement, sais, mais... doucement. Non, par contre, juste pour revenir sur les sagas qui n'ont pas de plan prévu, quand c'est le cas, c'est souvent parce qu'un deuxième ou un troisième épisode n'est pas prévu après. Mais quand une saga Si, si. prévoit de faire une Bah, trilogie, ou plus même, prenons l'exemple elle d'Alien. prépare. Bah, le cas, je prends Star Wars juste 4. l'exemple d'Alien. Juste l'exemple d'Alien. Chaque film est dépendant de chaque réalisateur. James Cameron a détesté le troisième. Bon, David Fincher qui a fait le 3, bon, lui, on sait tout ce qui s'est passé. Comment il s'appelle? Celui qui a fait le 4, je ne sais plus comment il Jean-Pierre s'appelle. Jeunet. Oui, Jean-Pierre Jeunet, il a encore apporté de nouvelles thématiques. Chaque film de la saga Alien apporte des nouvelles choses. Et même si ça contredit l'ancien film, ça embellit, comment dire, ça embellit l'ancien. Je vous conseille vachement les vidéos du bonhomme. Pas le bonhomme, c'est comment ça?
Le bonhomme à Club de super Monsieur Bobine. c'est à moi. Non, 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 Monsieur non. Bobine. Mais Monsieur Bobine, qui sont ultra intéressantes, parce que ce mec-là, ça se voit qu'il s'y connaît en cinéma, et contrairement à certains du réel. Et vraiment, regardez ces vidéos, vous comprendrez Ouais, je exactement connais, c'est très très pourquoi. bon, ouais, en effet. Voilà, donc. Mais non, mais du coup, je suis d'accord avec toi, simplement, je pense pas que ce procédé puisse s'appliquer à une saga comme Star Wars qui a déjà une mythologie derrière et qui a besoin d'être pensée. Tu peux pas arriver, faire ta sauce, et après, bah, c'est à un autre réalisateur qui a une vision différente de Star Wars, parce que moi, je Mais. pense qu'on peut pas nier que le 8 et 9, thématiquement, il y a quand même un énorme rétropédalage. Tout Tout à à l'heure, fait. j'ai parlé vite fait de la thématique du masque, la symbolique du masque de Kylo Ren, son comportement aussi qui change. Luke aussi, Merde, je sais plus ce que je veux dire. Mais. Luc qui revient et Non, non, qui alors, reprend le Luc, sabre, alors voilà, je sais etc. déjà ce que Non, vous voulez dire sur non, mais Luc. pas forcément, pas forcément. Moi, je suis pas Non, forcément non, d'accord, non, mais non, en vas-y, à moi, fait. développe. Non, 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 ça c'est pas valable pour le coup. Mais voilà, le retour de Palpatine aussi. Pour moi, il y a clairement une différence de vision de Star Wars. Alors, c'est cool, du coup, on a eu un épisode 8 très riche, mais force est d'admettre que J.J. Abrams savait pas trop comment clôturer le tout, et du coup, il a fait ça tant bien que mal, c'est-à-dire à sa sauce, donc il se dit, bon, comment on fait? Bah, je vais faire revenir Palpatine, on va faire ci, on va faire ça. Voilà, après, on aime ou on n'aime pas, mais pour moi, on peut pas nier le fait qu'il y a des partis pris, des thématiques qui sont abordées de façon Oui, différente, tu vois? je suis totalement Mais pour voilà, moi, mais moi avoir je trouve un ça minimum vraiment de dommage. cohésion. Ça reste cohérent, c'est tout. Bah, Entre les justement, films, thématiquement, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. entre Je les trouve pas que ce soit. films, t'avais des attentes, je suis d'accord, ça aurait pu rendre bien, je suis totalement d'accord. Ah, non, Mais c'est pas une voilà, question ça n'a pas d'attente. été C'est pas une fait. question d'attente parce que par exemple, le Ah 8, si. personnellement, je pensais. Non, pas du tout. Le 8, je pensais vraiment pas que ça allait être comme ça. Et franchement, je pense qu'on m'aurait dit avant d'entrer dans la salle, il se passe ça, 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 ça brut. J'aurais dit, mais non. Et finalement, je suis quand même sorti du 8. J'ai vu comment les thématiques que je ne pensais pas du tout être des bonnes thématiques pour un épisode 8 étaient traitées. Je me suis dit, ah oui, d'accord. Et je me suis dit, ah bah du coup, quand ils vont développer ça, parce que globalement, bon, voilà, le 7, c'était une introduction, ça a peut-être plu à certains. Bancal. Pour eux, mais bancal, oui, je suis tout à fait d'accord. Et donc, le 8 en fait quelque chose. Je me suis dit, ah, ben c'est bien, là on va quelque part. Et donc, la conclusion de ce quelque part, il restait quand même certaines pistes à aborder, mais la conclusion de quelque part cohérente avec le 8, ça va être vraiment génial. Sauf que, avec le 9, le problème c'est que il y a certaines thématiques du 8 où, ben, bon, alors je sais que j'ai déjà utilisé l'exemple avant, mais il me semble quand même refléter totalement la chose avec la parenté de Rey. Le fait que Rey Ah oui, soit du foil sol. la fille de personne dans Star Wars 8, je veux dire, franchement, c'est génial, quoi. C'est-à-dire que c'est génial. D'accord, on l'avait déjà vu avec Obi-Wan, on l'avait déjà vu avec Mace Windu, enfin, Windu, ouais. voilà. Non, mais c'est vrai. Sauf que c'était pas au premier plan. Et vous savez qu'une thématique, quand on l'aborde, suivant si elle est au premier plan ou non, elle n'est pas perçue pareil par les spectateurs. Je vous apprends rien. Mais du coup, le problème. Donc, c'était vachement intéressant qu'on aborde ça dans le 8, avec même après Téméri Black, donc il y a l'enfant à la fin qui attrape le balai avec la force. Et ça, tu vois, j'ai franchement trouvé ça super. Pardon, maintenant le fait qu'on arrive dans le 9 et qu'on dise alors t'es la fille de personne, alors tes parents en fait ils ont tenté par choix d'être personne, enfin pour moi c'est complètement tiré par les cheveux et c'est en contradiction totale avec le message du 8. Alors d'accord, factuellement ça peut être cohérent, factuellement les parents de Rey peuvent descendre de Facochère, ils peuvent descendre de Plagueis, ils peuvent descendre de qui tu veux, mais je veux dire le message du 8 est pour moi complètement bafoué et c'est dommage. Et au final, on en revient au même message qu'il y avait dans Star Wars 6. Excuse-moi, je pensais avoir terminé, mais voilà. On en revient au même message de Star Wars 8, c'est-à-dire que Luke a un. Luke est le fils de quelqu'un de mal, et c'est pas pour autant qu'il doit suivre cet exemple, à l'exception près que Rey n'essaye pas de ramener Palpatine, mais qu'elle essaye de ramener Ben Solo. Ne serait-ce qu'à la fin. Même Luke si elle a. Skywalker était un grand Jedi, il était quelqu'un de bon avant. Il a basculé du mauvais côté, il a fait une erreur, il a échoué. Dans lui, tu Palpatine vois. était mauvais. Luke est dans la continuité de Anakin, donc il Pas porte de le nom mai. Skywalker. Oui, Padmé aussi, c'était alors que Palpatine, c'est juste quelqu'un de mauvais. Et Rey Les fonds sont choisit, mauvais. elle choisit qui elle veut être, ça reste dans la logique. Elle ne devient pas. Mais Luc aussi choisit qui il veut être. Enfin, c'est ça que je. Bah, il reste C'est-à-dire que Skywalker, quand Dark c'est. Vador le met face au fait de le rejoindre, etc., Luke choisit de ne pas aller avec Dark Vador. C'est un Parce qu'il choix quand sait même que qu'il son fait. père a Oui, échoué. mais c'est pas Palpatine à qui il refuse, c'est à son père. C'est différent.
Bah oui, mais enfin, il refuse à son père et Rey le refuse à son grand-père, donc à sa lignée. On est sur la même chose. Oui, mais c'est pas, on va dire, c'est pas le même rapport de force. Palpatine, c'est quand même le mec qui a rabaissé la galaxie pendant presque 26 ans, je crois, entre le 3 Oui, et non, entre le je 3 et suis tout 6. à fait d'accord avec Et toi sur le après, détail. presque, bon, après il a raté un an, bon, et ça c'est complètement fail. Mais il a quand même le mec, c'est quand même un mec qui inspire la peur et qui est foncièrement mauvais, comme il le dit. Le mec a tous les sites en lui, voilà quoi. On C'est verra pas tout le n'importe détail en qui. elle, mais ouais, Je mais ça suis d'accord avec toi. c'est complètement un ersatz de l'épisode 6 pour le coup, je suis désolé. Enfin, ouais, c'est un peu différent, un peu. Oui, c'est un peu. Mais Mais je veux dire, c'est c'est peut-être exactement les mêmes différent, mais thématiques, c'est absolument les mêmes thématiques qui sont abordées, c'est ça, alors ouais. qu'on en avait d'autres qui étaient intéressants, en tout cas qui étaient neuves, qui pouvaient passer d'autres messages aux générations futures. Alors, à la limite, on aurait pu faire ça si on avait fait un remake de la trilogie originale et que du coup, oui, tu peux tenter de refaire les mêmes thèmes, sauf que là, à mon avis, elle n'a pas besoin d'être remakée pour le moment, la trilogie originale. Pas Et du tout. oui, voilà. Du coup, autant apporter de nouveaux messages qui sont aussi intéressants. Plutôt que recycler les mêmes. Alors évidemment, il y a quelques différences, mais heureusement, sinon ça aurait été un scandale, un peu comme Star Wars 7. Mais voilà, je veux dire, repartir sur le même message, finalement, je trouve pas ça spécialement pertinent. Voilà. Intéressant, C'est pas quoi. tout à fait le La même fin du. message, ça apporte de nouvelles choses. Je suis pas Je suis d'accord, exactement pareil. pareil. C'est une réécriture de ce qui s'est Exactement, non, je passé suis avant. d'accord. Et C'est une ben réécriture voilà, de l'épisode justement. 6. Donc c'est pas Voilà, exactement c'est une pareil. réécriture, mais est-ce Il y que a c'est un nouveau pertinent de message. réécrire le 6? Ça a apporté énormément de nouvelles choses. Donc on ne peut pas dire que c'est juste un remake, Mais ce serait pardon, qu'est-ce que ridicule. ça a apporté de nouveau? 5 milliards de Ça a dollars à apporté. Disney. Ah oui, ça c'est vrai. Mais Ah bah oui, à part ça. là, c'est réfutable. Mais oui, non, Ça c'est apporte irréfutable, je te l'accorde. que le box-office des une films n'a nouvelle cessé morale. de décroître. C'est un C'est peu vrai. triste. À part après Solo, Ça non, après Star Solo Wars, hein. c'était normal. Même si Star Wars, ça rapporte quand même 1 milliard. Donc même si on s'en fout de À ça, part même si Solo. ça rapporte que 1 milliard. Non mais Solo, on va pas revenir Clairement. dessus. Oui, non, on Pour va moi, pas ce revenir film dessus, clairement. est un très bon film. C'est juste que c'est Je tout le suis monde tout s'en à fait fout de Han d'accord. Solo. Je C'est juste suis que je pense que d'accord. tout le monde s'en fout, quoi. Donc Ouais, c'est vrai. C'est un en peu vrai, vrai. il aurait été mieux distribué, il serait sorti en décembre, le film aurait pas bidé. Je pense qu'il aurait fait quand même plus que 400 000. Voilà, Moi, je j'ai un gros trouve. problème Juste, il avec serait Solo, sorti mais sur bon, Disney on Plus, va mais juste, il en serait sorti parler. sur Ouais, si sur Disney Disney Plus Plus, ça aurait été mieux. aussi. Ouais, non, Une mais on est série d'accord sur sur Disney Solo, je Plus, crois. voilà. Mais tout à Mais fait. pour revenir au 9, oui, alors certes, le 9 n'apporte pas énormément de choses, c'est à peu près un remake du 6, mais il y a quand même des nouvelles thématiques qui sont proposées, et même si tu as l'impression que c'est pareil, il y a une nouvelle thématique, donc même, voilà, c'est ce que Non, je. mais je veux dire, Même il y si a tu as plein un de nouveau laquelle? message qui n'ont pas. Oui. Lesquels? Enfin, je suis vraiment curieux, hein, c'est pas pour vous contredire, La lesquels? thématique du 6, quand même, c'est tue le père, ce qu'il ne fait pas. Bah Luke, du coup oui non c'est pas là du coup c'est un oui faux. c'est là où Lucas il est Luke pas ne tout devient à pas fait ce qu'il veut. Luke ne devient pas ce qu'il veut. ah bon Luke, il va faire quoi après le 6? Il va faire exactement ce que Obi-Wan, Anakin, Yoda, tous ces à la fin mecs-là du avaient fait film on ne le avant. sait pas On ne le sait c'est pas, mais compris on là suppose. on Luke, il sait suppose quoi de la ouais. force? C'est ce que Luke ne sait quoi? 7 aurait dû nous montrer d'ailleurs Luc ce ne que le oui 7 7 mais aurait dû nous Luke, montrer mais. oui, il aurait dû nous montrer ce que Luke avait fait, Après, certes. le fait que Luke fasse une Mais connerie, ça je suis peut être d'accord. intéressant, et ça peut être le départ d'une intrigue, mais le 7 aurait dû le montrer. Pour moi, je suis d'accord avec vous, je suis Ouais, c'est d'accord vrai que que le. l'Académie de Luke, Tout à fait destruction, tout d'accord. ce que vous Ça, voulez, c'est avec indiscutable. Kylo qui arrive avec les chevets de Qui Rey, peut-être bascule. pour défoncer, voilà Ouais. exactement. Snoke ou peut-être Palpatine qui revient et que tu apprends que c'est Palpatine qui a manipulé qui a manipulé Ben depuis le début, c'est pour ça qu'il entendait des voix, ce qui est dit dans le 9, pardon. Donc, ouais, je suis désolé, je suis d'accord avec vous sur ça. Le 7 est vraiment nul à chier, excusez-moi de le dire. Parce que j'entends beaucoup de On est monde d'accord, dire on que est d'accord, on est c'est d'accord. le meilleur de la trilogie. Moi, Non, quand j'entends alors ça, oui, j'ai non, juste envie c'est de le brûler 8. les gens vifs. Bon, après, les Oui, gens ont pardon, le droit c'est de le le 8. penser, mais je trouve pas non plus. Ouais, mais vous pensez que Star Wars 7 est le meilleur de la saga, voilà. Oh, de la saga, là, oui, quand même. De Vous la pensez qu'un saga, film alors, de il y la en a qui post-logie pensent est pas ça. meilleur que Le la 8 saga? Sincèrement, est le meilleur de tout. Alors, ça, euh, je suis totalement d'accord. hein, les gens, enfin, je veux Après, dire, je trouve j'entends, que. oui, penser que le 7 peut être. Alors moi, j'ai pas vraiment. Enfin, pour moi, c'est pas le meilleur de la trilogie, c'est clair. Mais je veux dire, bah, on respecte les gens qui pensent ça. Et il y en a peut-être qui. Ah oui, non, mais je respecte Oui, ça. on Non, mais les gens respecte qui pensent ça, ça. mais Bah oui, mais faut oui, même pour un je sais minimum. que pour toi, par exemple, ça te fait titiller, mais Mais tout comme le fait, bah, je sais pas, par exemple, que t'aies aimé tel ou tel film, ça va en faire titiller certains, mais bon, après, c'est la vie de chacun. Enfin. après, Après, quand voilà, j'entends si quelqu'un qui aime aussi. le 7 vient me dire que le film est meilleur, je suis tout à fait apte à Bah, débattre il a avec le lui. droit de le Oui, penser, quoi, on va c'est partir tout. sur un débat, oui. Oui, on va partir sur un débat pour savoir qui est le meilleur, mais c'est même
Pour moi, t'as même pas vraiment de lieu Non, d'être parce que c'est pas un débat de c'est ça qui est le qui est meilleur. différent. C'est les débats, c'est pas savoir qui a raison, qui est le meilleur. C'est un débat Non, pour c'est savoir celui qui juste a. qui pense quoi. J'aimerais bien comprendre les gens qui trouvent que le 7 est le meilleur de la saga ou ne serait-ce qu'apprécient vraiment beaucoup le 7. Bah ça pourrait faire J'aimerais l'objet d'un comprendre. débat Parce futur. Ça que. pourrait être sympa. Voilà, mais tout à fait. Mais là, tout le monde Ouais. est d'accord ici, Faut alors pas ça en sert à rien revenir qu'on en sur. parle. Voilà, donc Ouais, c'est clairement. sûr. Oui, mais bon, on est tous d'accord ici que pour lui, c'est meilleur, là, si vous voulez. On Mais est d'accord, pour oui. moi. Je ne sais pas si vous avez parlé, parce qu'à un moment ça a coupé, j'entendais juste que Palpatine irait dans le parenté. Je ne sais pas si vous avez parlé justement du fait que Rey, ça part en arrière avec Rey qui devient finalement la petite fille de Palpatine, alors que dans le 8, Oui. c'était la fille de personne. J'aimerais Voilà. revenir là-dessus, parce que moi je ne peux plus parler, parce que j'étais parti à cause de mon Vas-y, portable qui vas-y. s'est éteint, parce que monsieur a une billetterie. Ouais, donc je disais, dans l'épisode 8, alors, il y a des thématiques, certes, mais ça on va l'oublier vite fait, parce que. J'aimerais vous dire quelque chose, c'est que dans la 8, on nous dit, Kylo, il dit quoi exactement à Rey? Il dit, souviens-toi de tes parents, qu'est-ce qu'ils étaient? Rey, Harry a dit, c'est des parias, ils t'ont vendu, ils m'ont vendu pour à boire. Mais il y a un truc qui me fait tilter à chaque fois quand j'ai vu l'épisode 8, c'est, mais C'est pareil qui dit ça. les mecs, C'est vrai c'est qu'il Kylo est. qui dit ça. C'est Ouais. Kylo, mais Oui. que Ouais, Rey voilà. dit que c'était des parias. Rey dit que c'était des parias et Kylo, il dit que Ouais. c'était pour acheter Tout à à fait. boire, qui sont maintenant dans la Ouais. fosse commune de Jakku Mort. Absolument. Dans le 9, ne contredit absolument le 9 qu'on ne contredit absolument pas ça. Oui. Bah. Ray, Non, mais alors si, Kylo, alors Kylo si, dit quelque pardon, si. chose, c'est c'est Non, mais que Kylo ne le dit 7 absolument pas ils sont contredit. personne. Le 7 contredit ce que dit Kylo dans le 8, dit Oui, ce avec sont la des vision tueurs avec le d'épave. vaisseau, je suis d'accord, Non, oui. même pas ça. Alors Le pourquoi 8, elle se fait abandonner parce que moi, c'est en la sachant question que je pas me la route? posais. Les parents se sont enlèvent, enfin, ils vendent leur fille. Alors qu'ils ont un vaisseau qui, je pense, pourrait rapporter un minimum d'argent pour s'acheter un verre d'eau. Après, on ne sait pas si c'est quelqu'un qui les a amenés quelque part, s'ils ont payé un Peut-être, voyage pour aller. On ne sait où. peut-être, À mais la fin Rey à la regarde fin le du set, vaisseau. on ne savait pas. On ne Oui. sait pas, Bah, regarde mais le vaisseau, c'est pas en partie, hein. le vaisseau, quand même, Rey regarde le vaisseau partir, on s'imagine que c'était soit ses parents dedans, soit ses parents qui sont emmenés de force, soit. Moi, je pensais que c'était Luke. Hein. Quand j'ai vu ça, je pensais que c'était Luke qui l'avait abandonné parce que c'était une ancienne apprentie et j'aurais kiffé ça. Mais bon, bah, c'est ses parents. C'est parce qu'il la cache en fait, tout simplement. En fait, c'est Oui. pas des parias, c'est ça. Tu Oui, vois, il la cache c'est. juste. Non, non, bah non, c'est Ouais. des parias parce que eux se considèrent comme des parias parce que c'est le fils et le fils de Palpatine. Donc la galaxie les a rejetés automatiquement. Ouais, Mais enfin, les gens, ouais, c'est écrit sur je sa vois pas où tête tu que en c'est viens le en fils de fait. Palpatine. Tu sais que c'est le fils de Palpatine. Tu le Oui, sais toi, tu dans le le sais, mais 9. les gens dans la rue le savent pas. Ils le savent peut-être pas, mais eux, pour eux, vu ce que son père a dû faire dans la galaxie, pour lui, c'était une honte. Il ne voulait plus être un Palpatine. Il voulait devenir personne. Ah oui, ben justement, c'est pour ça que. Enfin, oui, c'est. Enfin, peut-être que. Oui, non, d'accord, oui. Ah, Bah, d'accord, d'accord, mais j'ai du coup, compris tu veux ton venir raisonnement. en. Ouf, ouais. Et même, attendez, Ok. j'ai pas fini. Justement. Donc, le vaisseau part. Donc, on ne sait pas. Ils auraient pu revendre le vaisseau, machin. Ou vendre des Mais. objets de valeur pour acheter un verre d'eau. Bon, bref, c'est pas ça le débat. Vous Le avez pas truc, besoin c'est d'argent, qu'après, juste, en fait. ils avaient fait besoin d'argent. Dans le 9, dans le 8, ils disent qu'ils ont acheté un verre d'eau. Donc, à mon avis, Mais. moi, pour moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont Il n'en vendu la sait rien, fille. Kylo Enfin, ils Ren. ont. Pour, ils ont si, il dit, Rey dit que c'est des parias et Kylo, il dit, ils t'ont vendu pour acheter à boire. Mais C'est ce qu'il dit, il hein. ne le sait pas. Lui, Il il ne a dit sait pas, ça. mais il le dit. Il le dit. Kylo dit, ils ont acheté à boire. Point barre, il n'y a pas de débat. Kylo, il dit, ils ont acheté à boire. Mais. Kylo ne ment pas. Donc pour moi, quand je vois l'épisode Kylo 9, ne on ment me pas à dit, ce moment-là. non, Mais il ne il en sait ment rien. pas. Non, mais il dit ça juste pour lui donner une image que ses parents étaient personnes, qu'ils se sentaient pauvres et Voilà. ils l'ont donné. Voilà, c'est tout. Mais Je vois pas. Rey dit que c'était des parias. Oui. Après, Kylo, il Non, donne des mais. détails. Il dit, ils Non. sont enterrés dans la fosse commune de Jakku. Ils ont vendu à boire. Bref, et dans le Mais 9, on lui. nous dit, Mais il sait ils pas nous qui disent sont que ses c'est le parents, fils de lui. Palpatine. On ne sait pas ce qui s'est passé entre le 7 et le 8. Ça se trouve, il a fait des recherches vite fait pour savoir qui c'était, mais peut-être qu'il n'a pas su Mais que c'était non. Palpatine Non, puisqu'ils ont non. changé d'identité. Mais comment est-ce qu'il On ne aurait sait pu pas. savoir? On est bien d'accord. Kylo C'est Ren le ne sait premier pas ordre. qui sont ses parents. Il lui dit juste ça, une image, pour lui dire que c'est une nobody, elle a rien à faire dans cette histoire. Mais lui, il ne sait pas Oui, qui sont ses parents. mais le film te dit quelque chose. Donc il y a plein, plein, plein de façons d'imaginer. Est-ce que Mais Kylo non, sait bah réellement? Est-ce non. que Kylo ne sait pas? Est-ce que Non, non, Kylo, il là. ment? Est-ce D'accord, qu'il. à la Parce rigueur, que du coup, on aurait s'il pu savoir. sait, attends juste. C'est-à-dire Vas-y. qui irait, ce qui pose un peu Oui, mais à ce alors. moment-là du film. Donc, mais si qu'il sache ou pas, du coup, ça veut dire que c'est pas forcément vrai de base. S'il sait pas, Bah non, ça se il trouve. sait Oui, pas, mais. c'est Bah les images qu'il lui donne. voilà! Et Voilà. donc, justement.
Il sait pas qui sont ses parents. Et justement, Kylo ne sait pas qui c'est. Donc comment il peut dire, il peut savoir que c'est la fille de Palpatine, enfin la petite fille de Palpatine, ou je sais pas, Mais il le sait la pas. petite fille de Luke, ou Ben je ne sais voilà, pas, il la le sait petite fille de pas. Donc, D-1. Il sait pas, la thématique sachant c'est, que. ok, la thématique du film c'est tuer personne. Ok, très bien. Dans le 9, on nous Ouais. dit, voilà, c'était la petite fille de Palpatine. Et c'est quoi le changement en fait? Bah, le C'est. changement, c'est Bah, que ça changement, c'est que change ça en n'est fait pas complètement là. personne. Certes, mais Voilà, le c'est 8 pas ne dit personne. pas tuer personne. Ah, bah, Kylo, on ne si. sait pas ce qu'il dit. C'est même Non, elle mais qui le dit. le 8, il dit ils sont personne. Alors déjà deux choses, il dit qu'ils sont personne. Mais il ne le sait pas. Donc, est-ce que c'est vrai? Bah, on ne sait pas. Non, Est-ce que mais c'est pas une façon de faire thématiquement. basculer? Deuxième chose, ses parents sont personne. Alors s'ils sont personne, pourquoi ils l'ont abandonné et sont partis en vaisseau? Pourquoi? Ça y répond pas. Il y a plein de questions en C'est fait vrai. qui ont été amenées dans Et les films. donc, Ah, dans attendez, le. je ah non, je Putain. complexe. Qui ont été apportées dans les films, qui ont toutes été répondues dans le 9. Alors attendez, je vais finir. Donc ça reste cohérent, c'est logique. Voilà, il n'y a pas d'incohérence, c'est logique. Mais je suis d'accord, ce n'est pas original. Est-ce que Palpatine, c'était vraiment un bon choix de le ramener? Je ne sais pas. Mais ça reste cohérent. Mais après, je suis tout à fait d'accord. J'ai été déçu pour les mêmes choses que vous pour les films. Voilà. Mais Mais. thématiquement, c'est un grand rétropédage, c'est ça, moi, que Non! je traite. Ouais, Qu'il mente ou non ou pas, on sait pas. thématiquement, si. Mais la thématique du film est très claire à ce sujet, Rey n'est personne. D'ailleurs, ça le confirme quand elle est dans la grotte, machin, quand elle veut savoir qui elle est. Elle voit elle voit personne, littéralement. C'est un énorme rétropédalage, ce que fait l'épisode 9 sur la question. Qu'on le veuille ou non, thématiquement, c'est un Elle ne voit pas rétropédalage, c'est un personne. fait. Après, Mais bien oui, sûr, c'est. on peut faire du bricolage, rendre le tout. Bon, oui, si, en fait, c'est parce qu'il dit ça, parce qu'il sait pas, mais. Ok, ça peut passer. Oui, mais. Mais il n'empêche que c'est extrêmement dommage, c'est mal amené, c'est cousu de fil blanc, ça va pas. Oui, voilà. C'est mal construit comme Je scénario. suis d'accord que Mais. c'est mal Non, je suis pas construit et que d'accord, je suis c'était pas pas d'accord. prévu, c'est flagrant. Ça Thématiquement, reste oui. logique, c'est cohérent, il y a pas de problème. Le 9 apporte plein de nouvelles choses. Si tu prends la logique de l'histoire, ça tient. Bah oui, ça Non, mais tient. Ok, on est d'accord ça que reste factuellement ça cohérent. tient. On J'aimerais est d'accord répondre à un truc, factuellement ça ça, tient. la scène de la grotte dans les 8. Oui. La scène avec le miroir. Ok, on voit, il y a plusieurs Rey, il y a plusieurs versions de Rey. On ne sait pas vraiment à quoi correspond ce passage, parce que qui sait répondre exactement à quoi sert le passage où on voit des milliers de Rey ensemble, qui claquent du doigt en même temps, qui font plein de gestes en même temps, on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Et le passage où justement elle regarde dans le miroir et elle voit une silhouette arriver, moi la première fois que j'ai vu, la silhouette me fait vachement penser à Kylo Ren, et ça rejoint un peu Non. Ah si, ah si, excusez-moi. Quand on voit Kylo, j'étais pas le seul à le penser, beaucoup de monde pensait que c'était Kylo Ren, enfin Alors, tout le monde. j'ai pas suivi ton. Qu'est-ce qui t'a La fait penser ça? silhouette dans le 8, donc il y a la première fois, il y a la silhouette qui arrive On devant voit Rey, deux enfin silhouettes, hein. la main sur le. On voit deux Oui, c'est une silhouettes silhouette. qui fusionnent. Forment plus qu'une. Oui, c'est deux silhouettes qui en forment qu'une, Pour moi, ce que ça veut dire, qui c'est. mène à Rey. Vas-y, termine. C'est qui mène à Rey. Et moi, pour moi, au début, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bah tiens, c'est Kylo Ren, qui ressemblait. Enfin, la silhouette ressemble beaucoup à Kylo Ren. Bon, après, oui, c'était pas lui. Oui, ok, c'était pas lui. Mais ça rejoint un peu le truc de la dyade de force, comme quoi Kylo Ren et Rey ne font qu'un. Mais bon, ah, voilà. Ça me semble un peu bizarre d'affirmer ça juste Non, parce que je tu as n'affirme cru la rien. Je personne. n'affirme rien. Je D'accord, n'affirme d'accord. rien. C'est un détail que je peux supposer, parce que, bah, avec mon imagination, je peux supposer ça. Mais, ok, c'est peut-être pas ça. Mais le passage du miroir ne dit pas qu'il y a des personnes. Elle dit que le skewer n'a rien dû lui apporter. Et d'ailleurs, c'est quoi en fait exactement le but de ce passage dans le miroir? C'est de la faire basculer, c'est un endroit du côté obscur, Oui, c'est ça? Parce que si c'est de la sauf faire que le côté basculer. obscur n'a rien à lui apporter. C'est ça le truc. C'est Luke, quand il va dans la grotte avec dans nos 5, il voit son père. Le côté obscur essaie de lui montrer que si il continue cette voie, il va finir comme son père. Dans le 8, Rey, elle va là-dedans, elle voit personne à part elle, comme si le côté obscur en fait était déjà présent en elle et que le côté obscur n'avait rien osé. Ah bah Parce qu'elle est déjà d'accord, plein ouais. dedans. Tu vois, si ça avait été mieux construit, plus cohérent, un truc de silhouette de Palpatine, là, elle serait posée beaucoup de questions. Elle serait peut-être même pas partie en exil, énormément remise en question sur ce qu'elle fait, qui elle est. Et ça aurait pu être intéressant, ça aurait même pu l'amener sur un chemin un peu plus sombre. Mais comme bah, c'était pas prévu, hein, clairement, ils ont décidé plutôt de mettre dans le 8 la thématique du bah, tuer personne, tuer toi, voilà, et qui n'a pas été suivie. Attendez, Sur ôtez-moi d'un ça. doute, ôtez-moi d'un doute. Dans le 5, quand il est dans la grotte, Luke, et qu'il tue son père, on voit à travers le masque après qu'en fait Ah, il il se se voit voit dedans, lui-même. Est-ce que c'est pas ouais. la même Oui. chose qui se passe dans le 8? Rey se voit elle-même.
Un peu, oui, c'est vrai que c'est un peu ça aussi. Oui, mais c'est un reflet. Après, moi, j'avais quand même un autre problème parce que je pense que globalement, on a fait le tour. On est d'accord que factuellement, c'est pareil. Après, moi et Amo, on a un problème sur la thématique. Vous admettez que c'est pas pareil, mais ça vous dérange moins. Et enfin, après, La c'est thématique propre à chacun. et la mise en scène aussi, je pense. Parce que moi, j'ai pas du tout été satisfait par l'apport cinématographique de l'opus. Mais Oh, elle est ça, magnifique, c'est un moi autre aussi. débat qui est Moi, j'avais quand subjectif, même. entre guillemets, parce qu'on peut quand même se focaliser sur des critères très objectifs, je trouve. Mais bon, Pour la c'est un autre réalisation, oui, débat. sur des techniques, évidemment, après, lesquelles te touchent le plus ou non, après, c'est. Bon, après, c'est Là, son c'est œuvre, c'est subjectif. l'apologie. En fait, c'est Mais l'écriture alors, qui a la j'aimerais référence, juste comme quand même poser une question. C'est un point que j'ai pas trop compris. Peut-être que vous l'avez plus compris parce que vous l'avez plus vu, je ne sais pas. Mais on est d'accord que Leia et Luke ne savaient pas que Rey était la petite fille de Palpatine. Elle le dit, il le dit. Il dit que Bah si, tu es une il le dit. Palpatine. D'accord, Il donc dit. pourquoi, Mais il y a des comment ils le messages dans savent? le 8. Il y a Layla qui dit à Rey, n'aie pas peur de qui tu es. C'est dans 9, ça. Oui. Ah, c'est dans 9, pardon. Mais dans le 8, elle ne dit. Je sais plus exactement ce qu'elle dit. Moi, elle dit rien de ce côté-là. Mais à la base, c'était une phrase qu'elle devait dire dans le 7. Rey, n'aie pas peur de qui tu es. Donc peut-être qu'à ce moment-là, elle Oui. parlait de Palpatine. Ouais, mais c'était pas Après, c'était dans le set, c'était le moment. Bon, après, on va pas reprocher au film de retransformer les choses, parce qu'évidemment, le décès de Carrie Fisher a changé plein de choses. Bah, Mais c'était je veux pas, elle dire, va vraiment avoir beaucoup de scènes dans le 9 à la base. Ouais, je De ce sais. qu'on a compris avec Rose. Mais ils s'en sont Oui, sortis oui, admirablement, pour le Ah, oui, coup, oui, mais je trouve qu'ils bon. sont. Autant pour Leia, ça va. Mais oui, la vraie question, moi, que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils ont pu le savoir? À la limite, quand elle lui a dit dans le set, c'était parce que Rey se questionnait sur ses origines et qu'elle lui dit, n'aie pas peur de ce que tu dois être. Quelque part, on Mais est surtout même de la sur force qui un se réveille reboot. en elle. Voilà, n'aie pas peur de ça. Dans le 9, le fait qu'elle sache qu'elle est la petite fille de Palpatine, pardon, mais comment? Alors comment ça peut être Et là, expliqué l'imagination, ça pour marche beaucoup de pas. choses. Il faut acheter des Oui, comics. l'imagination, si ça peut marcher. Le monde entre les mondes Ah oui, non, mais permet de voir le là, ça me paraît temps, un peu trop l'étale. important. Oui. Mais là, c'est. Luc est Mais là, on devenu peut un jouer sur. fantôme. Luc a vu les livres, il les a lus, il le dit dans le 8. Yoda dit, tu les as lus, il n'y avait rien d'intéressant. Peut-être pour Yoda, c'était pas très intéressant, parce que c'était peut-être pas la même thématique que lui, il connaissait, machin. Mais Luke connaît le monde entre les mondes, il connaît beaucoup de choses. On sait que peut-être, apparemment, il serait dans Mandalorian saison 2 avec Ahsoka. Donc peut-être qu'Ahsoka lui en a Ça, parlé. je le sens, ouais. C'est pas sûr, Ça mais serait oui, moi excellent aussi de je le voir sens. Luke avec Ahsoka. Ça serait Ouais, vraiment j'aimerais excellent. beaucoup. J'aimerais beaucoup. Ça serait vraiment le maître. Mais peut-être que lui, il ne le savait pas dans le 8, mais peut-être qu'il l'a su entre le 8 et le 9. Qu'il l'a dit à Leia, et Leia a quand Bah, même accepté de la former. c'est-à-dire que comment il aurait pu savoir Alors, entre-temps, sachant qu'il est mort? Enfin, bah, parce qu'un Jedi peut devenir fantôme, et quand il est en fantôme, il est dans il un peut se monde où le taper où temps. il veut. Ah, non, Certes, alors ça, mais c'est dit il dans ne peut The pas Clone Wars. influer. C'est dit dans The Clone Wars. Les Après, c'est Jedi, pas qui, quand tout. ils meurent et qui deviennent fantômes, ils vont dans une partie de l'univers qui n'a ni temps, ni espace, ni rien du tout. En fait, ils sont dans le néant, en gros. Mais c'est un monde où la force est ultra présente, où il faut être pur pour avoir cette force. Et le monde entre les mondes permet de voyager dans le temps et l'espace. Donc, supposer qu'il partait là-bas. Après, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais dans les gens, enfin dans le canon, on nous parle de ça. Donc peut-être que c'est arrivé, je ne sais pas. Après, Mais le problème, c'est qu'un juste élément moi. aussi essentiel, ce serait pas Non, mal de mais nous l'expliquer. aussi, Oui, je suis d'accord. Layla s'est affirmée à aucun moment qu'elle sait que Rey est la fille de Palpatine. Si, si, Mais ah, si. elle. Si, si, Oui, si. mais attends. Juste, elle a une sensibilité par rapport à la force. Et elle palpate Rey pendant tout le film, on nous montre que le côté obscur déborde d'elle. Donc, Layla peut très bien percevoir ce côté obscur en elle et faire le lien Oui, comme avec Luc a vu la ce force. vidéo. Attendez, il y a un truc que je comprends pas. Vous Et. dites qu'au début du 9, elle sait qu'elle est la petite fille de Palpatine? Léa et Luc savent que Ça va, depuis longtemps, ils ils savent pensent qu'elle serait morte. que. Ouais. Ah, mais vous dites pas que Rey le sait à ce moment-là, parce qu'elle l'apprend Non, de alors Kylo Ren. pareil. Ah, d'accord, ok, je Pareil, pensais que vous pareil. disiez. Ok. Non, ça c'est tout le cheminement, Elle dit quoi comment déjà elle apprend. précisément, Leïla? Luc dit à Rey que parce que tu es une palpatine. Enfin, qu'est-ce qu'elle dit? Je pensais pas que vous allez me former Ah parce oui, que parce tu es que une tu es une palpatine. palpatine. Oui, mais c'est. Et je le Ouais, mais sais, et Leia aussi c'est. le savait. Mais oui, mais ça, par exemple, enfin, pour moi, tu balances pas ça sans explication derrière, parce que du coup, ça implique pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas dit, pourquoi, voilà. Bah,
Comme la rigueur, qu'il ne le... Obi-Wan n'a rigueur, pas qu'il dit ne le sache à Anakin, à Luke que bah, Vador était son père. C'est la même façon de le dire. Obi-Wan n'a pas dit à Luke que son père était Vador. Oui, mais si Obi-Wan ne l'a pas dit, c'est parce que Luke, on voit sa réaction écœurée. Bon, tu me diras, Rey aussi. Mais justement, Luke, lui, il a vécu ça, et peut-être que Luke, il savait justement que avoir des origines comme ça, valait peut-être mieux le dire avant pour qu'on soit prêt. Ouais. Parce que... Pas le découvrir au cours d'un combat... Oui, voilà, c'est encore pire, c'est la pire des manières. Yoda et Obi-Wan ont fait une erreur, mais Luke ne va pas la reproduire, parce que Luke n'est pas con, hein. Bon, alors, il a Luke, fait forcément... avec le... Oui, alors forcément, fait avec Star Wars 9, hein. Avec Star Wars 9, Luke est con. Mais je veux dire, s'il ne non, le non, savait non, pas... Non, déjà avec l'épisode 8. Déjà avec bah, l'épisode 8, Luke est un peu con, avec parce que le... Avec l'épisode 8, Luke a fait des erreurs, mais c'est des erreurs qu'on avait déjà vues dans Star Wars 6. Après, voilà, un personnage qui n'est pas parfait, c'est pas un problème, mais on est tout à fait d'accord là-dessus. Je veux dire, pourquoi il ne lui a pas dit, je trouve pas ça du tout cohérent avec le personnage qu'il a vu, parce que techniquement, ça, il l'a déjà vécu, donc s'il le savait, pour moi, il aurait géré ça d'une manière différente, quand même. Pour moi, c'est mal géré. Après, est-ce que c'est vraiment un gros défaut? Est-ce que c'est juste une phrase qui est sortie vite fait? Non, Moi, c'est pour pas un gros moi, défaut. c'est pas un gros défaut, non, mais voilà, c'est... on parlait de Mais ça, donc je vais quand même l'évoquer. c'est un Oui, amas je de suis choses d'accord. qui me dérange et qui, pour moi, montre que le tout n'a pas été pensé et n'est pas uniforme, en fait. Et en fait, moi, j'en ressors plus de la frustration qu'autre chose. C'est pour ça que Pour moi, ça tout me le déplaît énormément. chemin. Ouais. Pour moi, Mais c'est pareil, ce là, film a un Après, goût moi, de. pour ça, moi, c'est du même niveau que dans les trous qu'il y a dans la trilogie originale qui sont jamais expliqués, les trucs qu'on Mais la intègre trilogie. comme ça. C'est différent parce que la trilogie originale, c'est la première à être sortie. Tu ne sais pas ce qui se passe avant dans la mythologie Star Wars, ni après. C'est Ah la si, première. non, non, Ah, non, on non, sait. je parle de défauts dans la trilogie elle-même, pas des défauts qui impliquent des trucs qui peuvent être expliqués, tout ça, je parle de Ah, défauts d'accord, oui. qui sont intrinsèques au film. Par exemple, Luke sait se battre au sabre laser dans le 6, mais ne s'est pas battu depuis le 5 et n'a pas eu d'entraînement. Donc comment il a Ouais. pu s'améliorer? C'est des trucs un peu bizarres, quoi. Il y a plein de trucs comme ça. D'accord. Ou comme Luke qui Les apprend gens. la Non, force mais je suis avec la force d'accord, entre le c'est 4 et des le 5, entre le 4 et le détails, 5. mais pour moi, c'est un peu du même niveau. Par exemple, comme il se passe un an entre le 8 et le 9, ils auraient pu très bien l'apprendre entre-temps ou des trucs comme ça. Mais je vois Après, pas comment il je suis l'aurait appris d'accord, en fait. ça, je. Parce que autant Mais après, j'ai ton avis. Qu'Obi-Wan sache que Luke que Anakin était le père de Luke, à la rigueur, ça tu peux dire avant ils étaient à la guerre des clones ensemble, ils étaient amis, c'est lui qui le dit. Donc tu te dis que oui, d'accord, c'est possible. Là vraiment, je ne vois pas comment. Bah, Luke, c'est un esprit, c'est un fantôme, donc il a rejoint l'univers, la force, donc je Et pense qu'il peut-être peut qu'il a rejoint les il peut Jedi avoir un ou des trucs comme ça. savoir. Non, Oui, mais mais c'est pareil, quoi. finalement, ce point de désaccord, il est assez intéressant parce que ça montre vraiment qu'on de façon totalement différente de prendre une œuvre ou Star Wars. C'est-à-dire que. Et vraiment, je ne juge pas, hein, c'est vraiment de façon différente. C'est-à-dire que vous, on a un plot, là, on a un plot hole, vous allez tout faire pour essayer de le justifier, rendre le truc cohérent. Et moi, je trouve que vous faites un peu pareil avec la fin de Star Wars 9. Tandis que nous, on est plus en recherche de choses concrètes, de choses qui pourraient expliquer parce que. Moi, j'aime bien les histoires bien ficelées où on comprend vraiment tout le déroulement des choses, le développement, etc. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes plus dans, bah, comme vous le dites assez souvent, l'imagination, l'interprétation. C'est comme Donc ça que j'ai voilà, pris après. le 4-5-6 à l'époque. Moi, quand j'ai vu la première fois l'épisode 4-5-6, je l'avais pris avec ça. Il y avait beaucoup de trous et je l'avais imaginé tout seul chez moi en mode bah oui, ok, c'est. Non, On nous dit pas. mais C'est pas seulement c'est pas ça, forcément des trous, c'est aussi c'est que. Non, l'univers est mais en tellement fait, le vaste qu'on peut problème, tout imaginer dedans, c'est. certes, mais l'histoire de base est quand même ficelée. Mais le problème, c'est que ce que vous reprochez, par exemple, on peut faire exactement les mêmes reproches à la prélogie et la trilogie. Et le problème, c'est que la prélogie. Et la trilogie ont des défauts pareils, voire aussi gros. Donc le problème, c'est que si on part de ce principe, la prélogie et la trilogie sont aussi mauvaises. Selon moi, ils en ont pas autant, hein, loin de Moi, là. J'ai observé La une chose. trilogie! La Prélogie, excuse-moi, trilogie! quand Bah, même. la Chie sur la trilogie, trilogie originale. honnêtement, j'ai aucun problème avec le contexte, ce qui s'y passe, je comprends vraiment tout, tout fait Oui, sens, peut-être tout se contexte, mais passe. en dehors. Qui-Gon Jinn, on va encore revenir dessus. Sur la cohérence globale de Qui-Gon la chose, ça me semble extrêmement mieux ficelé que tout ce que peut être la post-logie. Ok. Alors très bien. Ah non, moi Alors, justement, je suis pas d'accord. C'est j'ai ça écrit le un pavé problème. sur Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn n'a rien à foutre dans l'épisode 1. Le Qui-Gon Jinn ne devrait même pas exister. Ce personnage est une incohérence à lui tout Oui, seul. alors, Il c'est vrai, réduit à c'est vrai. néant tout le développement de l'épisode 6 avec Obi-Wan qui a mal fait son travail et il pensait que Yoda le ferait mieux. Bon, déjà, Yoda a quand même créé Dooku sans le faire exprès. Donc, bon, à partir de là, bien fait ou pas,
ça mérite une méditation sur le fait que Yoda est un bon maître. Mais Après Yoda, à mon avis, il forme aussi les jeunes Jedi, et c'est pas la seule oui, personne qui l'a mais formé du pourquoi coup. Qui-Gon est un... Parce Parce que que dans Star Wars dans les 5, plus... Non, pas que dans le 5, c'est même dans le 6. Dans le 5, Yoann dit son Yoda était maître mon maître, Yoda, il m'a tout c'est ça? appris. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que ça. Attends, attends, je vais C'est finir. dans le 5, oui, tu Dans vois, l'épisode donc. 6, attends, j'ai pas fini. Dans l'épisode 6, Yoann nous dit, nous fait grâce à cette phrase mythique. J'ai pris Anakin sous mon aile, j'ai vu son talent, Ah, c'est vrai. j'ai voulu faire former Anakin, alors que c'est complètement faux. Parce que Bah. Obi-Wan n'a rien vu de la course de Padmé, parce qu'il n'était pas là, il était encore dans le vaisseau de Padmé. C'est pas lui qui a pris la Et il a quand même décision vu ses d'emmener talents de Anakin. pilote. Non, il les Oui, a pas vus. bah, Il au les cours a de la guerre des vus. clones, je crois qu'il a plus que eu l'occasion de les La voir. guerre des clones, oui, la guerre des clones, mais à ce moment-là, il l'avait déjà en Padawan, il l'avait déjà, Oui, il mais savait alors. déjà. Oui, mais alors, Il a c'est quoi le voulu le problème? prendre sous son aile, ce qui n'est pas C'est. vrai. Il a Bah, si, demandé c'est à quand son père même lui de qui lui défend, pas le ça à prendre. Yoda. Non, il a Mais ça, c'est dit des à Boy. détails, c'est des détails qui sont pas Mais réfutables. c'est Vous êtes en pareil, train de c'est condamner des sur des détails. tournures de On phrases, PC. alors que des Les phrases invraisemblances thématiques, ça ne vous dérange pas. contredisent Qui-Gon. Non, dans la trilogie originale, ce n'est pas du tout le même passé que dans la prélogie. Mais Oui, il ça. n'y a pas que ça. Il y a aussi que Anakin, à ce qui paraît d'après Obi-Wan, parce que là, Obi-Wan dit justement que Owen lui a menti. Et après, il dit la vérité à Luke. Il dit que Anakin était sur Tatooine et que Owen ne voulait pas qu'il parte à la guerre, mais Anakin a quand même parti. Donc ça veut dire qu'il était présent sur Tatooine depuis longtemps, qu'il connaissait Owen depuis très longtemps, qu'il connaissait bien Anakin. Donc à partir de ce moment-là, le 2 devient complètement. De 2, la guerre des clones, on nous dit que Anakin a participé. On ne dit pas Anakin était un grand maître Jedi. On nous dit Anakin était un chevet Jedi qui était resté sur Tatooine. Voilà. J'avoue que Alors... j'ai aucun souvenir Ah oui, aussi, il y Ah, a moi je Luke l'ai. qui est De Ben caché sur qui. Tatooine. Il est caché chez son oncle. Donc, il faudra Oui. Et m'expliquer il y a aussi. On va comment faire se l'explication cacher tout à l'heure. aussi. Hein. Oui, Anakin qui connaît la tante Beru et tout ce que vous voulez, qui connaît D'accord. l'oncle Donc Owen. le fait qu'en fait Qui-Gon soit pas le maître de. Enfin non, le fait que Yoda soit pas le maître d'Obi-Wan, machin, ça vous dérange. Mais N'y a pas que le fait ça, il n'y a pas que ça. que Palpatine revienne, que le Premier Ordre renaisse de ses cendres sans raison, ça vous Mais dérange parce pas, quoi. l'Empire ne Le fait renaît comment. pas Non, de parce nulle que part. justement. Les défauts que vous Non. citez, pour moi, c'est du même niveau. Donc à ce moment-là, Ah non. si vous Ah si. détestez la postologie, autant détester la prélogie. Pour Moi être tout à fait honnête. je déteste la post-logie parce que C'est c'est pas sur exactement des détails pareil. qu'elle est incohérente, c'est sur des C'est pas du tout débats pareil. mais justement, c'est thématiquement. pareil. La cohérence n'est pas Mais pas du tout. respectée avec la trilogie originale. Non, Donc non, ça y a, rejoint franchement, même. c'est. Juste un autre truc, on avait déjà battu là-dessus avec Leia. Leia avec sa mère. Leia qui nous. Mais c'est un. Qui est Luke. Et Luke qui encore avec la dit. force, tu peux justifier ça. Mais je sais de quoi tu vas Non, parler. non, je suis Non, mais pas désolé. du tout. Si T'inquiète, on c'est peut magique. justifier tout avec la force, on justifie tout dans Star Wars. On justifie le fait que Leia puisse voler dans Voilà, l'espace. si On c'est la fait. Bah, force, c'est c'est juste ce qu'on la fait dans le Leia arrive 9, en hein, cause. excusez-moi, Oui, mais. justement, si tu peux justifier cette micro-incohérence de Leia qui se souvient de sa mère, Non, tu peux mais. Non, moi, je justifier trouve que c'est absolument incohérent. tout. Je trouve que c'est incohérent. Après, C'est vraiment pas d'un même C'est acabit, du hein. même niveau, c'est Enfin, du mais même pas niveau, du c'est tout. pareil. Mais Mais bien c'est sûr que incroyable si. que vous puissiez penser cela. En fait, je Non, pense que si, c'est dur. si Leia se Pareil. rappelle C'est de sa une mère, elle différence décrit de absolument conception. tout. En Non, fait, non, si Leia. je vous Non, non, non. En explique. plus, Attends. c'est complètement faux. C'est complètement faux en plus. Vous savez pourquoi Ah c'est bon? complètement faux? Parce que Leia dit, elle dit clairement, j'étais toute jeune quand elle est morte. Excusez-moi, Ah mais mais toute jeune. je suis d'accord, mais je trouve Non, que mais la je parle pas prélogie à a des toi, je parle pas à incohérences toi, aussi. t'inquiète pas. Je Oui. parle pas à toi, je parle à. Je sais plus si c'est Ah bon? Kyle Ah non, tu ou parles à Amo et moi c'est Kyle. Ah non, ouais, Amo. ça, excuse-moi. Amo. C'est une grosse incohérence. Toute la phrase résume absolument tout. J'étais très jeune quand elle est morte. Donc beaucoup de monde me disent, D'accord. ce n'est pas de Padmé qu'elle parle, c'est de sa mère Non, adoptive. mais j'ai bien Or, compris. sa J'ai bien mère est morte compris. sur Alderaan, donc ce ne peut pas être elle, parce qu'elle est morte sur Alderaan, pétée par l'étoile de la mort. Pas être elle, de un. Donc de deux, elle était très jeune. Et très jeune, c'est pas une seconde de vie. Je suis désolé, elle était à une minute de vie, elle est morte, Padmé. Donc voilà. Ce qu'il faut Voilà. retenir, c'est qu'une petite phrase lâchée en 6 qui ne se révèle pas être vraie, et encore, on peut l'expliquer, hein, parce que Oui, la force, pour oui, moi, bah, c'est. Pour expliquer. moi. Ta gueule, c'est Non la mais vie. expliquer ça avec la force, c'est pas plus déconnant qu'expliquer la fin de Star Wars avec le monde entre les mondes, Luke qui sait machin. Voilà. Oui, bah, voilà. Simplement que les incohérences que je reproche à la postlogie, c'est totalement lié au contexte Mais c'est pas des de la galaxie en général.
C'est pas une assez bête. incohérence, c'est juste un manque de développement. C'est pas une incohérence, c'est juste un manque de développement. C'est complètement différent. Alors, En fait, pour à un moi, moment le d'accord. fait que tu fasses du 6 où les gentils gagnent tout ça, puis tu reprennes le 7 directement, bah en fait, ils sont terrés comme des rats, machin. Le premier ordre reprend le pouvoir. C'est Oui, et scénaristiquement, alors? c'est incohérent. C'est totalement Non! incohérent. Mais ah, Mais pas non, du c'est tout! pas incohérent. Non, Bah, t'es mais plus alors là, incohérent que non, ça, par seul. contre, je suis désolé, mais non. C'est montré dans le film, c'est montré la montée au pouvoir, c'est expliqué dans le générique, il y a tout dans le film. Ah Donc bon? là, dire que c'est incohérent, c'est carrément partir en hors-sujet, Dans le là. film, alors je vous sors parce que je l'ai devant moi, Star Wars 7, donc je Ça peux vous dire sort exactement ce qu'il dit. de nulle part, Il dit, le Star littéralement. Wars 7 nous sort que les cendres de l'Empire se sont réunies pour former le Premier Ordre D'accord. qui arrive des régions inconnues. Régions inconnues que personne ne peut aller à part le Premier Ordre grâce, bon, ça on sait aussi grâce aux neufs, qui peuvent y aller grâce à des Wayfinders qui permettent de voyager dans les régions inconnues et rejoindre Exegol. C'est ce qui est dit. D'accord. On est d'accord. Oui, De d'accord. deux, la résistance, on dit que la République ne peut pas intervenir et qu'elle doit subventionner la résistance, sinon elle rentrera en guerre. Et qu'il y a Donc, un tu accord dis. tacite, oui. Donc, il y a un accord, un armistice, si tu préfères, avec l'Empire. La résistance enquête sur le Premier Ordre. Et ça, on le sait aussi grâce à une scène coupée du set qui aurait dû être dans le film, où Leia envoie une résistante directement à la République pour fournir les preuves. Sauf que, manque de bol, la République s'est fait péter à ce moment-là. Donc, ils ne pouvaient pas intervenir. Il fallait préparer l'armée pour contre-attaquer. C'était impossible. Ils ont réuni toute l'armée autour d'Austin Prime. Ils ne pouvaient pas balancer tout ça en mode allez-y, Mais du coup, démerdez-vous. alors d'accord, Est-ce mais que le tu peux contexte de admettre que la base reste manière. incohérent? C'est Non, mal mais fait. alors. C'est mal fait. Voilà, Oui, voilà, c'est c'est ce mon que j'allais point. dire. Mon Est-ce point, que c'est il y mal a tout fait. C'est mal fait comme le truc pour dans Leia le ou pour 1, dans Qui-Gon. le 1, c'est mal fait aussi. Le Surtout parti du. Du... politique n'a Mais aucun oui. sens. Ils ont des preuves. Ils peuvent. Vallorum, il a des preuves pour le Sénat. Ils peuvent intervenir, mais ils font rien. D'ailleurs, la République n'a pas d'armée. Pourquoi? Expliquez-moi en quoi c'est logique. La République n'a pas d'armée, peut-être parce que s'il y a eu 15, des milliers d'années de paix C'est qui ont mille précédé. années qu'ils sont en paix, en effet. Mais la République laisse Ah bah oui, ça la justifie Fédération du tout. commerce avoir une énorme armée. Ils sont pas au courant de leur armée. Oui, à mon Ah avis, non, ils c'était sont plus pour. en Bah, fonction. c'est pour ça qu'il y a plein de drôles d'armées partout. Bah, ils savent pas. Ah. Mais Justement, aussi, ils c'est font un justement comment putsch et tu du coup, fais? forcément, une Pardonnez-moi, fois que tu tu fais ton fais. putsch, tu le sais. Comment tu fais pour latter les rébellions, par exemple, Mandaloriennes? Les Mandaloriens qui ont toujours fait la Non, guerre, mais la paix comment ne tu fais pour les justifie arrêter? pas de ne Oui, pas mais il n'y en avoir avait d'armée justement pas aussi. Une besoin parce qu'ils République avaient une sans armée, année ça reste de totalement milliers d'années de paix, stupide. c'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça Mais non, qu'il y ça a eu un justifie débat pas pour qu'il le n'y ait pas réarmement. d'armée. Et justement, il y a eu un Bah, réarmement parce qu'ils ont justement il y a eu des conflits donc ils l'ont réarmé. voilà. D'où les clones qui prennent un peu au Quand ils pif. disent qu'il y a un C'est pas réarmement. la Mais République qui justement, a les amené les clones, clones. c'est un cheval de Troie énorme. Ça n'a aucun sens. Ils Les se rassemblent clones, pas, ils prennent les ce clones. n'est pas la République. Ce Je n'est pas suis la République d'accord, qui a mais le commandé les fait est clones. qu'ils le prennent quand même au final. On est d'accord Oui, là-dessus? parce qu'ils n'ont pas Bon, le voilà, choix. c'est Voilà. tout. Ils n'ont pas le choix, Mais ils n'ont pas alors là, les d'armée. gars, Et ils ne se je veux sont pas parler d'un truc vite renseignés fait. autre chose. Alors, juste pour parler de ça. Palpatine, s'ils n'ont pas d'armée et qu'ils sont obligés d'avoir l'armée des clones pour se défendre, ils sont obligés de la prendre parce qu'ils n'ont pas le choix. J'ai une question à vous demander, pourquoi il n'a pas directement, avec tous les droïdes qu'il a, attaqué Coruscant? Sachant que Mais dans le parce 2, on que le voit, dans le lui, il 2, voulait prendre le pouvoir de il et ramener le retourne plus vite. l'opinion Ça publique contre les sert Jedi, hein. à Oui, quoi de mais faire c'est ça? encore. Ça Ça sert à sert à quoi? quoi? Mais Ça sert à rien du ça tout. sert que ça sert que Ça les gens sert à vont se rien du tout. révolter. Moi, ben non, pas du tout. Mais enfin, bon, Mais c'est quand de même. toute Ça me paraît manière, totalement Palpatine aurait irréaliste. pris le Attends. pouvoir de force. Il serait Mais il passé l'a pas quoi? pris de Les force. gens, il aurait. Il Mais se serait passé quoi? c'est Ben, la il y aurait eu version plus que de j'ai. rébellions. Il y aurait eu C'est la version que j'ai. Il y des aurait eu des rébellions plus vite. rébellions. Il y en aurait Regarde, eu. Il le n'y a pas premier ordre, d'armée. Mais ça n'a oui, il n'y pas a pas tenu un d'armée. an. On vous entend pas, les gars. Vous Ouais, parlez voilà. de ça en même temps. Franchement. Est-ce que je peux juste. Voilà, je vous explique selon moi le contexte. Palpatine a pris le pouvoir légalement. Oui. D'accord. Du coup, voilà. Il le prend légalement, et du coup, ça fait que pendant. Alors, j'ai pas la timeline, mais 40 ans à peu près, il peut régner sur la galaxie avec des rebelles, des sections rebelles qui sont réelles et qui finissent par gagner. 30 ans, voilà. À Donc, peu près il. dans la fin 6, je crois. Oui, voilà, à peu près, c'est ça, t'as raison, 30 ans. Et donc, ces sections rebelles donc, finissent par arriver, mais on est d'accord que le Premier Ordre, qui lui arrive de cendre, etc., parce que la République est incompétente, pareil, on le dit pas, mais ça, c'est parce que le 7 n'est pas assez clair, mais on est d'accord sur ce point. Et donc, après, donc le Premier Ordre revient, mais le Premier Ordre ne tient même pas un an, parce que justement, C'est différent. C'est différent. quand tu le prends par la force, et ben justement, tu tiens moins longtemps parce que tu t'es moins Oui, mais non, mais légitime, entre guillemets. justement, c'est ça le non. propos du Dans 9, le c'est que dans le 9. 9, ils allaient gagner. Ils allaient Non, gagner. La rébellion était c'est détruite pas ça, c'est pas quasiment. ça, c'est pas C'est ça, c'est parce pas ça, c'est que. pas ça. Vas-y, Dans le explique. 9,
Je vais t'expliquer. Dans le 9, ils ont déjà connu l'Empire, la tyrannie. C'est pour ça qu'ils s'élèvent. C'est pour pas Il y en a reconnaître eu ce qu'ils ont même déjà d'autres avant. vécu. On ne sait pas. On ne sait Mais pas ce qui s'est passé avant. On ne sait pas. Est-ce qu'à un moment, comme dans D'accord. l'épisode 1, 2, 3, est-ce que c'est dit que Surtout les que... Sith ont pris le pouvoir? Est-ce que c'est dit Bah, à c'est-à-dire un que moment? pour qu'une république ait eu 1000 ans de paix, faut qu'elle ait eu des guerres avant la paix. Oui. Il y a eu des guerres, mais il n'y a pas eu. Est-ce que c'est dit dans l'épisode 1, les Sith ont régné sur la République? Bah, c'est quand même Non? dit, oui, qu'avant il y a Dans eu le les Sith 3? et qu'ils reviennent. On dit Oui, les ils Sith reviennent. reviennent. Oui, mais c'est Donc, qu'ils ont le déjà dernier qu'ils étaient là. détruit la République. N'a rien à voir avec. On dit pas que c'est un rapport avec les guerres. Et de toute manière, dans le 9, les gens, et dans le 8 aussi d'ailleurs, les gens n'agissent pas. Ils ont peur. Ils ont peur du premier ordre. Donc, si la République. Enfin, si l'empereur dans la prélogie avait pris de force avec tous les droïdes, sachant qu'ils sont ultra nombreux et qu'ils galèrent avec une armée entière de clones, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce qui se serait Mais passé? le vrai Au problème, c'est que pire, l'opinion il y aurait une publique, elle était rébellion. contre. Ce serait revenu au même. Oui, mais de toute manière, ils se font taire. Dans le 4, le Sénat n'a plus de pouvoir. Donc, ça revient exactement au même. C'est juste qu'il a Oui, sauf gagné que du c'est temps. progressif. Il s'est passé du temps entre la fin du 3 et le Ouais, mais 4 pour alors que Palpatine installe les pleins ça, tu peux pouvoirs. directement, si C'est tu veux, un si tu veux sentiment détruire totalement absolument stupide. tout. D'ailleurs, pourquoi des droïdes pourquoi il prend pas des droïdes? Il a des Stormtroopers, alors que des droïdes, économiquement, c'est beaucoup plus pratique. Il peut en faire beaucoup plus. Bah parce que justement, il voulait pas que les gens sachent qu'il était lié à la CSI à l'époque, hein. C'était pas du tout son but. Lui, pour l'opinion publique, il fait partie de la Il aurait pu République. faire d'autres formes de droïdes. Il aurait pu faire d'autres Oui, formes de dans droïdes, la des droïdes qui ressemblent logique pas de à ce qui se passe CSI. dans la Ah bah oui, prélogie. c'est logique, c'est parfaitement logique. Je vois pas ce que vous attaquez. Les Non, gars, c'est est-ce pas que je peux vous parfaitement couper, logique. s'il vous plaît, deux petites minutes? Parce que bon, moi de mon côté, j'ai le temps, il n'y a pas de problème. Je vois que votre côté, c'est pratiquement 1 h du matin, c'est ça, je me trompe pas. Oui, voilà. Ouais, mais pas. Moi, franchement, là, je vous dis sincèrement, je trouve le débat hyper passionnant. Bon, c'est sûr, chacun défend ses idées. Parfois, c'est un petit peu virulent, c'est un petit peu le ton se hausse. Mais franchement, je trouve que bah malgré ça, ça arrive à rester respectueux et tout ça, c'est vraiment cool. Enfin, je vous remercie pour être autant respectueux les uns des autres. On doit bien avouer que c'était mal parti quand c'était par écrit. Oui. On l'avoue. Mais là, moi, je suis bien satisfait, je suis bien content vraiment de cet échange parce que même moi, regardez, je suis resté là à vous écouter, et franchement, j'ai écouté chaque fois les arguments des uns et des autres, et je vais vous dire vraiment, j'ai appris des tas de choses, et je me suis régalé. Vraiment, je vous dis, je vous remercie, parce que je me suis régalé, là, c'était un débat, mais putain de passionnant, enfin là, moi, je pourrais rester encore des heures comme ça. Malgré tout, moi, ce que je vous propose, si vous voulez bien, vous pouvez rester après en vocal, tout ça. Moi, après, voilà, je vois, là, je suis en train d'enregistrer le débat, je pense pas que vous soyez contre à ce que je le mette en ligne. Si vous êtes contre, je le mets pas en ligne. Non, Non, si, non. si, Je sais si, pas. si, Enfin, si, moi, je c'est pense que ça, vraiment, enfin, après tout ce que vous avez dit, comme je vous crois que voulez. ça pourra en passionner vraiment plus d'un. Vraiment. Mais j'espère, ouais. Je crois que, ouais. Mais au bout d'un moment, voilà, moi, je pense que je vais l'arrêter. Rien ne vous empêche, vous, après, de poursuivre. Y a pas de problème. Après, avant de vraiment terminer, je voulais voir s'il y avait un point, parce que j'en avais parlé avec Maul, d'un point, tu sais, Ok, avant. quand on en avait parlé tous les deux, moi, tu te souviens, il y avait un point que tu te posais avec ton collègue des bonhommes au Cinoche. Je sais pas si tu voulais parler de ce point-là, c'est par rapport à Palpatine, pourquoi est-ce qu'il demande. Ouais, la filiation Snoke-Palpatine qui n'est pas claire et le fait que ça fasse pas trop de sens que dans le 8, mais ça on en a parlé tout à l'heure par écrit, Ouais, c'est ça, que mais je sais pas si tu Snoke. voulais l'aborder là. Après, moi, je suis Non, bien mais d'accord, là, voilà. c'est un peu tard pour vous, donc peut-être qu'on peut clôturer là, et puis on reprendra une prochaine fois, mais ça peut Non, être mais intéressant. on peut parler de ça rapidement. Moi, je trouve que ce truc-là fait pas trop de sens. Ben, je veux bien, parce que ça Parce m'intéresse, en fait, que. quand tu dis, ouais, pourquoi est-ce qu'il demande d'aller tuer Non, Rey, parce qu'en alors qu'en fait, fait, il en avait besoin? Moi, Ah, il y a plusieurs j'ai... choses. Oui, c'est ça, c'est Ah oui, ça. alors ça, C'est c'est ça, vrai. parce que Toi, moi, ça ça fait un peu m'intéresse de vous honte. entendre là-dessus, parce que justement, je trouve le débat passionnant, je trouve que vous avez chacun des super idées, des super connaissances et tout, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Parce que Parce que je sais que Snoke, c'était un c'est un point qui pantin te... manipulé par Palpatine, etc. Et on peut aisément se dire que et sait qui est Rey au moment où il la voit. Parce que s'il ne le sait pas, je vois pas comment Palpatine dans l'épisode d'après peut le savoir. Vous voyez ce que je veux dire? Ah. Donc le truc, c'est qu'à ce moment-là, soit il amène Rey, en fait, pour qu'elle prenne son pouvoir, pour qu'elle le tue, machin, qu'on puisse avec. Bon, soit c'est ça, soit elle meurt, et en fait, c'est parce qu'il veut faire de Kylo le maître à contester. Mais dans ce cas-là, pourquoi ne pas effectuer le rite avec Kylo pour qu'il prenne son pouvoir, sa Alors, puissance, etc.
Eh ben ça, c'est ce qui J'ai fait dans le déjà live, répondu justement. par écrit J'ai à pas ça, compris. mais je vais te le redire, parce que ouais, je pense que j'étais pas assez clair par écrit, je suis pas très fort à l'écrit. Bon. Pour Justement, dans le l'envocat, fait que profitons-en. Snoke ne savent pas, que ne sache pas que plutôt que Rey n'est pas la fille de Palpatine. À quel moment Palpatine, pourquoi il dirait à Snoke que c'est qu'il a une fille, sachant que à ce moment-là, de ce que je sais, c'est que Palpatine, il avait déjà essayé de récupérer Rey, ce qui n'a pas réussi. Pour lui, elle est perdue, elle ne retrouvera jamais. Sauf qu'il connaît le nom, elle s'appelle Rey. Parce que les parents l'appellent Rey, donc ça veut dire que c'est pas Anne Carpote qui l'a appelé Rey comme ça, c'est Rey, elle a toujours été Rey. C'est-à-dire Donc qu'elle a même pas Palpatine, quand il changé. entend le mot, quand Palpatine entend le mot, il y a une fille qui s'appelle Rey, qui se promène dans la galaxie et qui est devenue Jedi. Palpatine, il se dit, mais attends, ça doit forcément être elle. Mais avant qu'il le sache, Palpatine devait trouver un nouveau apprenti, comment dire, un nouveau leader pour le remplacer. Et Kylo Ren était vraiment le mieux. C'est un Skywalker, donc une lignée assez puissante dans la Force, qu'il a déjà eu un Skywalker en lui avec lui, Vador. Mais Il a attends. essayé de... Attends. Je finis, après tu pourras peut-être me reprendre Ouais. si pour toi il y a des choses qui vont pas. Il va chez Kylo Ren, il le manipule par la Force, il lui dit d'aller voir Snoke. C'est pas... Enfin, Snoke lui dit enfin c'est arrivé. Voilà, bref, il va voir Snoke, il va lui dire que en gros, il faut qu'il rejoigne les Chevaliers de Rey pour une connerie, peut-être pour devenir. Parce que je crois que dans les comics, il ne sait pas encore que Snoke, le chef suprême du premier rang, s'est fait petit à petit. Mais Kylo Ren devient un semblant de Sith quand même. Et dans le 9, Palpatine se dit, j'ai deux choix, j'ai soit Rey, soit Kylo. Et sachant que dans le 8, que il s'appelle Snoke, il dit, tue ton véritable ennemi. Et qui est son véritable ennemi pour moi, dans l'imagination à moi? Dans mon interprétation, l'ennemi, c'est pas. Il y a une coupure là? Ça a coupé là. Ouais, on J'ai t'entend coupé, plus j'ai coupé. à tout. Ouais, ça a coupé, ouais. À Je tout. pense à tout si tu veux qu'on te entende, peut-être quitter le vocal et revenir. Ouais. Sinon, je vais le kicker moi-même parce que peut-être qu'il nous entend pas en fait. Peut-être qu'il a été. Je crois qu'il reparle. Tu nous entends là? Peut-être qu'il pense qu'il parle. Ouais, Qu'il... bah, ça On a n'a pas coupé et entendu on ce que t'a tu plus du disais. tout entendu en fait. Mais je l'entends toujours pas moi. Va, Ah, tu vas moi je falloir que l'entends. tu répètes. Ah, vous l'entendez? Vous entendez à tout? Oui. Ouais. Bah alors attendez, bah c'est moi alors dans ce cas il Parle va à falloir. toi. Non, j'entends pas. Je vais quitter, je reviens parce que moi il faudrait que je l'entende. Ouais, test, est-ce qu'on t'écoute? Est-ce que je t'écoute à tout? Allô? Ouais, c'est bon, je Est-ce que tu t'écoute. m'entends, Christian? Ok. Ouais, parfait. J'en étais Super. où? Excuse-moi. L'histoire s'est arrêtée où à peu près? Du fait que Palpatine veuille prendre Kylo comme apprenti, truc Oui, comme ça. ah, ok. Donc Palpatine, il doit chercher un nouveau apprenti parce qu'il a perdu la trace de Rey. Il ne sait pas où elle est. Pour lui, elle est perdue, il la retrouvera jamais. Entre-temps, il s'est dit, bah, je vais devoir trouver un nouvel apprenti. Il se dit, bah, Snoke, pas Snoke, mais Kylo pourrait faire l'affaire. Et pour éviter que comment il s'appelle pas, que Kylo se méfie entre guillemets de Palpatine, parce que bah, Kylo il sait qui est Palpatine quand même, il se dit, mais je vais créer un clone qui s'appelle Snoke, je vais l'envoyer, ce mec connaîtra Vador, il connaîtra le passé, je vais lui expliquer l'histoire qui est arrivée, et il va vendre du rêve à Kylo, il va dire, ouais, regarde, c'était magique, le côté obscur, c'est beau, ton grand-père, c'était un. Et Kylo, il se fait complètement manipuler par Snoke, Kylo et même par Vador. Enfin, par Vador D'accord. dans le sens où c'est Palpatine qui a envoyé la voix de Vador dans sa tête. D'ailleurs, dans l'épisode 7, cette scène, du coup, on est justifiée. Montre-moi encore le côté obscur. C'était Palpatine qui montrait le côté obscur à Kylo. Et du coup, Ouais. dans le 9, quand Kylo arrive, c'était voulu par Palpatine que Kylo arrive. Puisqu'il dit, enfin. Donc, enfin, tu es venu, quoi. Enfin, Ouais. tu es arrivé là où je voulais. Et Ouais, après, puis donc, pour avec moi, quand il tue Kylo. Snoke, c'est finalement il accomplit, enfin, il finit son entraînement, quoi. Oui, voilà, Snoke a enfin fini, parce que Palpatine dit, Snoke, t'as bien formé. Donc Ouais. ça confirme un peu ça. En plus, après, bon, voilà, il dit, j'ai créé Snoke, c'est moi qui t'ai manipulé pour que tu viennes à moi, machin. Mais Kylo, à ce moment-là, il est complètement perturbé, parce qu'il se dit, mais attends, ma vie, c'était qu'un mensonge, en fin de compte. Donc ce qui le penche un peu à revenir vers du côté lumineux, bah, à ce moment-là, je pense qu'il s'est quand même posé pas mal de questions.
justement, le casque est de retour pour ça. C'est pas pour dire ah, mais il était cool le casque, on va le remettre. Non, c'est pour justifier justement le fait que Kylo commence à se reposer des questions sur son passé, sur son avenir, qu'est-ce qu'il va faire de son avenir, est-ce qu'il va Ouais, revenir, est-ce qu'il va pas mais revenir. justement, moi je trouve que c'est du rétropédalage, ça. Mais enfin, Bah enfin non, de... c'est juste que Kylo apprend des choses sur son passé qui ne pensait pas être ça. Il pensait vraiment que c'était Vador qui lui D'accord, apprenait des choses, alors que là. à la limite, je peux l'entendre, à la limite, je peux l'entendre. Oui, voilà. Donc, et pourquoi il dit va tuer Rey? Parce que Kylo, comment il s'appelle? Palpatine se dit, mais je vais pas prendre une Jedi comme apprenti, c'est complètement con. Sauf Donc je que... vais demander à Sauf que... Kylo d'y aller pour Pourquoi est-ce avoir qu'à la pleinement fin du... confiance. Pourquoi à la fin Pour. du film, il dit à Rey, du coup, de s'asseoir sur son trône, que... Bon, déjà, il lui révèle son plan, je trouve ça un peu bizarre de révéler son plan, mais enfin, bref... Il le fait aussi dans le, il le fait aussi dans le Ouais, bah 6, il le ça, fait il le aussi dans fait tous les tout le films. temps, Palpatine, il le fait à Oui, chaque oui. fois. C'est un peu ça. Attends, j'ai pas encore fini, parce que là, du coup, tu pars sur un truc que j'allais t'expliquer, justement. Ah, d'accord, vas-y. Dans le 9, encore une fois dans le 9, donc Palpatine, il veut avoir pleinement confiance en Kylo, c'est pour ça qu'il dit, va tuer Rey. Parce que comme ça, il aura éliminé le dernier Jedi et Palpatine n'aura pas le faire. Donc du coup, il se dit, je vais envoyer Kylo, et si Rey survit, ça veut dire qu'elle est peut-être plus digne d'être mon apprenti. Donc il va envoyer Kylo. Kylo va la pousser à bout avec les éclairs, le fait qu'il découvre qu'elle est Palpatine en même temps. Donc Kylo, il sait que Rey est une Palpatine, donc il veut absolument la convertir pour tuer Palpatine. C'est ce qu'il veut faire. Kylo veut tuer Palpatine et prendre le pouvoir avec Rey, comme Vador avec Padmé, si on parle Ouais, je suis là-dessus. d'accord. Et du coup, quand il repasse du côté lumineux, il a complètement échoué. Et du coup, Palpatine, il dit, elle va venir, c'est ce qu'a dit, il dit au général Pryde. Il dit à Pryde, il dit, elle va venir avec tous les autres. Donc il sait qu'elle va venir, il prévoit qu'elle va venir. C'est Palpatine, il est assez manipulateur, il prévoit des choses à l'avance. Donc il se dit, ok, bah, je vais préparer mon plan. Son plan, c'est quoi? C'est lui dire, j'ai tous les Sith en moi, parce que d'ailleurs, c'est justement pour ça, il dit, quand elle arrive, je t'ai attendu plus longtemps, alors que bah, lui, il ment, là, clairement, à ce moment-là, il dit, il ment complètement à Palpatine, à Rey, je t'attends plus longtemps. C'est vrai, mais en même temps, il l'a cherché pour tuer ses parents, enfin toutes ces conneries là. Et là, tu dis, je sais que ce que tu allais me dire, c'est il a obligatoirement besoin de Rey pour devenir le nouveau empereur. Ce qui est faux, parce que. Bah, c'est ce qu'elle lui dit en tout cas. Non, 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 il dit qu'il passera son esprit en elle comme tous les Sith l'ont fait avant avec lui. Donc ça veut dire que tu peux entrer dans le corps de quelqu'un avec l'autorisation. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qui se passe, c'est que quand un Sith D'accord, tue ouais. son maître, le Sith, le maître, passe à l'intérieur de l'apprenti, et ainsi de suite, pour conserver le pouvoir, enfin le savoir Sith. D'accord, bah ça aurait Donc à la peut-être été pas fin, mal de plus le développer, mais oui, d'accord. bah, il Bah moi dit ça me que tous les paraît Sith sont en assez lui. clair dans le film, ouais. Oui, il dit que tous les Sith sont en moi, et à la fin, il dit je suis tous les Sith. Donc En tout cas, tu pas te mal de... dis. Non mais pas mal de gens ont pas compris en tout cas, donc c'est pour Mais ça que je me dis que oui. ce Non, serait mais quand moi, même il y a plein pertinent de trucs de... que je comprends pas pour l'instant, mais vu que t'as fini, je... Oui. Ouais, c'est bah, du coup son super plan, parce qu'il a besoin de, si j'ai bien compris, il a besoin de ce rituel pour transmettre son pouvoir, son savoir, et retrouver d'une certaine façon sa force et la force aussi. Enfin, qu'elle revienne et qu'il crée son père et tout. Mais pourquoi il demande pas ça, du coup, avant Kylo? à Kylo, en Parce fait? qu'il n'a pas pleinement confiance en Kylo. Bah parce que tu Bah crois que là, oui, il il a le pleinement teste, il confiance en fait Rey. que le tester. En fait, il faut avoir l'autorisation de la personne pour passer en lui, sauf que Kylo n'aurait jamais accepté cette chose. Bah Et puis genre il s'est dit qu'il avait plus de chance avec Rey. Je trouve ça bah très oui, parce bizarre. qu'il s'est dit que peut-être que Ouais, je Rey trouve est ça un peu facilement complexe. manipulable. Moi, je suis Attendez, pas sûr attendez, que. moi je pense que sur ce coup-là, je pense qu'il pourrait avoir plus l'approbation de Rey, parce que Rey, ce qu'elle Oui. a en plus de Kylo, c'est ses amis au-dessus qui sont en train de se faire tuer. Oui, c'est exactement ça. En Mais plus, alors que Kylo, il n'a rien à perdre. mais attendez, pardon, Sache-toi mais que là il y a pendant quelque tout le chose qu'on film, elle comprend. n'arrête pas de succomber au côté obscur et se rendre Oui, compte de oui. son passé. Elle est en train de basculer parce que Petit à justement, elle ne petit. connaît pas son passé, petit à petit. Et Palpatine arrive et c'est le point culminant. Et c'est lui qui veut la faire basculer Mais définitivement pour être en elle. qu'est-ce que ça permettrait en fait au juste ce rituel? Parce que moi, tel que je l'ai compris, c'est en fait, un Palpatine qui prend toi, son savoir, et tu deviens extrêmement puissant, t'as la connaissance du côté obscur, tout ça. Et je vois pas pourquoi Kylo Ren déclinerait cette position. Kylo Ren est quand même. Je rappelle que dans le 8, il veut détruire les Sith, donc Kylo n'aurait jamais accepté de devenir un Sith. Oui, Oui, mais mais justement, en faisant avant. ça sans te mettre ton pouvoir.
Surtout que c'est Palpatine, il se rend compte que c'est lui qui l'a manipulé. Alors il va pas dire bêtement, ah ouais, passez en moi, il n'y a pas de souci. Ou Je sais pas justement, d'ailleurs ce que ça fait, est-ce que quand les Sith pourquoi il s'est étaient... caché dès le départ, Palpatine, pourquoi il s'est caché à Kylo Ren, alors que Kylo Ren était très manipulable au départ, C'est ce que je il t'ai était expliqué. plus que Rey. C'est ce que je t'ai expliqué. Luke a Non, dû mais on a lui expliqué raconter les à histoires de tout, Palpatine justement. quand même. Je pense que quand Ouais, même non, mais que là-dessus, je Luke suis a dû lui d'accord. raconter. Mais juste sur le coup de Kylo Ren qui veut pas parce qu'il peur de se faire élever, je trouve que franchement. Mais c'est dit dans le 8. Kylo ne veut pas devenir un Sith. Il veut détruire les C'est Sith. C'est vrai. pour Ouais, ça je qu'il suis assez, va, c'est pour ça vrai. qu'il Il va veut pas faire un devenir un Sith. Sith. Je suis d'accord, mais s'il en devient le seul représentant et le seul à détenir ce sabre, certain, Mais c'est pas plus un jamais Sith. ça. Plus jamais Mais ça. peut-être que même quand tu deviens, ça c'est une supposition, mais peut-être que quand les Sith passent en toi, ils te manipulent d'une certaine façon. Mais alors dans ce cas, Peut-être que pourquoi et non. dès Mais alors dans ce cas, l'instant où tu pourquoi deviens un Sith. c'est justement pour ça que je comprends pas pourquoi Rey aurait accepté, puisque de toute façon elle aurait Parce été qu'elle manipulée, accepte. ça aurait Parce pas qu'elle aidé a ses amis. accepté. Non non mais parce qu'elle Mais avait elle pas a le choix, accepté mais parce qu'elle par n'avait contre pas le pourquoi? choix. Non mais oui elle aurait pas le choix, mais par contre alors dans ce cas-là, ok pour ça, mais au début du film, pourquoi tout simplement Palpatine n'accepte pas d'être tué par Kylo, sachant qu'il sait qu'il pourra rentrer dans Mais Kylo? Peut-être parce parce que que Rey Kylo est n'aurait encore jamais vivante et il est pas accepté. sûr de pouvoir la tuer, non? Bah, j'avoue, Kylo, au il veut début du détruire film, les Sith. Déjà, il a il faut juste. l'autorisation Kylo n'aurait pas voulu. Non mais attends, déjà, Déjà, il n'aurait pas il accepté dit parce qu'il veut rien. détruire les Sith. Non mais s'il dit rien à Kylo Ren de son plan à la con, bah, Kylo Ren il arrive, il le tue, puis son plan arrive à exécution. Parce Oui, c'est qu'il vrai. le Il a dit, pas parce qu'il fini n'a de. pas fini de tester Kylo Ren aussi. Et il C'est sait vrai. que Rey, Mais il il a est pas besoin de le loco. tester s'il le Donc tue, il va c'était pas. qui? Il va... Mais on comprend dans le film que Rey est de quelque part devenue plus puissante en force que Kylo Ren. Donc Puisque c'est la force de ça va être beaucoup Palpatine plus qui vient de là. intéressant. En plus c'est sa fille. Donc c'est beaucoup plus intéressant que ce soit elle plutôt que Kylo. Donc dans ce cas-là, vous admettez le fait qu'au début, tu es Rey, il veut que Kylo pour accomplir son rituel et qu'il a besoin d'elle. Oui, Oui. en fait, Il fait des non, c'est pas tests. ça. Il Non. teste Kylo Ren, il teste Rey, il teste Kylo Ren pour savoir qui serait le mieux. Mais vous savez que s'il dit rien de son plan en fait quand Kylo Ren arrive, si qu'il veut le tuer d'ailleurs, bah, c'est gagné en fait. Après, Je vois non, pas. là où je suis Ah pas non, tout à fait parce que. d'accord, Amand. Non, non, Mais non, 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 pourquoi d'accord. tu peux pas faire ça? Pourquoi? Parce que Kylo Ren n'aurait pas accepté que Palpatine passe en lui. Il n'aurait pas Problème, c'est que accepté. c'est pas dit dans le Il film. faut l'acceptation Bah de la si, bah si, Jedi ou si, du Sith justement. À pour que quel le. C'est moment pas Rey aurait dit. accepté? Et Pourquoi ça se dit? elle accepte! Elle Elle accepte dans le accepte. film! Mais Elle l'accepte! quand en Le fait? moment où, une fois qu'elle a regardé les gens en train de mourir autour d'elle, elle regarde Palpatine, elle lui fait hochement de la tête en mode oui, j'accepte, et elle Non. arrive vers lui. Si. Arrête. J'ai le Non, film non. devant moi, tu ne Mais peux pas dire le contraire. Je l'ai devant moi, le film. Tu peux pas Mais dire le alors, contraire. surtout qu'à ce moment-là, elle ne sait pas encore que Kylo est arrivé. Oui, elle ne sait pas encore que Kylo est arrivé, qu'elle reste C'est au proche de moment où Palpatine. elle lève son sabre qu'elle se rend compte que Kylo Et est là, qui arrive, qui dit ah, je vais t'aider, et du coup, alors, voilà. si c'est le cas, si elle accepte vraiment, C'est extrêmement, mais complètement alors incohérent. vraiment extrêmement mal écrit, et c'est limite pire que si c'est pas le cas en fait. Mais J'ai là, vous vraiment une êtes, c'est catastrophe. n'importe quoi, là, les gars. Bah, Non, mais c'est la justifié. mise Le en film scène te a tout montre qu'elle ça. accepte. Le film te montre qu'elle accepte. Elle regarde Palpatine, elle fait un hochement de la tête. Palpatine, il dit Mais c'est débile bien. qu'elle Elle est accepte. Mais c'est désespérée. À ce débile. moment-là, elle est Elle est désespérée. débile. Elle voit Mais tous ses amis en train de pour mourir. moi, Oui, mais en quoi c'est ça va arranger la le même situation? niveau que la fausse fin du 6 dans laquelle Luke dirait maintenant je suis Vador. C'est aussi éclaté que ça. C'est-à-dire que Oui. vraiment. Non, parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est en train, tous ses amis sont en train de mourir. Mais et Il lui alors? reste deux choix. Soit elle fait rien et tous ses amis meurent et elle meurt juste après. Et Oui. la galaxie se fait encercle, se fait envahir par Je Palpatine et là c'est la crois fin qu'elle de tout. préfère ça que être le mal dans la galaxie. Mais est-ce Clairement. qu'elle a le choix? Est-ce qu'elle Bah, a le choix? clairement. Bah Est-ce oui, que elle se tu fait tuer. préfères? Est-ce que tu préfères que tout le monde crève? Qu'est-ce que tu préfères que tout le monde Est-ce crève, qu'elle que le la tue? galaxie Mais soit tout le envahie? monde Bah serait non. mort quand même. Tout le monde serait quand même mort Mais puisque oui. Palpatine l'aurait possédé. Non, c'est Rey qui aurait pris la décision. Après, oui, elle serait devenue profondément Bah, méchante, ça fait aucun mais sens. Kylo, ça arrive après. Est-ce Dans le qu'elle aurait film, pas dû elle se le sait suicider pas. du coup? Mais Bah ouais, ça bah revient oui. au même, puisque Non, de toute franchement, les gars, manière, il y aura c'est. forcément un méchant et tout le Si monde Rey se serait meurt, donc. suicidé, si Rey se serait suicidé, ça aurait été la même chose que si elle aurait laissé faire. Le Bah oui, Palpatine bah aurait dû leur justement, laisser pour la moi, mort. elle aurait dû Palpatine. laisser faire. Non, parce que Palpatine, il aurait renvoyé un Snoke ou un Palpatine n'importe qui, il aurait créé un clone, il serait passé dans le clone. Je suis d'accord, mais je veux dire, ça arrange rien qu'elle devienne la plus grande méchante. Et... Enfin, elle aurait peut-être fait pire, elle le. Imagine juste à la fin du film, imagine à la fin du film, à la fin du 9, que Rey devient méchante, Kylo arrive trop tard, elle est déjà méchante, et Kylo n'a plus que Oui. le choix que de partir. Et Et pourquoi dans Rey l'épisode aurait 10, accepté de 11-12, devenir méchante? Pourquoi mais Rey parce aurait qu'elle accepté n'a d'être pas toujours le contre lui? choix. Mais elle a Luke pas. Si aurait. elle a complètement. Elle peut se buter? Non! Elle se bute! Ok, très bien, elle se bute. Qu'est-ce qui se passe après?
Esmut, ben, il y a d'autres personnes qui ont la force, il y a d'autres cellules rebelles, il y a d'autres. Oui, Il y a toujours Ben mais Solo qui est non, gentil, non, il y non, a non, plein non. de Les soldats. cellules rebelles, il n'y en a qu'une seule, c'est la résistance. Il n'y a que eux et c'est eux qui Oui, vont mais envoyer message aux peut y gens. en avoir de nouvelles qui arrivent. Je veux Non, dire, non, 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 non. Sachant à la qu'à ce fin du moment-là, 9, vu la puissance qu'ils ont. tous les autres sont revenus. Et s'ils meurent tous, là, la galaxie est condamnée Mais alors, complètement. parlons, mais qu'est-ce que ça aurait apporté si Rey avait accepté et que finalement c'est elle qui butait ses propres amis? J'ai envie de Mais dire, elle n'a c'est pas pire. accès. Elle n'est pas devenue. C'est pas arrivé. Oui, Alors mais si j'affiche ça les arrivait. yeux pour m'expliquer. Si ça serait arrivé, Vraiment. Rey aurait pris le contrôle. Rey aurait pris le contrôle. Le dernier ordre aurait sûrement envahi la galaxie. Fin, fini, plus de Jedi, plus rien. C'est fini, la saga est finie. Les méchants ont gagné, Non, point barre. donc Rey, je n'aurais jamais voulu ça si elle était complètement Sinon, consciente. Elle aurait préféré Rey mourir. aurait tellement, aurait au moins Sinon, on essayé dit bien. de. Rey, on sait Dans les pas deux sa cas, c'est logique. pareil. La logique de Rey, c'est pas celle de Luke. Rey, elle a rien à ses amis à perdre. Ouais, Elle a pas ses j'avoue. parents ou je ne sais Bon, quoi. j'avoue Vas-y. quand même que. Enfin, moi, alors, je suis plutôt d'accord sur le fait que, effectivement, au bout d'un moment, elle est dans une impasse, elle n'a pas le choix, et peut-être que. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'elle accepte. Mais donc, là-dessus, je peux être potentiellement d'accord. Après, je me dis que oui, peut-être qu'elle aurait pu se buter, ça aurait peut-être changé des choses, ça aurait peut-être été un meilleur choix que d'accepter. Mais c'est vrai que si on imagine rien que 2 secondes le fait que finalement elle accepte, et que du coup, Palpatine se transfère en elle, bah en fait. Ses amis vont aussi crever. Oui, quoi qu'il arrive, ils vont crever. Bah Mais au oui, moins, surtout que j'ai la moi, la force des logique, yeux. les Jedi peuvent se défendre. Les Jedi, peut-être que Rey pensait peut-être qu'elle pouvait peut-être gérer Lesquels Jedi? le. Il y en a Rey, plus. peut-être que. Ah Elle oui. est Attends, je vais Partie. finir. Peut-être que Rey aurait peut-être réussi à mater l'esprit de Palpatine. Et dans ce cas-là, peut-être qu'elle pensait qu'en acceptant, peut-être qu'elle allait réussir à le combattre intérieurement dans son Non esprit. mais Palpatine venait Alors. de les gicler avec la force, de les trimballer partout, à mon avis, elle pensait pas pouvoir lutter contre Non lui. mais Non, mais je parle une stop, fois j'ai la que force des Palpatine yeux, c'est rentrait en lui. irrecevable. Je viens de voir, en fait, il y a Ben Solo qui arrive dans le truc. Oui. Ensuite, on passe sur Rey qui fait un oui, en fait, parce que c'est une dyade, elle s'adresse pas à Palpatine, elle s'adresse à Ben Solo pour faire la strat Non, du sabre laser, mais bien sûr que si. Et c'est tout, c'est tout. non. Du calme, Rey du a tout. calme, du calme, du calme. Laisse-moi le parler Non, déjà. puisque Attends, attends, c'est attends, le je vais montage. écouter ce qu'il dit. Je vais écouter ce qu'il dit. Ok. Dans le film, c'est pas comme tu dis. Il y a Ben Solo Si. qui arrive, qui est seul. Ensuite, il y a un plan Oui. sur Rey. Qui est face à Palpatine, qui fait un hochement de la tête, qui lève ensuite son sabre laser, et ensuite c'est simplement Ben Solo qui récupère le sabre laser. Elle s'adresse à Ben Très bien, Solo, c'est très une dyade, elle bien. s'adresse pas à Ah, c'est Palpatine. vrai ça. Ok, mais Bah moi oui. je vais t'apporter autre Pardon. chose. Elle accepte, Palpatine dit bien et tout, à ce moment-là elle ne sait pas que Solo arrive. Mais c'est Le puisqu'il arrive avant. Bien sûr Le qu'il sait. moment où Ouais, le elle moment où apprend elle que Solo est réalise, c'est là, quand il y a le c'est le plan, moment où Michael. elle s'apprête à tuer Palpatine. C'est au moment où il y a la musique qui commence à pétiller un petit peu et elle se rend compte que Kylo est revenu. C'est à ce Mais c'est moment-là ce que je qu'elle te dis. l'apprend. C'est vrai, c'est le Mais plan, le elle a montre avec accepté les deux avant. Elle a visages. C'est accepté à ce avant. moment-là qu'elle Non. réalise. Non. Si. Si. Regarde en arrière. Rey se retourne après avoir vu ses amis en train de mourir. Elle se retourne, elle regarde Palpatine. Elle fait un hochement de la tête. Palpatine dit, bien, le rituel va pouvoir commencer. C'est ce qu'il dit. Exactement ce qu'il dit. Alors là, je sais pas si tu as mal regardé ou je sais quoi. Mais là, c'est de la diffamation, là, ce que tu fais là, C'est vrai. clairement. Non, mais je veux bien admettre que je crois que ouais, elle l'accepte et c'est seulement après qu'elle sent qu'il y a Kylo. Il me semble que c'est comme ça. Là, par contre, je peux pas l'assurer, Oui, mais oui. c'est mon dernier ressenti. Ah bah moi je peux. C'est Pour moi, dommage qu'on puisse pas envoyer de vidéo elle sur. s'adresse Non, clairement non, à. non, non. Après, je sais pas, ouais, Maul, Non. t'as La peut-être le musique. film Non, devant toi, je sais la pas. musique. La Écoutez, la musique. je crois que le Musique seul très moyen, évocateur. de savoir, ce serait Ouais. d'avoir le scénario et de Mais voir en ce qui fait, était marqué. Ou de en regarder vrai, le je vais vous film. dire. Si Rey accepte, en fait, c'est pire encore. Donc. Mais non. Bah si. Imagine. Ah Mais non. si. Rey aurait pu combattre intérieurement le mal en elle. Enfin, Non mais peut-être que comment Rey. elle vient de se faire Non, trimballer c'est par la pourri. force, Non, je suis alors. désolé, mais ça sort de nulle Mais part. mec, en fait, vous comprenez pas ce que je dis. En fait, c'est ça le truc. Mais Je dis si, c'est que juste irrecevable. Rey tue Palpatine. Ok, Palpatine commence à passer en elle. Dans le légende, c'est dans le légende. Ok, très bien. Dans le légende, on apprend qu'un Jedi a réussi à prendre en Palpatine dans l'intérieur de lui et à l'emmener parce que ce Jedi meurt. Et du coup, l'esprit Jedi réussit à contenir Palpatine et l'emmener dans le monde des Jedi où les Jedi vont pouvoir le colmater et bah, en gros le mettre en tôle, si tu veux, en esprit tôle. Peut-être que Rey pensait qu'avec son esprit, peut-être que le temps entre le Mais la temps. pensée zéro, c'est du légende, tout le monde s'en fout. Enfin, je suis Mais désolé, il y a mais quelque ça chose qui sort. tient pas dans ton Rey est raisonnement. intelligente, les mecs. Rey est intelligente, c'est pas une conne. Enfin, Il y a une chose que je une comprends pas bien. Jedi. Il y a une chose que je Il y a comprends trois pas bien dans ton scénarios raisonnement. possibles là. Il y a plus Il y que a trois, il y trois en a quatre scénarios. même. Je peux dire Non, juste une d'abord, chose. déjà, Je peux dire juste une chose. soit. Vous êtes d'accord qu'au début vous avez dit que Kylo Ren, Oui. s'il avait buté Palpatine et qu'il n'était pas d'accord, Palpatine ne l'aurait pas possédé. Alors pourquoi est-ce que Il aurait Rey, si elle n'était essayé.
Et alors Il aurait pourquoi est-ce pu. que Rey, en tuant Palpatine, elle aurait été plus. Enfin, pourquoi est-ce que si elle n'avait pas été d'accord, Parce elle aurait qu'elle n'a pu pas tuer le Palpatine? choix. Mais Parce alors, qu'elle n'a d'accord. pas le Mais choix. Elle a en quoi accompli Palpatine, si son on suit votre acte. raisonnement, si on suit votre raisonnement, en quoi Rey aurait été possédée par Palpatine si Palpatine n'était pas d'accord, en fait? Non, pardon, si C'est Rey un n'était pas acte. d'accord. Rey n'était pas C'est d'accord, elle ne un peut pas acte du passer en côté lutte. obscur de tuer de toute manière. C'est D'accord. ça. Si elle Le tue, fait elle de tuer devient ce Palpatine qu'il est de passe toute du côté manière. obscur. Enfin, Windu voulait le faire et pourtant c'était pas un acte Alors, spécialement. Windu, à ce moment-là, il Ben est. c'est un peu pour ça qu'Anakin a coupé la main de Windu. Hein, mais Oui, c'est mais des enfin, gens, je veux c'est pas dire, la philosophie de Jedi. C'est pour ça que pour Windu se est pas impur. défendre. Bon, Mais ça c'est. à ce moment-là, justement, la scène avec Windu et Palpatine, c'est extrêmement complexe parce que justement, Palpatine fait exprès de se faire semblant d'être en position de faiblesse. Tout à fait. Windu Enfin, sait je que si pense. il le laisse en vie, bah, soit c'est lui qui meurt. Soit c'est la galaxie qui est fichue, donc il dit qu'il n'a pas le choix, il est obligé de le tuer. Anakin arrive, dans sa tête, ça fait « Ah, mais c'est pas logique, s'il tue, c'est contraire aux règles Jedi, ça veut dire qu'ils ont menti depuis le début, ça ne tient pas la route, Palpatine a D'accord. raison, je lui tranche la main. » Et d'ailleurs, c'est complètement con, parce que Anakin a tué le comte Dooku au début du film, ça montre bien que c'est totalement absurde, Oui, mais à et ce moment-là, il lui Anakin est coupe déjà la en train de main, basculer du côté obscur. Windu meurt. Voilà. Mais du coup, la question que moi quand même que je me pose, c'est que si ce qui est au début du film, qui fait que même si Kylo tuait Palpatine, c'était pas grave parce que Kylo n'était pas d'accord, et le fait que Rey tue Palpatine, elle n'est pas forcément plus d'accord avec ça, en fait. Mais en fait, elle n'a pas eu le choix, elle s'est livrée à Palpatine à ce moment-là, elle s'est laissée faire. Le moment où elle Mais apprend c'est que Solo est débile là, qu'elle se laisse faire à le Palpatine. moment où Solo. Arrête de parler, de me couper, s'il te plaît. Le moment où Solo arrive, c'est le moment où il y a la musique qui s'emballe un peu, qui crépite un peu de pétillement, de joie, de tout ce que tu veux. Le moment où elle apprend que bah, enfin, pas Han Solo, Ben Solo est arrivé et il va pouvoir l'aider. C'est pour ça qu'elle lui donne le sabre. Mais il faut bien comprendre que juste avant, elle allait tuer Palpatine avec les musiques, les Zéro. tapas d'identité C'est ce que le film qui veut te faire tapent. croire et c'est ce que Rey veut aussi, mais Non, 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 Rey, elle est désespérée à ce moment-là, elle franchement, regarde autour d'elle, elle est honnêtement, désespérée. honnêtement, je m'adresse Oui, à toi, honnêtement. Chili. Est-ce que tu as pensé pendant, est-ce que tu as pensé pendant ton truc de, pendant ton visionnage de Star que Rey allait tuer Palpatine une seule seconde? Moi, j'ai jamais cru une seule seconde. J'ai même jamais ne serait-ce qu'interprété qu'elle allait. Pour moi, c'est juste qu'il mettait en place le truc. J'ai jamais vu Rey dire oui. Ce petit hochement de tête, je recherche Oui, encore. elle le fait quand même. Attends, tu veux que je t'envoie, si tu veux, je t'envoie carrément la vidéo, parce que je crois que je l'ai quelque part. Bah vas-y, mais. Elle fait un hochement de tête et Palpatine dit bien Mais juste derrière. encore une Attendez, fois, encore attendez, une fois. attendez, stop, je viens juste de le voir. Là, je suis en train de regarder, je vous écoutais pas trop. J'ai juste écouté vos derniers. Et là, pile quand vous avez parlé, je viens de voir son hochement de tête. Elle fait effectivement. Je le croyais pas, vous voyez, mais je viens de vérifier, elle fait un hochement de tête. Et effectivement, Donc c'est après, encore. il dit bien. Et à ce moment-là. Elle est effectivement, j'ai regardé la suite après. À ce moment-là précis, elle n'est pas au courant que Kylo arrive. Elle se recule, elle prend son sabre, elle marche tout doucement pendant que lui, il dit le rituel va commencer, elle va prendre son sabre, etc. Elle est là, elle regarde un peu autour d'elle, elle essaye de trouver une solution, elle est un petit peu, ouais, effectivement perdue. Et à un moment, il y a Kylo qui regarde en fait vers la caméra et elle qui regarde vers la caméra, donc on comprend que ça y est, il commence à y avoir une connexion et là. Ok, et c'est là où elle place son sabre et qu'elle lui passe. Mais effectivement, il y a un moment de battement où elle a dit oui, et j'ai vu cet hochement de tête-là à la seconde, mais Donc c'est débile. elle est quand même en mode putain, je fais quoi? Est-ce que je Parce me qu'elle bute? veut Est-ce se que je le sauver, elle fais? sait pas quoi faire. Ouais, elle est Ouais, vraiment là, mais elle effectivement, donc, je vais être elle sincère, j'y croyais accepte. pas, mais là je viens de le voir, donc je suis obligé de l'admettre, quoi. Donc elle accepte. On est d'accord qu'elle accepte. Peut-être elle C'est. accepte pas pleinement, mais Non, elle n'a pas elle le choix accepte pas en d'accepter. Elle connaissance de cherche une. cause. Enfin, je veux dire, elle accepte pas de son plein gré. Non, non, ça c'est sûr. Elle est en mode, Non, je sais pas ce que je fous, quoi. Non, bah oui. Elle sait pas quoi faire, elle est désespérée, elle allume son sabre, elle sait pas quoi faire, c'est pas si elle le fait oui ou non, D'ailleurs, elle est juste perdue. si vous le cherchez, c'est à Parce que Luc, 1h40. Attendez, si vous comme le le dit cherchez, c'est Palpatine à d'ailleurs. Ah, une heure quarante-neuf excuse-moi. et 5 secondes. D'ailleurs, juste pour dire, la différence entre, justement, c'est ce que dit Palpatine, la différence de Luc qui avait son père pour, au cas où, on ne sait pas, peut-être qu'il y avait un déséquilibre en Vador, justement, Palpatine. Luke a été sauvé grâce à son père. Palpatine, enfin, Rey n'a absolument personne avec elle. Mais je Palpatine est pense seul avec franchement, elle.
que si le personnage était cohérent de bout en bout, Rey aurait préféré se laisser mourir plutôt que ce soit elle qui fasse le mal dans la galaxie. Enfin, franchement, si tu prends la. Voilà. Et en plus, j'aimerais juste revenir sur ce que vous avez dit au début, parce que je crois que vous n'avez pas bien compris ce que vous avez. On est bien d'accord que. En fait, je vois pas du coup si il y a besoin d'un accord. Pourquoi elle ne peut pas tuer Palpatine sans qu'il la possède s'il faut un accord? Parce que Il elle va faut un pas accord parce forcément. que l'acte de tuer, c'est un acte qui est techniquement barbare. Voilà, donc si elle fait ça, elle succombe au côté obscur, elle rentre Alors, dans le cou ceci dit, de plein Palpatine. de Jedi tuent, et quand c'est pour sauver la galaxie, et là en l'occurrence ça l'est, ça ne pose pas Oui, de problème. mais Rey, si Palpatine a besoin que Rey la tue pour passer en aide, si Palpatine n'est pas tué, Et en général, Palpatine est encore là. Quoi qu'il les arrive. Jedi tuent, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Justement, au début, dans le 3, le Comte Dooku était à sa merci. Ils auraient dû le capturer, ils n'auraient pas dû le tuer. Quand Anakin le tue, c'est montré justement comme un Comme Carnac, mauvais le acte. mal. Oui, Voilà, c'est pour ça que ils Palpatine n'auraient est pas dû content le à ce moment-là. capturer. Mais je vois pas en quoi ça aiderait Palpatine à plus la posséder, en fait. Les règles sont Parce pas claires et que ça. les règles sont très claires. Si tu Ah tues non. Palpatine, si tu tues Palpatine, Palpatine passe en toi parce que Palpatine aura ton accord. D'accord, Si donc tu. pourquoi Si... Ben Solo n'aurait pas pu le faire? Parce Ouais, que non, mais Han ça. Solo n'est pas un Sith. Ben Solo veut Ah non, détruire mais. les Et Sith. Rey encore Mais moins. c'est Puisque dit dans Rey le a pas envie de 8. les détruire. Mais Rey a envie de c'est pas le détruire les truc qu'il sites. veut. C'est pas qu'elle a pas envie de détruire ou qu'elle accepte de se faire détruire. C'est qu'elle a pas le choix à ce moment-là. C'est soit je tue Palpatine, passe en moi. Et oui, peut-être que je vais peut-être avoir un moment où je vais peut-être pouvoir récupérer le contrôle. Ou je fais absolument rien et la galaxie est envahie et tout le monde meurt. Elle veut tenter quand C'est même pour le ça fait qu'elle bug, d'essayer. elle sait pas quoi faire à ce Oui, moment-là. elle bug Elle est à ce juste moment-là. perdue. Elle Ouais. allume Elle feu cherche avec des son possibilités. sabre parce que elle ne sait pas quoi faire. Encore une fois, pour moi, je vois pas en quoi le fait que Kylo tue Palpatine soit incohérent avec ses volontés, sa Alors, volonté. Car ok. non, mais Alors, attends, attends. parce qu'en faisant Mais je sais cela, ce que tu veux dire. Je sais ce que tu veux il dire. devient le seul détenteur des connaissances Sith, etc. Il ne perpétue pas la chose. Il a le plein pouvoir. Il est le suprême leader. Il peut, enfin, Parce que les Sith il ont un fait. certain pouvoir. Les Sith ont un certain pouvoir sur le Alors là, contrôle de Palpatine. t'es clairement Je dans la suis dans la supposition. supposition. Je suis dans la Voilà. supposition. C'est pas Mais en faisant dans de la le, dans le, supposition. dans Non, le, dans, si, si, dans le canon, dans les canons, dans tout ce que tu veux, les Sith ont un certain pouvoir sur les esprits. C'est tout. Dans The Clone Wars, les Jedi, enfin, comment ça s'appelle, Palpatine et Dooku arrivent à faire apparaître une vision à Yoda. À Yoda, quand même, c'est pas n'importe qui. Ils arrivent à lui faire voir une altération de la réalité. Où il combat Palpatine avec Dooku, avec Anakin. Et donc tu sais que les Sith ont quand même une certaine magie, une certaine emprise sur les Sith, sur les esprits. Après, oui, c'est The Clone Wars, mais pour un fan comme non, moi, même forcément, pas. voir ça, voilà. Non, mais même Mais sans ça, même même sans ça. là, c'est de la supposition. Enfin. Ouais, bon, dans ce Non, cas-là, mais même non, tout le stop, stop. débat, là, c'est sur de la Ouais, supposition. mais s'il vous plaît, là, je pense qu'on est d'accord. Après, on reste. Oui, alors, il y a des preuves tangibles, etc. Mais pour cette histoire-là de qu'est-ce qu'elle aurait pu vraiment faire, etc. Moi, je trouve ça super intéressant, hein, vraiment, de se dire, tiens, est-ce qu'elle aurait pu se tuer? Est-ce qu'elle aurait pu le faire? Est-ce qu'elle savait ou pas? Ouais. Mais je crois qu'en fait, il y a vraiment rien qui nous affirme de but en blanc, Bah, vraiment. le vrai Donc, problème, c'est qu'il n'y a pas mais. de vrai Non, réponse il y a. rétablie. Non, mais enfin, je pense qu'après, Ça, on c'est peut en pas rester là. grave. Après, si vous voulez approfondir, vous, de votre côté, moi, je pense qu'on va Non, essayer de. mais Je pense simplement, qu'on peut en rester là, oui. là où Bah, j'aimerais tu. bien, Juste ouais. dire Mais les la règles preuve que établies, ça a mais je te laisse échoué. dans le Non, film. mais juste, la preuve que tu m'as échoué, c'est que moi, j'avais même pas compris qu'elle avait hoché et qu'elle voulait faire le Bah, sacrifice. Et je crois que je si suis pas le t'arrives pas seul à loin de comprendre un là. film, ça, Non, c'est pas mais très. pas d'attaque comme ça, c'est pas grave. Regarde, moi, je l'avais pas vu. Et là, je viens de le Bah. voir maintenant. Oui, Tu vois, mais c'est toi, juste tu l'as que. vu. C'est pas grave pour le film. Je vois pas. Ah bah un peu. Non, mais c'est C'est un juste que le film, je suis détail désolé de qui le peut dire dire, avoir son est mal importance, branlé, mais ça va. il est mal construit. Mais les règles Comme établies sont claires. Les Mais règles il n'est pas établies mal sont branlé claires. puisque c'est dans le film. C'est juste que tu l'as pas vu. Voilà, c'est Parce que tout. C'est dans le c'est mal film. expliqué, c'est mal mis en scène, c'est pas C'est mal mis servi. en scène. D'ailleurs, Alors, attends, si. j'ai vu la première fois que j'ai vu pas Star Wars 9, j'ai tout compris du premier coup. Il y a certains trucs, Mais oui, pareil, ok. j'ai tout compris. Si t'as pas compris, c'est pas mon propre. Enfin, ça dépend de chacun. C'est juste une interprétation, peut-être une mauvaise interprétation de ta part. Tu as peut-être mal compris le film. En plus, tu l'as vu, je crois, qu'une seule fois ou deux, je ne sais Deux plus fois. exactement. Non, je l'avais plus. Deux fois. Oui. Tu as peut-être pas plus. Moi, parce que moi j'ai eu besoin du deuxième visionnage quand même pour comprendre certains trucs mineurs, pas comme ça. Par exemple, le fait que Finn possède la force, ou que Finn a été. Bah, pourtant, c'est clairement dit ça pour le coup, mais bon. Oui, mais ça, je n'avais pas fait gaffe, parce que ce moment-là, il m'avait un peu.
Ouais, genre, voilà. Bref, Ouais, après, toujours il y a est-il que toujours, pour non, moi, mais il y c'est a mal toujours des construit. Toujours écueils. est-il qu'il y a des règles Le fait établies que avec le. Rey, le fait que je n'ai pas compris, c'est dû au fait que Rey, ça n'a jamais été présenté qu'elle puisse prendre ce genre de décision, c'est pas complètement de son personnage. C'est tout aussi Ah. simple que ça. Mais elle est pas Elle dit, tue, elle tue elle est pas KO. à ce moment-là, elle est pas en mode ok, je vais le tuer vite fait, bien fait, je suis basculé complètement du côté obscur. À ce moment-là, elle est juste perdue. Elle est perdue, elle sait pas quoi faire, elle se dit que tout est fichu. Elle est juste désespérée, c'est tout. Il n'y a pas Parce que 36 000 choses à comprendre. C'est parce que pas un peu Palpatine l'a héros. extrêmement bien manipulé, c'est tout. En Parce que plus, Palpatine Palpatine, manipule très très bien. c'est un Tellement bien manipulateur. Elle lui manipulé dit qu'il révèle elle l'étendue de est. tout son plan. Palpatine le fait dans le 6, Palpatine le fait dans le 3, Palpatine le fait tout le temps. C'est son plan, c'est une marque de fabrique de Palpatine, des Parce Sith. que, en fait, à partir du moment où il pense qu'il a la situation tout en main et que tout est fichu pour les héros, il se dit, bah, de toute manière, que je leur dise ou pas, qu'est-ce que ça change? Dans le 6, je rappelle un truc, c'est que dans le 6, quand même, Palpatine dit tue ton père et prend sa place. Et il dit aussi, regarde Mais parce là-bas, que il y a des vaisseaux qui Luke sont s'est en train tombé à de la bouger. Le pire, c'est qu'il dit à Luke clairement qu'il est sous son emprise. Il dit, ah, regarde, t'es en train de devenir mon esclave. Oui, parce Ok. qu'il est en train de montrer à Luke qu'il succombe au côté obscur et qu'il ne doit pas se Oui, battre face à ça. Oui, bah justement, comme le il lui fait Palpatine explique avec clairement Rey. son Sauf plan. que Rey, Il lui dit, regarde, elle est jamais il lui sous dit, l'emprise je du te côté obscur face à manipule. Palpatine. Ah bon? Ah bon, Rey Face à n'est pas du tout Palpatine. sous emprise du côté obscur? Non, Excuse-moi, mais face à à Palpatine, cause non. du côté obscur, elle tue Kylo, qui l'a fait quand même Non, face à partir Palpatine, sur face à Arto. Palpatine. Je dis bien Face face à à Palpatine. Palpatine. Ok, face à Palpatine. Palpatine, Face tu à sais ce qui s'est Palpatine, passé. elle est désespérée, elle a tout le monde qui est mort, elle est foutue. Elle se dit, bah, sa seule famille, c'est lui. Voilà, c'est ce qu'il dit en plus. Elle est C'est face à un la seule mur, famille qui te lui. reste, c'est moi. Oui, bon, là, Voilà. on est dans un mur après. Hein. Là, c'est ce sera Oui, ça oui, reste, ça bon, oui. restera qu'une Moi, interprétation. je vous le dis très simplement. Tout ce que vous avez dit à la fin sur Kylo, tout ça, vraiment. Autant il y a des arguments intéressants que je reçois et qui sont intéressants. Ça, pour vraiment la poubelle, je trouve que ça va à l'encontre de ce qu'a fait et les films et la trilogie. Maintenant, je pense que nos avis n'évolueront pas sur la question. Ça coupe pas Effectivement. mal, Maul. Je sais pas Ouais, si c'est pour mais tout le monde pareil. Ouais, bah, on t'a globalement, pas, ce qu'il dit, bien parce que j'ai entendu compris. clairement, mais en tout cas, enfin, parce que toi, je sais que c'était une question qui te tracassait pas mal, Maul. Toi, pour toi, t'arrives pas en fait à J'ai avoir, toujours pas été convaincu, des hein. réponses. Non, Bah, mais après, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. le plan est quand même vachement bordélique et pas clair du tout, Oui, mais non, ça, mais c'est dû on veut au bien fait que les règles l'admettre. Pas sont comme dans la obsolètes. prélogie, c'est sûr, ça n'a pas de rapport. Non, mais bon, enfin, On parle pas de la là-dessus, prélogie, ça va. après, ça restera Les failles de la un prélogie. éternel Surtout si débat. le plan là se base sur qui va être le meilleur, donc il attend juste de voir, c'est pas Bref, Ouais, bon. j'essaye de mettre un peu fin là Bon. si vous voulez bien. Ouais, si on Moi, peut je aller vais fin, juste vous c'est dire un truc. Moi, clairement, ouais. c'est que je vais autant. Parce que moi, comme j'ai dit depuis le début, des deux côtés, moi, je reçois les arguments et franchement, c'est nickel. Moi, je pense que pas pour mettre tout le monde d'accord, mais juste pour vous dire mon avis, c'est que. Après, bon, je vous invente pas que moi, j'ai bien apprécié le 9, hein, ça vous le savez. Donc, Bien moi, sûr. je trouve que de manière générale, au final, maintenant, puisqu'on en reparle et que là, j'ai revu certaines scènes, je me dis que oui, globalement, en fait, tout est expliqué et plutôt bien construit selon mon point de vue, on est bien d'accord. Donc, ça, c'est plutôt le point positif. Par contre, peut-être. Le point négatif, et là où je rejoindrais plutôt les autres personnes, c'est que vu que le film a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments, c'est-à-dire que pour moi ce film aurait dû s'étaler sur 3-4 heures pour vraiment tout exploiter et vraiment tout montrer, Ouais, ça, je suis c'est d'accord. ce qui a fait que, parce que tu sais, on vous avait dit par exemple, oui, mais moi je l'ai revu 2-3 fois donc j'ai compris 2-3 petites choses. Oui, ça, pourquoi pas, mais en fait le problème avec ça, c'est que moi ce qui s'est passé dans ma propre expérience, et d'ailleurs je le dis, au moment où je parle de mes vidéos, où je fais mes vidéos réactions dans le ciné, je dis, ce qui s'est passé, c'est que des fois il se passe des scènes, mais en fait il se passe tellement de choses en même temps que du coup, pour la scène d'après où il se passe quelque chose d'important, je suis encore en train de réfléchir à ce que j'ai vu avant. Donc du coup, en fait, je suis là en train de me dire, mais attends, en fait, c'est ça qui se passe et tout. Et donc je passe à côté de certains éléments du film parce que je suis encore sur des éléments d'avant que je suis en train d'essayer de recoller. Et en plus, attendez, moi je connais plutôt bien Star Wars, peut-être pas autant que vous, mais je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui a suivi de très près les actualités. Alors je suis en train de me dire, imagine les gens qui connaissent juste Star Wars. Ça doit être encore plus compliqué pour eux. Alors, je pense, pour conclure, que
le film, en fait, il y a tous les éléments dedans, mais c'est juste qu'il y en a trop pour qu'en un visionnage, tu puisses tout voir et tout Ouais, c'est considérer. Et c'est ce qui en constitue peut-être le principal problème du film, c'est que il est très bon, très bien construit, il y a tout, mais il y en a ça. trop. Trop Donc en fait, tu peux dense, pas quoi. tout voir. Et, Et trop le fait généreux, de en dire que fait. tu peux pas tout voir en un visionnage, c'est un problème. Oui, pour moi, le film est trop généreux et du coup, on se perd dans des trucs qui auraient dû être peut-être plus Aussi. expliqués, plus. Clairement, il aurait dû être plus simple selon Moi, moi. je À suis la bien base. d'accord, c'est qu'il se perd dans des intrigues complexes qu'il n'explique pas. Éventuellement, qu'il l'évoque comme ça avec vraiment très, 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 de très légers éléments et qui ne permettent pas de construire une logique et qui fait qu'on se retrouve à devoir débattre. Après, c'est bien de Non, débattre, ouais, et mais puis. à la base, le film devait durer, devait faire deux parties. C'est ce que Cristario voulait faire. Il l'avait dit à J.J. Abrams à l'époque à Disney, à Kathleen Kennedy. Sauf que, je vais pas insulter, mais Kathleen Kennedy a dit non, en gros, on a peur que ça fasse pas assez de bénéfices. Du coup, vous allez faire qu'en une partie et mettez tout ce qu'il y a dedans. Bah, Ok, en même temps, ouais, quand on fait non une mais trilogie, le ça, but d'une trilogie, c'est c'est de faire c'est. trois films, quoi. Ouais. C'est bon, c'est fini. Non, mais c'est Oui, ça. Puis mais après, c'est pareil, je comme un trouve pas que moment. le film Au début. soit trop généreux, hein, Mais bien au contraire. justement, ça pour moi, c'est un problème du set. C'est parce que le set a trop traîné. Il a raconté des trucs qu'on savait déjà. Il aurait pu peut-être, comme vous avez dit au début, se pencher un peu plus sur le contexte. Parce qu'effectivement, on est un peu propulsé À la fin aussi, dedans. oui. Sur des trucs qu'on a déjà vus. Pour introduire des personnages qui auraient pu être introduits un peu de la même manière avec le 8. En fin de compte, c'est un peu le même problème que le 1. C'est qu'il n'est pas nécessaire. Et du coup, ce qui fait que tout est rattrapé dans le dernier, quoi. Tout ce qui est le plus important, Bon, si vous le voilà. voulez bien, on va clôturer ici. Je vais arrêter l'enregistrement. C'est cool. Regardez, vous savez quoi? On va faire un truc même ultra propre. Là, je vois, ça fait 2,59 et 50 secondes. On va arrêter pile à 3 heures l'enregistrement. Donc, je profite de ces 5 dernières secondes pour vous remercier de votre respect et on clôt le débat maintenant.